Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur OTP ou de retour bien sûr depuis ce matin. Bienvenue dans la journée numéro 2 de ce Season Finals avec aujourd'hui G2 eSports qui sortent de leur véhicule face au BDS dont on attend l'introduction. Ok, incroyable, incroyable. Très belle introduction, donc de type Houstonesque. Pitié le chat, un zoom fort sur la tête de Shéo et oh, vous l'envoyez en photo. Je vous en supplie. Non, surtout le clip Yumi is ban, Yumi, c'est parfait. Ah, moi, il me faut le zoom parce que vraiment, je pense à chaque ban Yumi, je veux ce truc qui pop. Moi, j'ai vu à la fin et évidemment, c'est bien joué de sa part, hein, mais j'ai vu un sourire un peu niais comme ça en regard facecam. Je veux cette image, moi. J'en ai besoin, c'est vital, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bienvenue donc dans le pré-show de cette seconde journée de Season Finals. Aujourd'hui, c'est G2 contre BDS. BDS qui met déjà l'ambiance, bien sûr, avec une superbe entrée de joueurs dont ils ont le secret avant de délivrer un best of five face à l'équipe championne en titre d'Europe. Les G2, bien sûr, qui ont pourfendu les Excel 3-0, vous vous en souvenez. Mais c'était il y a un petit moment parce qu'il y a une autre série qui s'est déroulée entre-temps. C'était hier et c'est la première place au championnat du monde qui a été délivrée à une équipe européenne. Les Mad Lions qui ont triomphé, encore une fois, de ces Excel et sur le même score que ce qu'avaient infligé les G2. C'était dur, celle-là. Elle était dure, ouais. Elle était super dure. T'inquiète, t'as géré. En même temps, honnêtement, déjà, ça va, Twix, parce que t'enchaînes, toi. T'as fait matin, soir. Non, il n'y avait rien ce matin. Il n'y avait rien ce matin, on est d'accord. Il n'y avait rien ce matin. Moi, je suis arrivé il y a 10 minutes, moi. Alors, en l'occurrence, je me suis réveillé après, donc pour moi, il n'y avait vraiment rien. Mais je crois que pour vous, vous êtes réveillé tôt, non? Non, la finale de l'ESK a été annulée. Ouais, je suis allé à la salle moi ce matin, c'est pour ça que je t'ai réveillé tôt. Donc vous êtes bien en forme, c'est cool. Ouais, grave, la patate. Et toi? Bah ouais, écoute, moi je me suis réveillé. On regarde Mad Excel, donc le. Bien joué. On regarde Mad Excel, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé hier. Donc je vous ai un petit peu spoil l'issue, bien sûr. Mais un 3-0 bien ajusté de la part des Mad Lions. Voilà, on ne savait pas sur quel pied danser. Oui. Et franchement, ceux qui ont dansé, ce sont les bots. Ouais, ils ont été très très bons, à commencer par la botlane. Hein, Illisang et Karzy qui ont dominé alors qu'ils avaient un match-up qui était très compliqué. Et ça a été intéressant de voir aussi des Mad Lions dans plusieurs styles. Ici, on voit le Ezreal Azir avec une énorme frontline avec un Ivern du côté de Lulia qui a été assez important dans le BO. Donc une composition, somme toute, très teamfight, très front to back. Mm-hmm. Et derrière, on a changé un petit peu la recette et ça a limite encore mieux marché. Avec un Niski sur le blanc qui a été très très embêtant pour Excel. Ouais, ça a été un petit peu le pic clé de Niski hier. Et on a vu des Mad Lions, on va en reparler tout naturellement, qui ont pas mal joué sur ce qui se passait en side lane, les amis. Hein. Peut-être un shift méta qui pourrait s'engager, ou alors simplement une arme de plus dans l'arsenal. Absolument, avec des pics dont on va reparler qui peuvent justement trigger des potentiels jeux en side lane, mais cette LeBlanc qui avait été extrêmement dérangeante et qui du coup avait pu permettre aux Mad Lions de revenir dans une partie où ils n'étaient pas tout à fait lancés. Elle était chaude, finalement. Ils avaient quand même plus de 6000 gold de retard, honnêtement. Excel devait gagner la partie, mais ils se sont fait catch un petit peu à droite à gauche. Je pense que le travail de vision et d'objectif n'a pas été bien fait. Le jeu en side étant toujours très très abouti. Pas de stacking de dragons, ce qui a été très embêtant pour Excel avec l'avantage qu'ils avaient. Du coup, on se retrouve en game 3 avec Camille LeBlanc qui a été joué, qui fait peut-être un petit peu penser à Camille Talia qu'on a vu ce matin en FPK, qui est très 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 fort et qui a été up en plus sur ce patch. Et ça, pour le coup, j'avoue que c'est peut-être une méta qui va être un petit peu différente, avec un Niski qui a joué Demolish LeBlanc sur des timings très intéressants pour prendre des tourelles. Vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette game 3 de Mad Lions qui a réussi à bien contourner le problème Excel. Le problème Excel étant, ils sont forts en teamfight, on ne joue pas les teamfights contre eux, on les arrache sur la carte et c'est ce qu'ils ont fait. Exactement, et pour les Excel, ils n'ont pas du tout trouvé d'état de forme particulier au niveau de leur bot side, hein, tout particulièrement ce qui avait beaucoup joué en leur faveur. Abedagu avait pas forcément l'opportunité de prendre un gros avantage sur Niski, même s'il n'a pas forcément joué à côté non plus. Et pour le reste, les Excel ne se sont pas particulièrement distingués. Un Odo a été solide, bien sûr, mais c'est pas suffisant pour remporter une game. Il a été solide sur Renekton, après il a pris un traitement très méchant avec du Lissand qui a repris. Oui, la dernière game, c'est terrible. Hein. Non, c'était difficile pour Excel, on les a pas eu vraiment performer. Et contre Fnatic, du coup, ça pose plein de questions. Entre Fnatic et Excel, le BO va être super intéressant. Tout à fait, avec donc les Excel qui ont été vus avec un état de forme assez. Pas bancal, j'ai envie de dire, mais inférieur au Mad Lions. En fait, je pense qu'on peut juste dire ça, inférieur au Mad. Puis la prépa aussi, côté Excel, qui a été un peu décevante, c'est Niski qui nous en parle en interview.
ils jouaient les mêmes champions, ils jouaient la même chose qu'un mois précédemment, un mois, deux semaines précédentes, oui, quand même. Plus ou moins, parce qu'ils étaient quand même en grande finale. Et c'est peut-être ça, pour moi, le plus gros défaut de Axel, c'est qu'ils ne sont pas venus avec des nouveautés, et du coup, Madeleine se les attendait, et ils les ont claqués. Ouais, peut-être au bout hein, de leur run summer, peut-être en sur-régime, toutes les suppositions les plus folles sont envisageables. Après, bien entendu, ils ont un peu de temps pour se préparer à face les Fnatic. Tout à fait, des Fnatic qui auront aussi l'opportunité d'apprendre de ce BO côté MAD qui ont apporté des réponses très intéressantes dans la manière dont il fallait jouer contre les Excel. Et du côté des Excel, bah, peut-être une semaine pour essayer de révolutionner un petit peu leur pick, même si on sait que leur principale force était, comme le disait Tréton, le teamfighting. Et est-ce qu'ils vont réussir à trouver une nouvelle corde à leur arc en quelques jours? C'est rien n'est moins sûr. Ouais, c'est l'heure du data mining vraiment pour les équipes qui ne sont pas forcées d'avancer sur la faille de l'invocateur. Et donc, tout naturellement, c'est l'heure de miner de la data également pour nous aussi. On fait un bilan sur les recettes qui ont été utilisées à plusieurs reprises hier soir, puisque forcément difficile de faire une analyse méta entre guillemets quand le premier match du patch c'était hier hein, en fait finalement. Donc avançons directement dessus. Qu'est-ce qu'on a joué principalement hier soir, mesdames et messieurs? Regardons ça directement. Donc les picks joués plus d'une fois hein, faites pas l'erreur comme moi, j'étais là wesh y a pas Camille, tu me refais ça tout de suite, mais en fait j'ai pas lu le titre. Et donc du coup ce qui a été joué plus d'une fois, eh bien ce sont des choses basique, mais quand même l'arsenal ADC, chiche. Oui, il y a beaucoup d'ADC qui ont été joués en effet. On va assez loin dans la poule de champions. Xayah qui a été mise un peu de côté, ce qui a été étonnant, mais qui a été aussi beaucoup ban. Il faut le dire. Après, Alistar Rell qui a été le duel durant tout le match, qu'on pourrait revoir d'ailleurs ce soir, ce qui pour moi est très intéressant dans cette liste de champions, c'est peut-être le Ivern. Avec la modification sur le smite sur Marguerite qui est moins fort, on peut moins one-shot l'ultimate de Ivern, qui a été joué en plus avec des champions. Enfin, il a joué Ivern avec Azir et Leblanc. Autant avec Azir, je comprends un peu, avec Leblanc, je pense que c'est très faible, mais c'était pas joué pour le duo mid-jungle, c'était joué vraiment pour l'ADC, et c'était intéressant de voir Ivern dans cette situation. Ouais, c'était pas vraiment une composition double AD, en mode Tristana, Azeri, etc., avec une rafale de shield, méta enchanteur, assassin. Je ne veux plus reparler de cette époque maudite, mais en soi, le Ivern, c'est juste la pure value, finalement, du champion, qui a peut-être grimpé avec cette modification de Smite. Bon, on n'a pas vu Annie pour autant, et on n'a certainement pas vu Yorick. Oui, c'est sûr. Mais alors, ce qu'on a vu avec Ivern, c'est surtout une capacité de jouer l'artillerie du côté des Mad Lions. Et on se souvient sur cette première game particulièrement, Ezreal, Azir, tu mets un mur de bush, et ils sont là, en train de people shield dedans, trop bien, hein, et ils te déboîtent la tronche. C'est vrai que le mur de buisson, enfin l'utilisation des buissons de Eliolia, durant les deux games où il a joué Ivern, c'était limite son spell le plus clutch. Et j'ai trouvé qu'il utilisait vachement bien, que ce soit dans les push, que ce soit pour les barons nashers ou pour des catchs qui ont donné le premier nash à Maldians contre Excel. C'était vraiment une belle utilisation. La plus belle utilisation que j'ai vu ça, c'est Fnatic durant précédemment dans l'année, qui avait été vraiment redoutable là-dessus. Razork, il a un très très joli Ivern, même si bien sûr ses doigts de fée sont capables de jouer bien d'autres choses. Vous avez vu, on a joué de la Sivir hier, et justement il s'est passé quelque chose avec Sivir, mesdames et messieurs. Un record n'a pas été battu, mais un leaderboard a eu une nouvelle entrée, dirons-nous. Voici le top DPM du championnat européen, avec bien sûr la légende Upset. Bon, Zeri 1804, Sivir 1708. Hop, il y a un petit Kerzi qui s'est glissé par là, parce qu'il a fait une game hier où il n'est pas passé loin des 70 000 points de dégâts. Bon, c'est quand même un très très gros morceau. Fameuse game où il fait un quadra kill alors que tout le monde pensait qu'il allait crever. Et puis surtout, au-delà de ce fight-là en particulier, une très très belle partie dans l'ensemble et un très beau BO. C'est beau de le voir rentrer comme ça dans ce leaderboard. Mm-hmm. Parce que c'est mérité par rapport au BO qu'il a fait. La montée en puissance de Karzy récente, on parle beaucoup de Niski qui joue très bien. Mais Karzy, un petit peu dans son coin, est capable aussi d'être, quand il est en forme, l'un des meilleurs carriadés d'Europe. Après, bon, ça reste un leaderboard assez exclusivement réservé à Zeri, Sivir et Zeri également. Et après, c'est Sivir. Et après, c'est Corki. Et après, c'est Azir. Et après, c'est Sivir. Voilà. Des petits facts maintenant sur ce qui s'est accompli. Vas-y, enchaîne, hein, Bichente, Bebou, t'inquiète pas. Voilà. Lisez bien et prenez-en de la graine. C'est exceptionnel. Hein. Eh oui. Et beau. Eh oui, c'est beau quand même. Et combien de passages en group stage? Oui, c'est beau. Hein. C'est très beau. Il y a eu des fails, mais j'aime beaucoup la petite parenthèse en parlant de Mac, parce qu'il l'a fait avec des rosters. Alors là, récemment, Madeline, c'est quand même des rosters qui sont très souvent forts avec Eliolia et compagnie. Il l'a fait aussi avec des rosters qui étaient un peu moins forts. Et je pense que le coaching staff de Mad Lions, on ne peut pas le mettre assez en avant. Il est régulier. Au travail. Bah, on voyait tout le temps comme ça cette équipe-là au World, c'est quand même très, très fort. Et moi, j'ai le petit rêve d'un jour voir Dylan Falco et Mac qui s'allient. Parce que j'ai l'impression que les forces des deux peuvent potentiellement bien.
bien marché ensemble. J'aimerais bien les voir un jour chez G2, mais en l'occurrence, c'est vrai que le palmarès de Dylan Falco est assez huge lui aussi. Hein. Il était là avec la première année de Caps, passé G2 après. Enfin voilà, il a fait beaucoup. Hein. De l'extérieur, j'ai l'impression que c'est le côté vachement analytique. Mac plus le côté humain, etc., qui peut marcher. Je sais pas, j'ai l'impression que la fusion des deux serait très forte, mais en tout cas, Mac, chapeau. Ouais, chapeau, effectivement. On a de très solides coaching staff. Et Niski, effectivement, ne tarissait pas d'éloges envers son coaching staff, où il remerciait Mac, il remerciait Zef aussi, hein, notre cher Zef, qui est également sous le maillot Mad Lions désormais, et plus LDLCOL, et qui va donc participer au championnat du monde. Félicitations à nouveau à lui, même si on l'a déjà félicité hier soir. Avançons dans ce pré-show, mesdames et messieurs, avec un sujet épineux. Les All Pro Team. Alors, petit rappel déjà. Oh, oui. La All Pro Team du LEC, c'est celle-ci, mesdames et messieurs. Elle est simple, elle est claire, elle est nette, elle est précise, elle est G2. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Broken Blade, Yae, Caps, Ansama, Mickey. Voilà, aucun joueur ne s'est infiltré et a brisé la cohésion des G2. Donc, beaucoup de personnes ont discuté parce que la All Pro Team LFL, c'était un truc quasiment Only Carmine Corp. All Pro Team LCK, c'est un truc seulement quasi Katie Rolster. All Pro Team LEC, c'est un truc qui est seulement G2. Est-ce qu'il y a vraiment de la data derrière tout ça? On a été chercher. Bon, en Europe, en tout cas. Et voici, avec la data, notre All Pro Team, mesdames et messieurs, qu'on vous présente fièrement. Oh, la surprise. J'ai pas vu venir. Donc oui, la data est bonne, mesdames et messieurs, la data est bonne en réalité. Quand on va chercher les chiffres, donc avec les ratings, avec notre analyste Genesis, bien sûr, un truc vachement abouti, tout est disponible et transparent, disponible sur Twitter, enfin sur X, pardon. Donc voilà, assez facilement retrouvable. C'est sans appel, en réalité. Moi, personnellement, pour être un peu différent, peut-être tu peux mettre un petit Razork par rapport à vraiment saison régulière, mais sinon, les quatre autres, je pense qu'ils sont impossibles à bouger de manière objective sur ce split. Ils ont été juste les meilleurs, ça semble relativement logique. Tout comme Kitty, j'imagine que TLCK a été les meilleurs durant le split régulier. En fait, le truc, c'est que limite, la All Pro Team, je pense qu'il faudrait peut-être même la faire après les playoffs, parce que on est tellement. À chaque fois, la All Pro Team, elle arrive au moment des premiers tours de playoffs. Mais il n'y a pas assez de matchs après pour comparer les performances. En fait, l'intérêt de faire une All Pro Team, c'est que les équipes disputent le même nombre de matchs. Oui. C'est. Enfin. Enfin, t'es déjà Moi, je préférerais après les playoffs, parce que du coup, à chaque fois, on est biaisé de fou. Bah, tu vois, c'est terrible. On sera biaisé de fou, quoi qu'il arrive, parce qu'il y en a qui fait un BO5 et d'autres. Ouais, mais tu vois, la LCK, c'est terrible. Tu vois, Katie All Pro Team, ils se font sécher par T1. Ça a été la meilleure équipe de saison régulière, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure équipe en grande finale et tout, tu vois. Ça, tu vois, genre, être la meilleure équipe en BO3, c'est pas la meilleure équipe en BO5. En plus, ça c'est particulier aussi avec c'est notre format, ouais. Le LEC, parce que t'as aussi des BO3, t'as plus ou moins d'équipes déjà de games qui sont joués, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que c'est legit, et il faut le même nombre de matchs disputés, sinon c'est vraiment très très déséquilibré. Bon, du coup, on a mené l'enquête sur la première All Pro Team. Regardons les autres, parce qu'il y en a trois. Au final, regardons les All Pro Team 2 et 3. Odo Amné, Razork, Humanoid, Noah, Trimby pour la numéro 2 et pour la numéro 3, Oskarinin, Jankos, Abedague, Patrick et Limite. Ça, c'est pour le championnat européen, mesdames et messieurs. Regardons de notre côté, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. On ne porte pas la même attention aux mêmes détails, mais il y a des trucs relativement similaires. Nous, c'est essentiellement la mid lane. On n'est pas vraiment d'accord. Ouais, un petit VTO. Mais en vrai, Top N aussi, Adam qui démarque, un Photon aussi qui arrive. Bon, Photon, ça m'étonne aussi, ouais. Ouais, c'est étonnant, mais c'est des stats pures et dures. Après, ça dépend de l'importance que tu accordes à certaines stats, pour le coup. Bah ouais, je pense que limite, autant les stats, tu vois, d'ADC et de mid, je pense que c'est assez accurate de prendre vraiment des stats pures et dures, parce que c'est des rôles qui sont très forts pour ça. Après, supporter jungle, c'est toujours très très difficile à noter, parce que c'est très particulier, hein, entre un jungler qui va faire que de farmer, qui va avoir des bons dégâts et tout, et un jungler qui va faire beaucoup de gank, c'est dur de savoir qui joue vraiment le mieux en vérité. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Voilà, bel hommage rendu ici à Niski qui faisait pas partie de la sélection top 3. Alors que bon, voilà, il a quand même fait un très très bon travail. Hein, c'est sur l'ensemble de l'année, bien sûr, mesdames et messieurs. Crony, Labrov également qu'il faut saluer parce qu'ils ont fait un très très gros boulot à travers ces trois splits de ELEC et donc beaucoup de matchs disputés. Même si encore une fois sur l'ensemble de l'année, voilà. C'est un petit peu déséquilibré entre certains joueurs, mais au final, le gagnant reste G2, et ça, il n'y a pas vraiment de discussion à ce niveau. Ils ont tout
péter tout simplement. Et on va continuer sur cette run, justement, en parlant bien de G2. Sont-ils seuls en Europe? Eh bien, discutons-en. C'est quand même convenable comme statistique, hein, parce qu'on parlait de ces G2 au Spring, un petit peu en dessous, bon, qui se qualifie au MSI un peu par hasard, sans avoir gagné de BO5. Mmh. Mais force est de constater que malgré tout, sur l'année, dire que les G2 ont dominé, c'est quasiment un euphémisme. 21 games, bref. Les G2 sont actuellement loin devant les autres. Niski nous en parlait même, lui aussi, hier. G2, meilleure équipe d'Europe, ça a été ses premiers mots quand je lui ai posé la question vis-à-vis du reste du classement. Pourtant, bon, ils n'ont pas fait le sans-faute, ils sont tombés contre les MAD. Oui. Et c'est le millénaire des MAD lui-même qui nous dit « Oh non, G2, laisse tomber, trop gros morceau, c'est vraiment très gravissime. Ça m'étonnerait qu'il leur arrive un incident. G2 étant en astro-smurfing, vous voyez ici... 76% win rate au winter, on finit en summer, 85%, bon, entrée, plat, dessert, hein, j'ai envie de dire, juste au milieu, on a pris un petit apéro, on a fini quatrième, bon, c'est pas trop ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais bon, on a directement redressé la barque. Ouais, ils ont été très bons aussi depuis le retour du MSI, je pense qu'ils ont appris aussi beaucoup de choses, ils ont réussi à... Là où Mad Lions, ça a plus eu du mal après le MSI, ils se sont fait des victoires rapidement, ils ont eu un petit peu de mal dans la continuité. J'ai l'impression que G2, eux, ont beaucoup plus pris du MSI et ils sont revenus avec une forme qui est indécente, et de toute façon, quand tu vois le roster... on n'est pas forcément surpris de voir un G2 qui domine. Bien sûr. On se souvient de leur série contre les MAD, hein, c'était une série extrêmement serrée, donc même si dans des théories du complot on peut se dire oui, MAD a simplement, G2 a simplement ralenti au Spring parce que bah, ils avaient déjà au MSI et tout, et, ça peut se défendre éventuellement, mais quoi qu'il arrive, ils ont loup sur un BO très très accroché face aux MAD Lions, et je pense qu'ils ne le voulaient pas, quoi qu'il arrive, ça c'est absolument certain. Donc voilà, ils n'ont pas fait le sans faute au sein de notre championnat européen, mais arrivent malgré tout dans un état de forme extrêmement inquiétant pour leurs adversaires. On avance dans le pré-show. Oui, tout à fait, mon cher Bichente, tu peux envoyer directement plutôt que... Voilà, tu peux envoyer direct. Les BDS, donc les adversaires du jour, donc ils sont sur le chemin des G2. Ah, effectivement. Vont-ils faire blocus, blocage? On parlait d'upset, que ce soit même Striker sur Twitter qui disait on est là pour essayer d'aller chercher. Tu as fait une très belle blague d'ailleurs, Tréton, dont il était très très fier. Mais en fait, les BDS, le seul problème, c'est que, et on va y revenir juste après, on a l'impression qu'ils n'ont pas la formule pour aller chercher contre G2 et ça va peut-être leur coûter cher aujourd'hui. C'est vrai que quand tu regardes les rosters, basiquement, c'est difficile. Après, ils ont l'air d'être en confiance. Il y a des tweets, etc., qui partent. Faut voir, C'est une équipe clutch. C'est une équipe qui est clutch. C'est une équipe qui, je pense, en termes de... Pour moi, leur spring est beaucoup dû, leur très bon spring, est beaucoup dû à la compréhension de la méta qu'ils ont eu avant tout le monde. Ils ont aussi très bien joué. Bien mais sûr. J'avais vraiment des drafts qui étaient excellentes. Ils avaient des setups qui étaient très bons. Ils faisaient des bons teamfights. C'est parfait. Et c'est peut-être un timing où, pour battre G2, il faut qu'ils soient en avance sur la méta, je pense, par rapport à eux. Il faut qu'ils aient des meilleurs drafts. Je pense que c'est maintenant ou jamais, entre guillemets. C'est l'occasion rêvée. On revient évidemment sur le track record de BDS. Vas-y, mon cher Bichente. Hein. On peut y aller. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Track record donc. Eh bien, les adversaires qui ont le plus de succès contre les BDS, eh bien, apparemment, ce sont les G2. Faut dire, les deux équipes se sont pas mal affrontées quand même. C'est ce que disait Fingin, c'est qu'il n'y a pas forcément la recette aussi. C'est très très difficile d'aller les bouger. Il y a des joueurs en face. BDS a souvent gagné par soit une domination botlane très très forte, soit un top jungle qui domine beaucoup. C'est dur à faire contre G2. En règle générale, ils ont peut-être du mal à ce niveau-là. Il va falloir trouver la clé. Honnêtement, personnellement, j'ai pas forcément la clé, mais peut-être que Striker ou GoToOne l'ont trouvé. Moi, je me posais la question aussi, ouais. Mais BDS, tu vois, de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est une équipe qui arrive à jouer académique, qui joue propre, qui joue les rotas, qui joue la macro, qui sait avoir des phases de lane propres. Mais qui peut aussi... qui peut, bien sûr. Être folichon. Mais le truc, c'est que lorsque tu as une équipe qui joue académique et l'autre qui joue le chaos permanent côté G2 et qui en plus de ça peut stomper tes lanes, est-ce que tu as le temps de mettre en place ta macro? Pour moi, c'est peut-être ça qui peut clocher aussi par moment. C'est sûr, après le chaos supposé de G2, moi j'ai le sentiment que c'est juste que c'est la vitesse qui est un peu trop élevée pour qu'on puisse suivre un petit peu tous les bails qu'ils font. C'est vrai que ce summer, ils ont un peu changé d'approche. Moi j'ai un peu ce sentiment. Ce summer, ils étaient en mode front to back. Quoi. Summer, ils étaient en mode front to back, on est meilleur. En fait, ils sont revenus du MSI, ils ont fait le MSI. Et... Donc ils sont très difficiles à battre là-dedans et on voit que c'est les Mad Lions qui ont réussi le plus et c'est notamment grâce à ce Spring où forcément en BO5 il y a eu la victoire. On pourrait qualifier les Mad Lions de prédateurs de G2 du haut de leur 40% de win rate. Tout à fait. Donc c'est.
Voilà, non, c'est vrai que c'est un des challengers les plus sérieux pour l'équipe des Samouraïs. Donc, vous l'avez compris, hein, globalement, qui arrive favorite ce soir, bien entendu, face au BDS. Regardez maintenant, eh bien, puisqu'il s'agit de transition de patch, on va regarder un petit peu ce que nous font les petits joueurs en solo queue. Mesdames et messieurs, on va commencer par BDS. Voir un petit peu s'il y a des transitions, des trucs qui se préparent. Notre cher Adam, apparemment, il a pas mal bossé du Aatrox, là. Ouais, il a bien raison, le champion a l'air d'être fort, après pas si facile à manier. Chez O. Moi j'aime bien qu'il ait Atalia. Après je pense que c'est aussi un champion. Chez O, sur les AP jungle, surtout qui ont des dégâts, il a toujours été très très fort, il était connu pour Echo. Bon, c'est pas le même. Non, même c'est que sûr, Talia. Mais oui. Mais il est fort dans ce genre-là. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est Crowny, qui s'est mis à jour très vite sur la Zeri. Je pense que Zeri c'est très bien. Et qui est à jour aussi sur un contre de Zeri qui est Twitch. On n'a pas eu depuis longtemps, mais si Zeri est blind pick en permanence, Twitch, personnellement, j'aime bien la réponse. Xerath ? Un petit peu. Xerath, moi ça m'étonne pas. Le champion a été remodifié autour de son ultimate, blabla, mais qui fait beaucoup plus de dégâts si on touche bien. Et dans la méta actuelle, avoir un contre à Azir qui reste quand même omniprésent, Xerath en fait partie. Ouais, on est bien d'accord. On pourrait éventuellement déployer ce genre de stratégie, mais Talia Flex mid jungle, moi ça me plaît beaucoup hein, du côté de BDS. Regardons maintenant ce qu'on font les G2, mesdames et messieurs. Spoiler, il y a des trucs. Ah. Ouf ouf. Ouais. Ouf, la petite Nefiri. Alors Shrik nous en parlait hier en tant qu'expert d'Nefiri, bien sûr, on a été voilà, on lui a demandé son avis, son opinion. Nefiri top hein, pour lui, c'est que sur ce poste-là qu'on pourrait en voir. Mais bon, Caps, il aime bien. Après bon, Caps en solo queue, ça reste un zinzito. Mais il y a le petit Yone aussi hein, qui s'est fait buff sur ce patch 13.15 et qui pourrait avoir une forme inquiétante. Et bien sûr Mickey, bon. Ça cook. Oui, il est. Oui, non, c'est Alessandra. Alors, c'est vrai que j'en ai vu quelques-unes. Moi, ça m'a pas impressionné, mais peut-être que Mickey a trouvé une solution. Après, c'est un mec qui joue aussi du TF support, par exemple, ouais. Et qui était très très fort dessus. Enfin, Mickey, il est capable de jouer vraiment beaucoup de choses. Et Nefiri, il y a un vrai problème autour de ça, parce que comme le disait Shrik, c'est plutôt top lane, mais t'es quand même obligé de penser au flex. Tu connais pas bien le champion. Tu sais jamais. Ouais. Et je pense que c'est un joker qui est intéressant parce qu'il y a un manque de connaissances flagrant des équipes quand ils vont se taper Nefiri. En jungle, en revanche, on reste relativement combatif. C'est vraiment une champion pool de solo queue pour le oui. coup. Donc j'imagine que Yike garde en réserve tout ce qu'il peut jouer. Après, aucune inquiétude. Okay. Pardon ? Maokai. Maokai. Aucune inquiétude pour Yike. Il n'a pas été timide pour sortir et populariser Belvet. Nul doute que si on parle de Talia, il saura la piloter. Je pense qu'en termes de flexibilité de champion, c'est vraiment pas un joueur sur lequel on peut avoir émettre des réserves. À moins qu'il ait peut-être une dark zone avec 2-3 champions qui ne peut absolument pas toucher. Comme par exemple moi avec Kalista, tu vois. Après, tu t'es comparé à Yike en plus. Après, pour le coup, Talia reste un champion qui est particulier. Vraiment, dans la jungle, c'est vraiment particulier. Bah ouais. Et ou avant de me flame, tu pourrais expliquer à nos oui, joueurs. Oui, mais bon, je pense qu'il peut le jouer tranquille. Vu le super, ça va, ça reste pas toi sur Rocket League, quoi. Oui, et puis moi sur Talia aussi, je suis nul, il hein, n'y a pas de souci. T'aurais pu directement flame sur les gars. On peut faire un 1v1 Talia, oh let's go. Peut-être que tu gagnes. Après, je pense qu'un 1v1 Talia, c'est tellement random, tu peux même prendre un. Ça, c'est random. Comment c'est random. Tu touches le W, tu vois. Bah oui, mais faut le toucher. C'est le principe. Non, mais honnêtement, tu c'est peux comme gagner toucher un bisou dans un V1 Harry. Mais un V1 Talia, tu peux le gagner contre beaucoup de gens, je pense, tu vois. Bah, si même contre un pro, si tu touches le W, oui. Bah ouais, mais voilà, c'est tout. Donc, c'est, mais un pro, il est skillé. Bah, je t'ai touché, j'ai gagné. Oui, mais. C'est juste qu'il fait un skill shot. Ah, mais tant qu'à faire. C'est comme si on faisait un duel Malzar et c'est le premier qui touche le R. On fait le duel Mundo, là. On va dans le pit du dragon, on fait le duel Mundo, si tu veux. Ou du Nash plutôt. Mais on va dans. Je t'extermine. Dans Mundo Machette. Oh mon pote. Tu sais que pour le coup, j'ai battu beaucoup de pros là-dessus. Ah ouais, t'as battu non, je suis pas horrible sur ça. Ah, moi j'ai fait 3 tournois. Ah ok, on peut le faire, c'est chaud. Okay, c'est ça que je suis chaud. Okay. Le content. Allez, mesdames et messieurs, on va parler maintenant des états de forme avant de rentrer dans la série. Et on va parler bien sûr des BDS, donc les résultats récents pour l'équipe. Alors vous voyez pas très très bien, mais c'est Team Heretics, hein, bien sûr, parce que j'avoue que le logo, on dirait juste un galet pour le coup. Oui. Donc voilà, on est à Nice à nouveau, c'est merveilleux, LFL Days round numéro 2. Mais oui, il y avait cette confrontation aller-retour face aux Heretics, où on en a gagné une et on a perdu l'autre, bien sûr, du côté de BDS entre les deux. Et on s'est mangé un petit G2 qui, très franchement, les a pas épargnés pour le coup. Donc dans les derniers matchs disputés, défaite Heretics, défaite G2. Mais bon, c'était les derniers matchs officiels. Et un peu comme on en a parlé hier avec les Mad Lions, ils nous ont prouvé que ça ne voulait pas dire grand-chose. En réalité, ça fait un bail que ces matchs ont eu lieu.
un bail, on a changé de méta, on a dû travailler entre-temps. Les BDS, on peut être sûr qu'ils se sont préparés à ce qui va se passer aujourd'hui. À voir dans quelle mesure les G2 vont justement y répondre, ou eux-mêmes, quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées. Mais on sentait que BDS était un petit peu en méforme sur la fin de saison du Summer. Tout peut être renversé depuis. Ouais, complètement. Tandis que les G2, on ne va pas y revenir, bien entendu. Et c'est les champions de cette saison Summer. Donc, état de forme des G2, champion en titre. Voilà. Globalement, je pense 3-0 contre Excel. Je pense que ce sera largement suffisant. Enchaînons, mon cher Bichente. G2 BDS, en global, ça donne quoi? Eh bien, voilà. Juste, on appuie encore un petit peu sur ce fait que G2 est favori et BDS est challenger. Et moi, j'aime bien cette situation pour BDS. Parce que je trouve que c'est dans celle-ci que... Enfin, c'est mon interprétation, peut-être qu'elle est erronée, mais c'est dans celle-ci que je les sens les plus libérés. C'est-à-dire la position de underdogs, c'est super confortable quand t'es une équipe bourrée de clutch factor comme ça. On peut aller même plus loin. BDS, au-delà de contre G2, était une équipe underdog dans tout le LEC par rapport au roster qu'il y avait en début d'année. Personne pouvait penser qu'ils allaient faire vraiment des bonnes performances. Ils ont fait une performance qui était correcte en winter. Moi, j'aime bien. Mais en sortie, en spring, ils ont été excellentissimes. Personne s'y attendait. Et c'est vrai que c'est le moment où on les attendait limite le plus, qu'ils ont été du coup décevants en summer. Là, on est reparti sur un timing où on les attend pas. Et c'est vrai que c'est là qu'ils sont probablement le plus dangereux. Après, G2, c'est G2. La comfort zone. C'est de l'analyste. Moi, ça fait depuis un an, je dis la même chose. Donc, c'est bon. Les gens ont compris, je pense. Ansama, c'est Ansama. C'est Ansama, c'est Ansama. Caps, c'est Caps. Caps, c'est Caps. Yike, c'est Yike. Broken Blade, c'est Broken Blade. Du coup, on le paye, c'est ça. Et Dylan Falco, c'est qui? Et Piki. Et Pikix. Pikix. Tu viens de le cœur, ça, non? Et Mikix, c'est putain de Mikix. Je pense que c'est vraiment lui dont on parle pas assez pour le coup. Et Pikix, c'est mutin de Pikix. Pour moi, lui, c'est le vrai meilleur joueur de G2 et au niveau du monde. Mais le monde n'est pas prêt, bien sûr. Le monde n'est pas prêt pour Pikix, je pense. Alors, on voulait faire un petit point sur les solo kills, mesdames et messieurs. Tout simplement parce qu'il y a peut-être un record qui va être battu. Adam Neka, 13 solo kills d'égaliser. Ouais. D'égaliser le record instauré par Caps en 2019. C'est quoi 13 solo kills? Bah, c'est 4 par game, quoi. C'est rien du tout, donc c'est tout à fait envisageable. Et Broken Blade également, qui pourrait battre son propre record, tout simplement, et le record précédent d'Adam. Hein. On est déjà à 28 du côté de Bibi. Donc voilà, force à eux. L'année 2019, elle est ridicule, Caps. Mais il a pissé sur tout le monde. Des solo kills en top lane où il peut y avoir des dives et tout, quoi. Là, il y a des 69 games, etc. Il a 52 games, 45 solo kills. Il a quasiment solo kill une fois par game. Enfin, c'est n'importe quoi. 2019, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais peut-être que Adam va le dépasser. 13 solo kills. Adam, on te souhaite tout le meilleur. Enfer et destruction à venir sur la faille. Bien sûr, l'enjeu, une place aux Worlds en compagnie des Mad Lions pour représenter l'Europe. Mesdames et messieurs, le best of five entre G2 et BDS commence dans quelques instants. C'est parti. For our opening match of the week in the first ever season finals of the LEC, BDS takes on G2 Esports in the upper bracket. The winner will secure their spot for Worlds and get one step closer to Montpellier. The loser gets sent on a detour through the loser's bracket. If G2 is on top of the league, I want everyone to feel like we're the enemy and try to beat us, you know? BDS had a huge resurgence this year. They've gone from being a 10th place team only securing a single win at the beginning of the to being the spring finalists. BDS are one win away from being your champions! It feels amazing, yeah. And I'm very thankful to my teammates. Each member of the team is stepping up and having impressive performances. Ultimate going right back into the fight! What a turn from LeBron! His devastation! Despite that, we do need to consider them as the heavy underdogs when facing off against the team that has lifted 11 trophies in the LECs. Over the course of the year, the only game BDS has taken off of G2 was in the group stage of Winter, in a best of three that was eventually won by G2. Like for example, Adam, I respect the way he plays the game. He just says, I'm gonna play Olaf, Darius, Set, and I'm gonna play it good. They are just steadily getting better. G2 have dominated Europe this year, winning both winter and summer convincingly. Only losing out in spring due to a self-proclaimed overconfidence. We have a common thing in G2 that we were really, really cocky at time. We'll have to see if this overconfidence might make a return after their summer's performance. Stand in place, finally looking for a kill! What? It's you so what? Far!
With a world spot on the line, BDS will need to bounce back from their mediocre summer split and show their spring form once again to prove that they belong amongst the best that Europe has to offer. Et oui, mesdames et messieurs, la vision du LEC est à peu près similaire à la nôtre. Les G2, un ogre face à des BDS qui, certes, ont eu une très bonne période, mais elle commence à remonter un petit peu. C'était la période du spring, justement. Elle était fabuleuse, fabuleuse. Bon, après, c'était pas non plus... Mais c'est loin. Voilà, c'était pas il y a très longtemps, mais ça commence à être un petit peu derrière, malgré tout. Ça commence à être derrière. On a la draft qui est déjà bien avancée. T'as fait parler du Kled, top de Broken Blade, que j'ai croisé récemment, et il le joue très bien. Extrêmement bien dans ce match-up face à Renekton. Il y a un Hiverne qui a été pick par Cheo. On pourrait s'attendre à quoi du côté du Nuke? Est-ce qu'on s'attendrait à un Jace ou est-ce qu'on s'attendrait peut-être à une Cassiopeia plus une Kai'Sa d'abord pour Crony? Wow. Ça va très vite. J'ai l'impression que les deux équipes savent déjà ce qu'ils veulent pick. Ouais, je m'intéresse surtout au ban. C'est le ban de Talia. Voilà, instantanément, manifestement, voilà, tout le monde a vu juste. C'est en haut de la chaîne alimentaire. Cheo est bon dessus. Respect ban de Olaf, ça ne bougera probablement jamais. De l'autre côté, bah, évidemment, on respecte avec une grande intensité notre cher Ansamar. Est-ce qu'on mettrait pas un petit ban tout de même en plus sur le support pour G2? Le blanc Kled, hein, c'est quand même une petite intensité. Ou est-ce qu'on garde vraiment la possibilité d'aller en chercher un autre et de se mettre voilà, c'est bien, des bas de support pour G2, évidemment. On ne croit pas en cette Red Jungle, et pourtant, on a vu un clip juste avant de Yike qui faisait un move avec... Ouais, un pic qui a été important en finale, hein, pour les G2. Bah, il a... Yike, tu peux lui mettre n'importe quoi dans les mains, maintenant, on est totalement confiant. Il avait démoli le BO. Hein. Ouais, il a démoli pas mal de choses. Comment ça? Non, mais pour être gentil, enfin. Comment être correct, ça? Il a démoli pas mal de joueurs, de joueurs. Ah ouais, ok. De games, tu préfères, évidemment. Bon allez, surprenez-nous BDS. Prenez quelque chose d'atypique en mid lane, en support. Plus en bien, support. Et bien ouais, c'est. Oh, oh. la Akali. C'est toi qui me disais que les OTP Akali se régalaient en ce moment. Ouais, j'en ai. Mais c'était pas le bon patch. Je crois pas, c'est pas celui où le Q est buff, ça. Non, c'est 13.16. C'est 13.16 le buff Akali. Évidemment. Oh, oh, oh. On réinvoque la recette. Alors, la recette VTO, I guess, puisqu'on parle du LEC. Ouais, la recette VTO. C'est VTO qui est vraiment excellent sur ce champion. ADC comme mid lane. Par contre, contre le blanc. Point d'interrogation. Bah non, c'était justement joué dans le blanc. Ouais, mais c'est point d'interrogation parce que ça reste toujours un match-up tricky. Tu peux pas être en mode oui, c'est facile, tu vois. Il y a toujours un monde selon le jungle. Il faut jouer Hell of Blades. Hell of Blade, il faut. En fait, c'est pas une free lane. Même si VTO est à l'aise dedans. Le coq brome. Oh non. Putain, le coq brome de retour. Tu peux pas être à l'aise face à Leblanc. Oh. Oh non. Oh. Oui, 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 oui. Non, ça va être coq. Allez, c'est le coq. C'est le coq. Oh. Oh. C'est le coq. Foutu lac d'interface. C'est le coq. Et comme je disais, ouais, le match-up en pur 1v1 est fine, mais Leblanc, c'est jamais du 1v1. C'est toujours du jungle V2v2, jungle mid. C'est vrai que ça arrive souvent quand même, hein. C'est un champion qui excelle particulièrement dans le setup. Donc Kai'Sa, oui, tu mets tes marques et tu gagnes le 1v1. Mais tu vois, je me dis que Leblanc, au final, c'est dur. Elle s'est fait nerf là où ça n'a pas été... Enfin, Kai'Sa aussi, mais le nerf de Leblanc en mode il n'y a plus le moissonneur nocturne, c'est peut-être un peu plus impactant que celui qu'a subi Kai'Sa. En vrai, les rôles sont différents. Ouais, non, ça va, ça se discute. Dans le pur 1v1, toujours avantage Kai'Sa dans le match-up. De toute façon, tu t'achines avec Leblanc, ensuite Kai'Sa peut te follow à partir du niveau 6. C'est très risqué. Mais d'ailleurs, qu'en est-il du setup long range de la team BDS? Car là, on a une draft bien régulière, bien enchanteur. Zeri Kai'Sa avec deux bottes de shield. Papa Caps. Et avec bien sûr le stat check Renekton qui reste inamovible. La draft BDG2 est trop bien. J'ai envie de la jouer tous les jours. T'as Leblanc en mid lane, t'as Rell en jungle, t'as Kled qui peut engage. C'est beaucoup trop fort. Je suis turbo fan. Et en plus, le classique
Kogmo plus Brome qui a fait des massacres tout le long de la LEC. Dans une compo double ADC, effectivement, avoir un Brome, ça paraît être un argument de taille. Mesdames et messieurs, on va voir ce que ça donne dans la faille. G2 contre BDS pour les Worlds, c'est maintenant. Première game de ce best of 5 donc. Compo enchanteur, double ADC pour les BDS. Et d'après le théorème de VTO, c'est pas la bonne rune pour Nuke. D'après le théorème de VTO, et pour le coup on peut lui faire confiance pour pas mal de match-up mid lane. Kai'Sa étant l'un de ses most play, je dirais peut-être pas most play, mais plutôt où il est le plus fort en LEC. On peut considérer que c'est un de ses picks signature, donc forcément... Oh, est-ce qu'il va avoir la ward? Eh non, le spot est très très bon. On n'a pas vu très, la ward. Très très bon. Alors les runes, hein, pas de dinguerie opérées sur la top lane. Je m'attendais peut-être à voir un Ignite, tu vois, sur ce Kled, mais ce n'est pas du tout le cas. Ah, il joue toujours TP Broken Blade, même en solo queue, je vois presque toujours partir TP. Même contre Olaf, je l'ai vu partir TP. J'imagine que c'est très très dur de jouer tout de même la carte quand tu n'as qu'une seule téléportation. Ouais, c'est certain. Après, j'ai mon lot d'interrogations vis-à-vis de ce Kled dans Renekton. Parce que c'est Renekton, c'est le stat checker par excellence. Et parce qu'un Kled, tentative de Mickey, un Kled en réalité, attention les trades early game avec Kogmo, attention faut être vraiment très prudent. Ah, classique, un Kogmo à son W up, ouais. Tu recules, t'attends, 7 secondes, c'est reparti, t'y retournes. Pour revenir à ce que je disais, Kled c'est très fort avec le spamming de Q et tout, mais le problème avec Kled à mon sens, c'est le Z, le W. Parce que il se prend automatiquement quand tu last hit, donc tu sais, il y a des timers quoi. Ah, c'est pour ça que les meilleurs joueurs de Kled, Wingby Company, ne level up pas, enfin. Il délève pas avant de... Il ne pas le W tant qu'il n'y a pas un trade qui le nécessite. On se suicide niveau 1 pour faire tomber la monture et on sait qu'on traîne. Il l'amour là. Ah non mais c'est du sale. C'est du sale et c'est comme ça que tu joues Kled. Tu te mets entre la wave niveau 1 face à Renekton, il n'a pas de quatoline. Tu récupères ta monture, tu as gagné la moitié de la vie du Renek gratuitement. C'est assez fou, hein, surtout que avec un Kled, c'est forcément, à quasi coup sûr, un plan de jeu dive top lane. C'est Kled est over-cheaté pour Dive. Ah que oui, c'est il pour est ça tellement qu'on a trade, cheaté. Hein. C'est pour ça qu'on a trade pour Broken Blade, évidemment, le match-up le permet, et surtout on veut setup des dives, des grosses waves. Oh, quoique. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on va mid ou est-ce qu'on va top? On n'a pas encore été... Oh, le push bloque la vision sur cette mid lane, la chaîne qui va connecter évidemment sur Nuke, on flash in pour Yike, on va mettre le step et on manque de dégâts. Oh, la tourelle qui a quand même pas mal croqué les points de vie de Yike. Nuke est out et est forcé au back TP. Il faut le dire, mais quand même, on a un Yike qui est pas dans le meilleur des spots. Il sera peut-être pas au rendez-vous pour venir aider son top laner. Sheo qui intervient, Adam qui stun. Broken Blade peut-il sortir? On va avoir le dismount, mais c'est pas encore terminé. Oh, il y va, il a aucune peur, il a du et backup. Et il a pas auto, il a son W. Il a du backup de Yike, il a sa monture qui revient, il n'a pas peur, le top laner de G2. Attention, parce que si Adam stack voilà, de la rage et le flash stun, je pense qu'il est mort. Hein. La wave bounce back, il a tanké la pression de Sheo. Par contre, on n'a même pas peur de flash. Il a même pas flash. Je te parlais de... Personne n'a flash. Bon, bah trop. Ah si, la brave, c'est le premier flash qui a été consommé. Ah, tu peux pas jouer. Enfin, c'est celui de Mickey, pardon. T'en penses quoi d'une botlane qui hard outscale? Bon là, en l'occurrence, c'était deux hard outscale, hein, on va dire. Mais qui peut quand même jouer fort le timing de V2 early game, comme Kogmo ou Brome. Je pense que Brome a quand même l'inconvénient de ne pas être un excellent support dans toutes les conditions. Ouais. Et que donc du coup, s'il est bien drafté, bah, ça me paraît normal qu'il ait un gros impact. Tandis que lui, bon, bah, tu la mets dans n'importe quel contexte. Ouais, Kaya nous l'a montré. Attention, plus de W sur Broken Blade. Adam qui n'a pas vu l'information, ça va être un kill. Oh, c'est difficile pour Adam. Peut-il encore sortir double dash out, flash out? C'est un Kled sous tourelle. Mais kill. Ce sera insuffisant pour faire tomber Adam. Pas de kill, la téléportation est disponible pour Adam. Broken Blade a perdu sa monture, il va falloir la récupérer ou base maintenant. Au base. C'est un base. Attention, Adam a un timing. Je pense pas qu'il puisse crash la wave. Attends. C'est quoi la prochaine? Surtout, c'est quoi la prochaine wave? Ah, c'est une wave normale, là, ce timing-là.
Bah, visiblement, oui, puisqu'on est sur le mid. Et donc, même dans tous les cas, on n'aura pas le temps. Il va pouvoir crash, mais il pourra pas deny de wave à Broken Blade. Ouh, ce Q connecté. Touché, ouais. C'était tapis, hein. Mais ça va, on tient la route pour aller BDS. Même plus que ça, en vrai, on a un farm plus que décent, on a un peu de chip la tourelle. Bah, comment tu vois, en vrai, le mid-game, le late-game? Qui a l'avantage? Parce qu'on a Sheo avec... on a double enchanteur d'un côté. Bah, mais en même temps, on a pro plus de la sideline potential. Oh. On pourrait peut-être turn ici, mais il n'y a pas Marguerite. Et un Brome dans ces conditions, c'est véritablement redoutable. C'est peut-être un leash ici qu'on a opéré, mais les G2 n'ont pas l'air d'être en pleine confiance. BDS ne lâcheront pas l'affaire parce qu'ils ont le Crocodile. Le Crocodile qui va peut-être sacrifier un petit morceau sur son poste. Mais c'est pour le bien, c'est pour la bonne cause. Non, il n'est pas vu. Il n'est pas vu, Yaek. Il est pas vu. Par où est-il passé? Mais comment il est monté? Comment il est en monture dans le pit? Il a pris la plante, mais il aurait été vu. Il y a une ward. Il y a une ward. Alors comment il peut voler? Il n'est jamais sorti. Oh, je pense qu'il est juste rentré, mais que Sheo pensait pouvoir avoir la outplay avec le buisson. Tu sais, vu qu'il n'y avait pas la vision. Oh, maman. Il fait mal, c'est un Drake Steak. Ça fait super mal, surtout que Adam avait investi. Oh, Nuke. Ah, le premier ultimate, c'est maintenant? C'est possible. Ah, là, c'est possible. Sheo. Sheo, bon réflex. Ah, il est juste rentré dans le pit avec Splash et je pense qu'ils étaient au courant quand même, BDS, juste ils avaient pas de moyen d'empêcher Yaek. Le truc, c'est que la guerre de Smite Yvern contre Rell, c'est unfair. C'est FF. De toute façon, Rell, on en a vu des... Bah, ouais. On les a vus tous les deux. Asaes, bah, c'est comme si tu demandais à... Enfin, n'importe quel jungler qui a pas de burst de prendre le smite sur un jungler qui a pas de burst. J'ai pas d'exemple comme ça. Mais ouais, tu fais un duel de smite contre Nunu, quoi. Contre Nunu, contre Lucine, t'es en mode, bon, pas drôle. Évidemment, on va quand même compenser en prenant... Le Gromp, le Scuttle Topside. Et Sheo maintenant, il va passer niveau 6. Mais le plus important, c'est ce match-up top. Car Broken Blade, s'il passe devant, ça peut être une catastrophe à tanker. Pour l'instant, Adam qui avait un lead et qui du coup a rééquilibré la lane en se déplaçant pour son équipe. Bon, ça a pas porté ses fruits. Mais c'est pas comme si Bibi était devant. Bibi. Donc ça va. Ça va, Broken Blade n'est pas réellement devant. Il aurait pu, mais c'est fait gank. Bah Adam a super bien joué la sortie de... Exactement. Du gank de Yaek. Non, personne n'a vraiment de lead actuellement dans ce match. Ça va arriver parce qu'on commence à avoir pas mal de flash down. Il va forcément y avoir une erreur à un moment ou un autre. D'ici une minute, on a un premier sang. Juste une plate quoi qui est tombée en topside globalement. Seul call d'ici une minute, ça va saigner quelque part. Ah, cette ward est bonne. Cette ward est bonne, elle est pas vue celle-là. Elle est par contre pour Sheo. Ce pool n'a pas été repéré non plus. Je sais vraiment pas où est-ce que ça va se déclencher en premier, mais le héros de la faille, manifestement, il est in the pocket. À moins que. Mais je pense pas qu'on ait la vitesse. Oh, c'est mort. Ouais, c'est mort. C'est complètement mort. Mort. C'est un héros de la faille récupéré par G2. Ouais, deux objectifs neutres sur deux. Dont un qui a été subtilisé. Oh, il vient prendre son stack de Legend Broken Blade. Et c'est sans gold. Une bonne taxe. Oh, pour une fois qu'on peut taxer les jungle. C'est vrai. Maintenant. T'as vu le nerf? On va pas en parler. Non, c'est trop tôt. Mais oui, j'ai vu et... et cher. Attention à ce lane gang de la part de Sheo. Yvern est terrifiant dans ces cas-là. Crown, il n'a pas de flash. Et tu as une wave qui n'est pas... On a pris un mauvais trade. Hein. On a pris un mauvais trade. Par contre, celui-ci est plutôt excellent pour les BDS. Oh oh. Avec un cap qui est un peu à sec niveau mana. On déloge Yaek. Son mid laner est absent. Broken Blade dans le 1 contre 1. Il y a peu de potentiel de kill là-dedans. Par son ultimate tout de même. La wave a crash normalement. Il utilise vraiment bien son Kled. Hein. Oh, KSNT. Le fait d'utiliser les reset Q en mount dismount, c'est. C'est la signature. Oh là là, on a un peu piffé, mais ça fait péter un summoner. Ah, summoner. On est content malgré tout. Ah, le 2v2. Oh, ça va. Le stun. On n'a pas assez, on a probablement pas assez. Yaek était juste derrière. Bon, que le mec qui n'a pas encore remount, mais on a trop peur désormais. Oh, c'était vraiment pas loin. Broken Blade qui récupère sa monture. On n'arrive pas à trouver le premier sang.
d'un côté comme de l'autre. Caps qui n'a pas pace depuis, depuis le moment où il s'est fait cancel par Nuke. Bah bravo à lui. À Nuke, bien sûr. C'est-à-dire, ouais, il était violent, toi. Prendre un bon cancel, écoute, c'est huge. C'est une qualité de laning. Petit ultimate lâché en légende de la part de Crowny, bien sûr la porte de la montagne. Attention, c'est dressé, c'était peut-être pas le timing idéal puisqu'on a un Yaek qui est prêt à intervenir. La cible, c'est... Il y a Pépé derrière. Double kill pour Broken Blade. Mais il sort d'où? Il a TP derrière. Et le timing, téléportation up de Caps qui va prendre le relais sur la Renekton lane. Plus personne n'est mid parce que Nuke, bien sûr, a décalé. Oh là là, l'accélération, d'accord. La flèche qui pop derrière la bot lane BDS. On se dit, mais comment ça, il y a un ulti-clade? Comment ça? Ils ont passé 4 vitesses d'un coup. Et c'était... on est sur un timing Drake hein, de surcroît. C'était long. Et d'un seul coup, il y a un ulti Broken Blade qui pop de nulle part derrière. Ouais, j'ai même pas vu sa TP. Bon, après, Caps, Bebou, t'aurais pu prendre une autre wave quand même, non? T'as un statique, hein? Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Il voulait être là pour le Drake, hein, visiblement. Ouais, finalement, ce Drake ne va pas être contesté, on dirait. Il est compliqué à jouer, celui-là. Hein. La réelle est topside, donc... Je ne sais pas ce que voulait faire Mikki, j'ai eu très peur de son déplacement. Mais le double kill sur Broken Blade, et tu vas voir quand il va atomiser... Oh, bah là, l'hydre vorace, je... Différence de stuff. J'ai vu des streams de certains content creators français. Je me suis pris ça dans la bouche, effectivement c'est pas drôle. Hein. Ah ouais. Ah, l'Edro Vora système est crack broken sur les bruisers. Pour beaucoup de champions d'ailleurs. C'est vraiment pas drôle et on continue. Il est sous perfusion de gold. Après c'est pas comme si Adam était ridicule. Hein. Bah, sur ce timing j'entends. Il a son Girdrinker. Juste Broken Blade est allé taxer la bot lane, il est retourné top. Il a récupéré quelques gold on va dire, mais... Adam ne fait pas une mauvaise game. De précieuses informations, porte de la montagne pour l'instant, ça fait tenir. On est pris en sandwich, Mikki qui se repositionne, c'est un piège tout ça, un piège, un véritable piège qui se referme petit à petit. BDS, la tempête magnétique, double kill pour l'Arel. Yaek et Caps qui récupère un petit bonus. Le piège tendu par Mikki grâce à l'information de Caps et c'est pas terminé. C'est pas fini, on a une flash de disponible, les chiots se sont condamnés ici, là il proc le KSNT, il proc le flash. On n'a pas encore les dégâts mais un stun qui va arriver pour Yaek et un stun, le stun ne pourra pas connecter. Chéo devrait s'en sortir. Bien joué Chéo. Il trouve la solution. Mais là faut avouer, information de Caps qui prend l'info en restant dans le bush. Ah ouais bon. Ça provoque un trade bot. T'as l'impression que le bro est en train de hint et pas du tout. Fallait aller vite, très vite pour BDS et ce n'est pas passé. Attention à Broken Blade. Attention. Broken Blade, il a confiance, il connaît son passif. Il sait très bien qu'ici il gagne 1 contre 1. Et oui, il a de la move speed bonus pour attaquer l'adversaire. C'est plus 3 et là, c'est le dive. Il en a rien à battre. C'est pas du tout. Comment est-ce légal? Oh là là, le solo kill de Broken Blade. Plus et de 29. Il a battu son propre record, Broken Blade. Il l'a battu. Ah, c'est vrai qu'Adam était long, enfin, loin de battre celui de Caps, mais Broken Blade était dans le tas. Bah, Caps, il a pris 4 secondes à se dessiner entre gauche et droite. Oui. Alors qu'il joue le blanc, hein, donc par le milieu. La chaîne qui connecte en plus sur Crowny de Caps. Maintenant, qui assure le kill. Voilà, c'est vraiment... Oh, les 3 T1 vont disparaître côté BDS. Un concours de circonstances admirablement joué de la part de G2. T'en penses quoi de ce Kled là? Qui le tank? Bah écoute, ce qui va le tanker c'est le scaling hein. Et personne d'autre. Et scaling c'est pas un joueur, malheureusement. C'est le temps. On va espérer que la game ne go pas boom avant que les ADC aient 3 items chacun.
Attention, c'était un top, elle est très vide en HP. En même temps, la composition BDS, elle a un seul plan de jeu. Hein. Regroupement, 25 minutes. Double hyper carry. Faut juste tenir la baraque d'ici là, quoi. Après, attention à Vicky qui est hors de position. On n'a pas les dégâts pour tuer un Broom à ce stade de jeu. En plus, on a Broken Blade qui est en train de lurk sur Nuke, qui n'a pas de flash. Ça va partir très vite. Oh mama. Le backup ne sera pas suffisant pour Nuke. Attention, il faut toucher le hook. Il faut toucher le hook pour Broken Blade. Ça connecte pas, mais c'est sur le Ivern. C'est sur le Ivern. Mais il n'a pas été tiré en laisse. Chez Oh, l'ultimate a été enclenché. Broken Blade sur le côté qui focus d'abord chez Oh avant de s'en prendre à Nuke juste derrière. Il n'y a pas de solution pour le mid laner de BDS. Encore un double kill pour Broken Blade. Il n'y a pas de fin. C'est le scénario catastrophe qui s'accomplit. Il n'y a pas de fin. Le Clay de l'Arel sont tellement bien dans le match. Ils n'ont pas peur d'engage en permanence. Et encore une fois, ils le font bien. Surtout qu'en vrai, le scaling de BG2 n'est pas mauvais. Non, il est loin d'être mauvais. Il n'est pas garanti d'être une victoire pour BDS. Lulu, Ivern, Kaisa, Zeri. C'est clair que tu peux difficilement faire mieux. Bon, on parlera pas de Yai qui manque de la pelouse. Il a tout touché. Ouais, il a Q-Flash derrière, ça, au moins ça connecte ça. Pendant ce temps-là, Broken Blade, tout est 4 qui... Eux, un deuxième vol. Ouais, le E2 de Clad, il est trompeur. Ouais, on va dire ça. Et même si le mec est mort, évidemment, il est... Il n'y a pas de cible. Le E sur le cadavre. Ouais. En soi, tu respectes. Ouais, c'est un rogo sur le même joueur, en effet. Ah, il est bien bon. T'imagines, ça tombait dans la fontaine. C'est direction de la base adverse, comme un ulti poppy. C'est très marrant. Il se passe quoi alors sur un cartouche? Je sais pas, je pourrais te savoir. Ouais, j'avoue. Je pourrais te savoir. Le format regroupé, en tout cas, c'est peut-être là que les BDS ont le plus de chance, mais je te rejoins. Le stade des deux objets doit être atteint avant de penser à se regrouper, parce que sinon, les ressources vont être partagées. Bon. Et surtout, G2 va étendre son jeu. Surtout que G2... Au niveau des T2. Ils peuvent jouer les T2, et s'ils voient que BDS force un peu trop attention à la position de Chio qui est mal positionné. Le flash obligatoire, on ramène Broken Blade sur tourelle. Mais Broken Blade, on n'a rien à faire de la tour. Attention tout de même, il tombe low life, il est forcé au flash. Ouais, il est pas chaud quand même, avant qu'il décide de go in. Mais c'était peut-être pas la meilleure décision. Il va remount tel un chat avec quasiment 0 point de vie. Oh, c'est pas bon pour les G2 ça. Les BDS, peut-être l'angle, la contre-attaque, l'espoir. Caps et route, Caps vient de se faire assassiner, démolir. Il y a le Drake qui vient de spawn, Chronique qui a faim, Yai. Et maintenant Yai qui est destiné à une solution, il peut pas exploser. Quoi? C'est la seule solution, ça n'a pas fonctionné. Oh là là, le match est peut-être relancé. 2 kills sur Nuke. Kaïsta va avoir sa dent de Nashor. Kill sur Nuke. Heureusement Broken Blade, sauvé par Mickey. Chez O MVP. Chez O. Heureusement qu'il a la stopwatch. Ah ouais, l'ulti-clad, bien sûr, une des interactions, c'est que une fois qu'il a pris pour cible, il follow. En vrai, heureusement qu'il y a la stopwatch, il prend 4 auto-hits. Mais il avait prévu, sûrement. Alors c'est sûr. Bah, attention, il avait pas le choix. Et sa stopwatch ici, bien bien clutch de la part de Sheo. Lucky, Lulu, la brof qui s'est mouillée aussi pour faire survivre Adam. Chronique a pas réellement de réussite ici, parce qu'avec un ulti, Zeri, il est si lent. Il pouvait tellement clean-up s'il arrivait à prendre juste un kill. Broken Blade qui fuit là. Et là, bon, ce moment il est quand même assez drôle pour le coup. Ouais. Si ça passait, ça aurait été vraiment une humiliation. Des kills, des shutdowns, un dragon. 2 kills sur Nuke. Mais Broken Blade toujours en vie. Ouais, l'écart en goal est quand même big. Hein. Il est quand même big. Ouais. C'est pas pire que les Sika Gold. Non, c'est sûr. De LCK à 13 minutes. C'est sûr. Et même hier, hein, les XL avaient bien un goal lead de 6K et ça les a pas empêchés de se faire comeback. Totalement, la même situation d'ailleurs. Donc non, faut rien lâcher. De toute façon, BDS, on n'a pas drafté ça en se disant on va les éclater en early game. Il faut tanker, il faut réussir à turtle. Quoique Zerilulu, c'est pas une botline ridicule, hein, clairement. Mais... On va attendre tranquillement l'apparition du Nashor, mais... On a de quoi le faire pour G2, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Est-ce que c'est pas plus un outil pour sortir BDS de leur tourelle? J'ai plutôt ce sentiment, je te rejoins. On veut les faire sortir de leur tourelle, surtout que c'était un mid pose problème. Joli cancel. Ah. Ça c'est désagréable. Antil a son deuxième item en plus.
Et on a un timing pour BDS. Là, on bloque le oui. Ils reprennent un peu du poil de la bête, là. C'est du harcèlement. La vache, c'est... Ça leur tient à cœur, ce cancel reset. Peut-être une petite case de sécuriser, la T1. Attention, mais attention, elle pourrait coûter cher. Ah, bon, il y a deux pink wards pour repérer Caps. Il ne faut pas insister. Bon. Ah, ils prennent... Oh, l'accélération, attention. Sur oula. Oh, le Kled arrive. Que quelqu'un se mette devant, oh, par pitié. Crowley repositionné maintenant. Ultimate lui par-dessus. On a consommé beaucoup dans son casse. Santé Gaming en train de faire pas mal de choses. Hein. Merci beaucoup, Marguerite, le héros de la faille, à charger mid lane et les G2 qui ont bien l'ambition soit de contre-attaquer, soit simplement de protéger la tourelle, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser ici. La Thermine, il faut la claquer, il faut la détruire. Cap s'en occupe, une dernière auto-attaque, c'est bon, c'est récupéré, on est en 4 contre 5. Regardez Yike, regardez Yike, il y a un flanc de Yike. Et le tonton, il a été smité, exécuté, il n'y a plus de Lulu. Et maintenant, ça dive à coup de duel, et Cap vient de se faire vaporiser. Il adore se faire vaporiser, Cap, c'est du 1 pour 1, mais on a pris la tourelle pour G2. Mais où est Caps? Et Caps, il s'est fait one tap, hein. J'avoue que... Mais où est Caps? Bah normalement, c'est la première game de G2. C'est la game pouette-pouette. Ah, je crois que c'était la troisième, moi. Il y a aussi la troisième. Ouais, il y a la deuxième, non? Non, quand même. Ah, je m'attendais à une dingue. Je m'attendais à une dunks de Yike, effectivement. Il n'y avait pas mais... d'ultimate. Il n'a pas voulu go trop deep. Et Caps s'est pris, je sais pas, pour Renekton, il est... Ah, il s'est pris deux ADC en mêlée, quoi. Transicrab. Faut virer le crabe. Hein, Transicrab. T'aimes pas la Transicrab? Non, je... Face pick. Oh, la Transicrab. Je pense que c'est bien d'avoir des idées. Je pense que c'est aussi très bien de reconnaître quand t'as des mauvaises idées. Il faut peut-être trouver quelqu'un qui s'occupe de dire au gars que c'est une mauvaise idée, tu vois, peut-être. C'est sûr. On est vu pour Yike. Okay, un poke acceptable, dirons-nous, mais rien d'exceptionnel non plus. Attention, on commence à arriver à un timing pas mal pour BDS. Ouais, de jolis spikes là. Mais pourquoi c'est la Lulu qui se fait poke? Bon, parce qu'elle a pas mal de shield, vous me direz. Mais... Quelqu'un peut défendre le Broken Blade qui est en train de split push sans aucune possibilité de le gérer? Ah, personne n'a envie. Ouais. Ouais, T2 pour Broken Blade, il va récupérer quoi? Danse de la mort? Je ne pense pas. Black Cleaver, on verra bien, tandis que ça accélère pour les BDS, bien sûr. Téléportation in. Et ça a l'air de pas mal se passer. Non, Caps qui s'en sortira pas finalement en ultimate. Oh mon gars, le clan, ça a connecté. Figurez-vous, ça a connecté. Il est en train de l'éclipse. Un grand coup d'hydromoras. Fini, le Grab qui connecte le flash in. On met le stun. Oh, il est seul. Et Nuke qui va tomber. On n'a plus personne pour défendre ce Nashor. Sheo veut-il tenter un miracle? Je ne crois pas. Il y a un Drake à récupérer en compensation pour BDS qui devrait être leur point d'appui. Ah, je m'attendais pas à ce que Adam aille aussi loin. Et tu t'attendais à ce que Caps soit aille deep, tu sais? Ouais, bah Caps, effectivement, il aime plonger. Mais le comité d'accueil est prêt hein, pour lui. Ah, il a pas rien d'arme, hein, il a... 5 secondes, on attend Caps, hein, logiquement. Ah, on l'attend bien, là. Ah, une seconde, les gars, mais c'est quoi, ça? Oh, il mérite pas. Ouais, moi, je vais juste dire des fights de Caps, je ne sais pas comment il est mort, mais... Il a dashé, il s'est fait abattre, c'est ça? Ah, il s'est fait polymorph headshot. Exactement. Et après Nuke la follow et il a flash dans le mur. Ah ouais, il y a des petits détails incroyables. Mon roi mid lane. Bien vu. Il m'arrache 10 games sur 10, mais quand je le vois jouer comme ça me met vraiment bien. J'avoue que l'enchaînement de Caps est. Par contre, personne ne sait Caps. Hein. Il a le droit de faire ça, lui. Oui. Le passe droit de Caps, tu sais, il peut render une game, tout le monde dira ah, il a bien joué la game. Par contre, sa game de LP, elle est. Ouais. Elle est pas hyper confort. Hein. Enfin, pour diver, je veux dire, les ADC. Bah, il y a polymorph. Il se fait Lulu Gaming into raccompagnement XXL. Hein. Il y a le route de Hivern. Ouais. Il y a Kaïsa qui peut follow up, comme on a vu juste à l'instant. Ça fonctionne. Je pense que ses plus belles heures seront en side lane. Hein. Petite caméra sur le cap, s'il vous plaît. De toute façon, c'est un peu ça le principe de la comp G2, je pense. Sur non, enfin c'est pas. En fait, ils ont un petit peu le beurre et l'argent du beurre.
ils jouent le side lane. Ils ont le side laning, mais ils ont le cled, la clé d'engage. Danse de la mort pour Broken Blade, mais en fait, ils font juste que mettre de la pression en side, récupérer la vision entre les sides. Ensuite, il y a deux choix pour BDS, répondre au side ou grouper mid. Et dans les deux cas, ils sont quasiment perdants. Attention, la brof. Prêt à outplay massivement. Oh, le polymorph. Oh, la play, il est foutu. Ah, leur compo, elle est taillée pour vraiment être décente sur les deux tables. Vous avez vu la danse entre Broken Blade et Adam. What? Incroyable. Oh, Mickey qui perd patience. On veut y aller pour G2. À mon avis, ça va se calmer tout de même. On a mais ça push mid. Ça push mid. Il reste qu'une seule T2 en vie. Et tu le sens, les G2 sont à l'aise sur toute la carte. C'est clair, mais est-ce que t'as l'impression qu'il y a 10 000 gold d'écart entre les deux équipes là? Peut-être bientôt, un dive osé, mais qui ne sera pas sans conséquence. Le Renekton est tombé en pole position. Les G2 encore suffisamment polés pour maintenir la presse, mais finalement les BDS ne sont pas tombés. Ouais, il y a une petite différence. On n'est pas tombé tout de même, on a juste perdu Adam. On a juste perdu Adam, mais on reste devant. Et il y a surtout Onu qui est un harceleur professionnel avec ses cancels. Attention tout de même. Je trouve qu'il s'en tire pas mal pour une team qui a 10k derrière. Vous le sentez, vous, le 10k derrière ou pas? Bah, moi je le sens pas, je t'avoue. En vrai, c'est vrai que là, on commence à arriver à un stade où les 10k sont pas totalement vrais vu les spikes qu'il y a du côté de BDS. Bah, no joke, 10k, normalement c'est Nexus boom boom. Hein. Alors ça va arriver. G2 base, G2 attaque, G2 fini. Caps se fait wipe. Caps se fait wipe. Il va prendre une... Il va y aller. Petit shutdown. Et il va pas. Non, il va pas. Bon, il a pas besoin, il a pas besoin. Là, c'est quand même une fière défense hein, de la part de BDS. Mais bon, clairement, si ça connecte côté G2, bon. 6-0. Ils vont se faire des coupaxes hein. Pour Broken Blade, regarde son stuff. Il a la trinité des items impossibles à prendre. Eclipse, Ravenous, Danse de la Mort. Il a tout. Des dégâts, de la tankiness. Il a beaucoup d'épées, ouais. De l'habilité haste. Et maintenant, il a X-Drinker, ce qui fait qu'il est extrêmement tanky face aux dégâts magiques de Crowny et Nuke. Et même de Sheo, à vrai dire. Et de la Brogue. Ouais, bonne chance pour récupérer le shutdown. J'ai plus envie de dire bonne chance pour celui qui va tanker l'ultimate de Broken Blade. Tu vois. Ah bah Adam. On t'envoie au charbon mon grand, t'as pris un stérile. Ah, c'est Renekton accompagné de deux enchanteurs, deux ADC. Il y en a aucun qui est pour lui. Heureusement. Adam, c'est la première game, c'est. Oh, yike. Les gars, je prends la balle, ok je sais. Oh yike. Non, ça peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Les PDS ne vont pas se faire avoir. Cled qui sera pris pour si c'est pour la brof. Non, c'est pour personne. Ça n'a pas connecté. Excellente nouvelle pour les BDS. Échec de cet engage. Évidemment, c'était une engage bonus pour BDS, pour G2 plutôt. Parce que le Nash arrive dans 1 minute 15. Si on gagnait ce fight, c'était fun game. Si on ne gagnait pas ou qu'on ne le faisait pas, tant pis, on attend le prochain objectif neutre. Oui. Le Nash or. D'ailleurs, le Drake n'a pas été récupéré par BDS au moment du Nash. Ce qui fait qu'il n'y a même pas de pression dessous pour BDS. Non, en effet, mais ouais, on doute que la game se joue là-dessus. Hein. Normalement, BTS n'ont pas le choix, ils doivent sortir de leur base pour aller contester ce Nash. Est-ce qu'ils auront là ces deux items qui leur manquent? Le Luden, le Dominique. Ah, c'est vraiment... Je pense que le Dominique, oui. On le Luden, en a non. Cruellement besoin. Le Luden, on va essayer de le récupérer, mais je pense que le Dominique, on l'aura. Il manque peut-être une wave, la brof. C'est bon, on l'a. Bonjour monsieur. On l'a pour Crowny. Excellente nouvelle. Et je pense que c'est peut-être, peut-être la wave. Hein. Pour Nuke. Ah, pourquoi il serait là sinon? Qui n'a pas faim de Yol? Il prendrait pas le farm. Attends, il lui a pris 1 million là. Ah, il a assez de gold, il give up. Ah, c'est pour un Mickaël. Jamais vu. C'est pour un rédemption, Mickaël. Rédemption? Ah, c'est peut-être pour l'item Lulu aussi. Oui, c'est pour l'item Lulu, c'est la brof qui veut rédemption. Il y a Luden. C'est Mickaël. Et il y a Mickaël, ok. Tout est bon, on a les spikes, on joue le Drake en priorité et maintenant il faut sortir de la base pour BDS, on n'a plus le choix. Sinon ce Nash va juste conclure la game. Tu ne peux pas défendre face à un Nash or avec Leblanc et Clay dans cette lane. Impossible. Oh,
Un nouvel ultimate sled dans le dos. On voit les flèches. Oh, Lavrov qui se met devant. Lavrov qui est quasiment exécuté sur la place publique. Et la plante, la plante salvatrice. Les G2 peuvent-ils continuer? On est séparés pour les BDS. Ça nage à travers le mur. Le front to back, le front to back. Marguerite est invoquée. La rédemption est posée. Ça tient le coup. Le Nash, on recule. On va chercher le Nash pour G2. On a forcé énormément d'ultimate. On doit aller prendre ce Nashor. Mais les BDS ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Mais Yak a encore tout. Il Caps. A encore absolument tout. Attention, Caps. Oh, Nuke. Ouh. Oh, le burst sur Caps. Il faut base TP. Ouais, il va back TP, bien sûr. Mais plus que ça, on ne peut pas. Attention, jouer au laser. Il va être spot par ce Trinket Ward. Ils peuvent pas Nash, les G2. Il y a un timing pour BDS. Mais est-ce qu'on va flip la game? Non, on peut pas. On ne peut pas flip la game sur un Baron Nashor. 10 000 gold de retard en BDS. Mais on en parlait. Spike, 3 items. Les G2 sont lucides. Il force une réception. Parce que là, il y a Caps en sideline pendant qu'on fait le Nashor de l'autre côté. Mais Nuke a une TP. Il y a un monde où c'est un 54 sur le Nashor. Il y a un monde. Attention à ce qui se passe. Il va céder. Est-ce que Nuke va rejoindre ses coéquipiers ou est-ce qu'il va rester tenir, essayer de tenir là le blanc de Caps qui aura le smite? Réponse limite d'un temps, tout simplement terre. Oh, l'engage fantastique, mais Crowny n'a pas été touché. Est-ce qu'il a le DPS? Pas du tout. Ses coéquipiers se sont fait massacrer. Crowny forcé au flash à Broken Blade qui dismount, il aura du mal à chase une Ziri sous ultimate. La contre-attaque, il faut y aller. Là, c'est trop court. Il peut pas, il y a le Nash qui est récupéré. Pendant ce temps, la Caps a pris la bot lane. On n'a rien gagné sur cette action pour BDS. C'est une catastrophe. Et Ansama flash au-dessus du mur. Eh ouais. Atomise le fight. Aucune solution pour BDS. Aucune. Ah, on a compris l'impact de Caps en fight et l'impact de Nuke. C'est pas le même. C'est pas le même. Les deux, ouais. Caps a beaucoup plus de difficultés dans cette catégorie-là. Et donc, mais en side, il met une pression monumentale. Et donc, c'est comme Zeniski, t'es en side, t'attires un joueur qui a un meilleur team fighting que toi. Et c'est exactement ce que fait Broken Blade. C'est vraiment que lui, il a le choix de venir au team fight avec le teammate derrière. Ouais. Donc, tu joues sous pression d'ulti TF en gros, en permanence. TF, il a 6 épées, 4000 gold d'avance et it one shot. C'est pas vraiment un truc. Il faut dire le setup DG2 sur le Nash, il était exemplaire. Hein. BDS qui se regroupe sur la corniche et Yaek avait tout. Bon, attention, BDS qui sont sortis de leur base, c'est pas bien trop agressif. On a Broken Blade qui a lancé la ultimate. Nuke hors de position. Il a survécu. La brof a été oubliée. Mais on s'en fout de lui parce qu'on veut les wave. On veut les wave pour G2. Mais on a plus de flash dans Nuke, on a plus d'ultimate. Oh, cette game est très très dure à défendre. Ah, ils sont insaisissables, c'est le flank de la Lulu. Le Lulu flank. Lulu flank, le polymorphe n'est pas passé. 3 inhib down. Quelle est la solution pour BDS? Oh la brof, c'est un flash out. Flash out, c'est digne de T4. Quelle est la solution? On n'a pas de solution, faut sortir, faut attaquer pour BDS. Avant que les waves arrivent. Mais qui engage? Adam, il se fait engage. Première T4 qui tombe. Et les waves, mesdames et messieurs, on tente le Vatou pour aller BDS. Que les Adekari passent leur heure. On a passé le cul. Et le Kogmo, il crache à gauche, à droite avec son Rudan. Ils se font tous exterminer les uns après les autres. C'est une fin de game. Victoire pour G2. Un bon gros stomp pour commencer ce BO qui se base sur la rotation de Broken Blade en bot lane. Double kill qui assure une victoire, mais vraiment dominante. Ouais, sur le papier, écart en gold monstrueux, 18-4 ou 19-4, je sais plus. Il y a eu Nuke à un moment qui a pris deux shutdowns. On s'est dit, hey, Kai'Sa double shutdown. Il a failli one shot Caps à un moment. Ouais, il y a eu des moments où. Effectivement, comme on le disait, c'est pas ressenti qu'il y avait autant d'écart économique entre les deux teams. Mais bon, une fois que le scénario est revenu dans ce que devaient faire les G2, hein, c'est-à-dire setup un Nash et le turn, sans appel, avec une pression en side. Quand ils ont joué avec les atouts de leur comp, clairement, là, il n'y avait pas photo. Tu l'as dit, tu peux pas jouer cette composition avec 4000, 5000 gold d'écart. C'est beaucoup trop à 19 minutes de jeu, ce qui fait que derrière, tu n'as aucun moyen de tanker l'aggro de la part des G2.
Mais au moins, ça nous a donné un petit peu d'espoir pour les BDS, honnêtement. Mais les G2 ont fini par éteindre la lumière, pour le coup, et de manière assez violente. En tout cas, c'est notre interprétation. Après, bon, moi je suis Emeraude, tu es Challenger Nafiri, donc Emeraude. Peut-être qu'on a une mauvaise vision de la chose. On va aller voir nos analystes sur le plateau d'ici une petite minute. À tout de suite. Comment ça ? 1-0 pour les G2, mesdames et messieurs. 1-0 avec la forme, avec la manière. Place maintenant au débrief après ce match d'introduction dans ce Best of Five qualificatif pour les Worlds entre G2, bien sûr, gagnant face au BDS. Messieurs, bon, beau match, plus long que prévu peut-être, mais doté de quelques originalités qui vous ont plu, je suppose, Tréton. Oui, bah oui, le Kled, en effet, contre Ecton. J'avoue que je pensais pas que le match-up allait être aussi bon pour ce Kled. Après, il a été aussi pas mal aidé et il y a eu des faits de jeu. Mais c'était intéressant de le voir. Évidemment, le Kogmo Brome que l'on connaît maintenant très très bien. Intéressant aussi de voir que BDS a aussi le flex de la Kai'Sa, qui en vérité a plutôt bien marché sur la Mylène. En soi, tout BDS fonctionnait très très bien. Et c'est juste un play, voire deux, sur la botlane qui se sont passés, qui ont tout cassé. En fait, le fait que le Kled ait pris ce double kill, ça a vraiment brisé un petit peu la game, ça a brisé l'élan que commençait à avoir le Renekton. L'accélération était ouf. Il y a eu un style dragon aussi qui a fait mal à BDS. Enfin, il y a eu pas mal de petits détails qui ont fait mal en early. Et après, l'accélération de G2 était bonne. Et j'ai pas eu l'impression que BDS a mal défendu, plutôt même bien. Donc c'était globalement une bonne game de League of Legends, bien snowball par G2. Ouais, on ressentait, voilà, il y avait 10 kagols d'écart, mais franchement, les fights... Dans le registre des teamfights, BDS avait vraiment une comp qui se défendait bien, c'est sûr, tant qu'elle arrivait à absorber le premier round. Ça a été un bon boulot de leur côté, mais bon, G2 a resserré la vis. Et bon, là, c'est ce move dont tu parlais, hein, dont vous parliez, messieurs. Clairement, ça fait toute la diff. Ah, cette téléportation du côté de Bibi qui est passée complètement au travers de toute la vision adverse et qui a complètement mis à mal les deux joueurs de la botlane BDS. Et on disait effectivement une composition du côté des BDS qui avait des forces, mais encore fallait-il tanker assez longtemps pour pouvoir aller les chercher. Et ça a fait boom, peut-être un petit peu trop vite. Puis ils ont aussi des faiblesses qui sont claires, la compo BDS. Je pense que G2 a bien drafté à ce niveau-là. Le fait d'avoir Hivern plus Lulu, ça fait quand même que tu manques beaucoup d'engage, tu manques énormément de CC. Pas de body, ouais. Ce genre de choses. Et je pense que les bans Nautilus, Alistar et compagnie, le fait qu'il y ait Rakan qui était ban aussi, ça a un peu forcé la brave à être sur un enchanteur. Il n'y avait plus trop de champions engage qui étaient forts en vérité dans la draft. Et c'est un peu gênant parce que perso, je pense que quand tu joues Hivern, t'as envie, surtout avec les buissons qui sont positionnés comme ça, d'avoir un Nautilus qui va pouvoir engage depuis les buissons, un truc du genre, ou un Alistar qui explash, enfin ce genre de choses. À chaque fois que j'ai vu ça, je trouvais ça très très fort sur Hivern. Et là, d'avoir double enchanteur, alors certes, quand G2 va trop loin, c'est fort. Par contre, si G2 avait juste envie de ne pas jouer la game, il pouvait. Hein. Demande à Caps ce qu'il a pensé de la Lulu. Ça l'a fait chier en fight. Mais après, G2 a même pas forcé entre guillemets. Parce que imagine, avec la draft que BDS a, imagine que G2 joue plus les sides. BDS. C'est unplayable. C'est totalement unplayable. Parce que Adam ne peut rien faire. Bon, on l'avait un petit peu à la fin sur le Nashor. Ils l'ont fait qu'une fois G2. Parce qu'ils ont accepté de prendre des fights, c'était devant et tout. Mais si ces deux drafts sont en égalité, je pense que BDS a un énorme, énorme problème de side lane. Énorme problème de side lane, mais énorme avantage front to back. Dans naturellement, le 5 5, la composition est designée pour ça. Ouais, mais ils peuvent pas engage. Mais ils peuvent pas eux-mêmes prendre la décision de choisir le 5v5 en fait. L'engage se fait toute seule. Vu ce qu'elle a fait chez deux, Non, mais l'engage aussi au passage se fait au poke de Kai'Sa, je pense, quelque part. C'est vrai qu'à un moment, Nuke commençait vraiment à faire très très mal. C'est mal, hein. Mais. T'as le poke, il faut le toucher. Il y a beaucoup de si, on peut refaire le monde. Ouais. Toujours est-il que cette faiblesse-là a été identifiée, identifiable. Et bon, toute raison gardée sur les drafts, on a quand même eu effectivement une croissance en gold qui n'a quasiment jamais cessé de s'arrêter. Ouais, ça n'a pas faibli. Même damage récap pour le Kled que pour le Kogmo. Franchement, un bel achievement pour Broken Blade qui, encore une fois, bat son propre record de solo kill. Il est à 29, kill. C'est ça. En plus, c'est un beau vrai solo kill pris en vrai verre. Il était devant. Il était devant avec des faits de jeu et compagnie, mais il a plutôt bien joué. Bon, Cap, forcément, qui a un petit peu trollé, un move botlane vers le groupe Blue Buff, qui allait un peu trop loin, en effet. Ah, mais hormis ces petits moments... Tant qu'il fait pas ça au World, ça va. Tant qu'il fait pas ça au World, ça va. Tant qu'il fait pas ça dans une game... Il est pas encore au World. Tant qu'il fait pas ça dans une game importante. Parce qu'en soi, s'il avait fait ça en play-in des MSI, par exemple, mon fou. C'est pas au Worlds actuellement. Oui, on va voir. Mais en tout cas, bien joué. C'est bien d'essayer de mettre du suspense Twixou, mais... Je ne fais que mon travail, bien sûr. Sans t'es là pour être chiant, reste chiant. Mais non, mais
s'il se passe pas ce qui s'est passé au bot, PDS, ça allait, faut... mais bon. Rapidement, messieurs, vous attendiez à ce qu'on parte sur une compo double AD, double enchanteur pour BDS, parce que moi, ça m'a un petit peu surpris, je sais pas de ce qu'il en est de l'autre côté. L'idée qu'on avait effectivement de BDS, ouais. Le double enchanteur surtout, dont on a parlé déjà assez longuement, qui peut avoir des forces, mais qui a des faiblesses très identifiables. Ouais, je m'attendais pas à ça. Ils ont testé quelque chose, à voir si on peut essayer de continuer à surprendre. En tout cas, il y a une belle prep, bien sûr, derrière tout ça. Mesdames et messieurs, dernier sujet avant de lancer la game numéro 2. Vous souvenez-vous simplement des pancartes qu'on vous avait demandé de dessiner? Il y avait Fingin qui en avait fait une, il y avait Noah qui avait Astro Tryhard. J'ai jamais vu Tryhard autant de ma vie entière, à part sur Baldur's Gate, pour cette affiche. Il en a été tellement fier, alors qu'entre nous, elle est explosée au sol, hein, bien entendu. Bref, on vous apprenait de faire des pancartes avec le hashtag Road to LEC. Eh bien, nous venons de choisir les candidats, les quatre candidats, les voici. Honnêtement, il y a des trucs assez stylish. Non, c'est stylé. Moi, j'ai vu la quatrième et tout. Il y a une belle ref, le portefeuille et tout, machin. Pas mal. Assez stylé. Et c'est, je crois que c'est les deux gagnants avec un vote qui vont du coup gagner le concours et c'est pouvoir ça. Aller en LEC à Montpellier. C'est exactement. Sympa. Exactement. Le top 2. Avec Chips, Noah, qui seront là dans la voiture. Road trip. Et étant donné que ces deux... Mais oui, road trip. Est-ce qu'on peut en parler du fait que le conducteur, ni l'un ni l'autre, ne conduit. Donc c'est un troisième qui vient pour conduire la voiture. Est-ce qu'on en parle ou pas ? On peut en parler, mais c'est fait, hein, de toute façon. pour le coup. Mais ouais, road trip, mesdames et messieurs. Et ils ont interdiction de mettre leurs écouteurs. Hein, donc ça met bien à vos votes. Bien entendu, félicitations aux personnes sélectionnées. Et donc bonne chance aux participants. C'est sur Twitter, sur X. Je m'y ferai jamais. Dites Twitter, tout le monde connaîtra. Ne joue que Twitter. Est-ce que quelqu'un dit reposte, poste et tout? Non, tu dis tweet, retweet. Ok, bah rendez-vous sur Twitter. Pardon, Elon. À vos votes, mesdames et messieurs. Et on referme la parenthèse. Bravo pour vos œuvres d'art. On passe maintenant, dans quelques instants plutôt, à la game numéro 2 de ce match qualificatif pour les Worlds Best of 5. 1-0 pour les G2. Mais les BDS ne sont pas encore vaincus. À tout de suite. On est de retour pour la deuxième game G2 BDS, des G2 qui sont très très bien rentrés dans leur BO avec une game plutôt maîtrisée. BDS qui a relativement bien défendu par rapport à l'écart au gold qui s'est fait quand même très très rapidement. À voir maintenant avec des BDS qui vont partir en blue side, est-ce qu'ils peuvent changer un peu les choses, Fingin? Écoute, on va voir, les BDS ont préparé certaines choses, certaines drafts qui peuvent peut-être faire la différence. On a tenté cette composition à base de Ivern, Lulu, Kai'Sa, Azeri, quelque chose qui n'était pas forcément dans leurs habitudes. Mais peut-être qu'en blue side, ils ont peut-être d'autres priorités encore à exploiter face à des G2 qui semblaient assez en confiance. Ouais, ils ont été vraiment bons, bien préparés aussi. Une draft qui était solide, hein, un Broken Blade qui se permet son petit clade sur la top lane, qu'il jouait précédemment en compétitif, en tout cas l'Ignite, qu'il a joué maintenant la téléportation et qui a, il faut le dire, très 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 bien fonctionné. Maintenant, pour BDS, le first pick peut être très important. Je pense que le champion Kerel est quand même très très fort. Et en plus, il va plus avec BDS dans ma tête. Réel, de langage, du teamfight. Oui. C'est un champion qui, je pense, est un peu dans leur ADN. Complètement. Et on va voir justement si on va s'orienter autour de cette fameuse Réel. BDS, on reste avec le Draven Kalista. On en a peur, on en parlait juste avant en off. On ne veut pas laisser à Ansama l'opportunité de jouer sur l'un de ces deux champions. Et G2 ne vont pas laisser Réel open. C'est un impact qui est moins visible qu'un autre, mais de forcer Kalista et Draven Van dans un BO5, c'est vraiment énormissime comme impact quand on sait que les deux champions sont pas vraiment méta actuellement en vérité. Olaf qui a été aussi retiré à Adam et ce sera toujours le Ivern. On commit sur ce champion du côté de PDS, un petit peu à la manière hier de Mad Lions. Ouais, alors je veux bien croire que le Ivern soit fort, mais de là, le first pick blue side, ça me surprend un peu plus. Il y a Xayah, Rakan peut-être qui sont très forts, peut-être Xayah qui peut être très fort, peut-être Zeri. Après en first pick, vu que la Plukalsa qui est si dominante, ça va Talia RL, ça me choque pas tant que ça, mais au moins ce coup-ci j'aimerais bien voir un Ivern qui joue avec un support qui engage. Ouais, il faut au moins quelqu'un qui puisse setup du côté des BDS.
Et si c'est pas la broche, il faudra que ça soit Adam ou Nuke, quelqu'un qui puisse prendre l'initiative dans tous les cas. Codé G2, on va aller chercher ce Renekton. C'est Joanie est open en réalité, mais Yike nous sort une Evelynn jungle. Quoi ? En full prédateur du hiver ? Ouais, probablement une réponse très particulière. Tux nous parlait des AP jungle qui étaient forts contre hiverne. Nous, on pensait souvent au Gragas, que Shio d'ailleurs a beaucoup joué. Et là, c'est la Evelynn. Très intéressant du côté de G2. Bon, le champion, vous le connaissez tous, il vous hante en solo queue. On va devoir beaucoup farmer, atteindre le niveau 6, à partir du niveau 6, faire potentiellement des dingueries. Dingueries comme le Darius de Adam. Le Darius, absolument. Adam qui est là pour aller taper dans le 1v1 face à Broken Blade et son crocodile. Et là, Zeri qui sera privilégié côté BDS. Zeri qui revient en force avec le légendaire de Kaïssa sur le 13.15. Zeri qui, malheureusement, et ce, malgré tout. Les nerfs qu'elle a subis restent un carrière prioritaire à mon grand regret. Maintenant, G2 est connu comme étant une équipe qui peut punir des Eri. Alors normalement, c'est avec Draven Kaïssa, les deux ont été bannes, mais je vois un Nautilus. Je me dis que Samira n'est peut-être pas si loin pour un Ant-Sama. Il reste quoi en carrière hyper prédateur? Parce que là, il y a Nautilus. Est-ce qu'on peut jouer Tristana dans Eri? C'est pas si facile, je pense. C'est pas si insane. Après, il y a Varus qui domine très très fort. C'est vrai qu'il y a Varus aussi. Quasiment n'importe quelle lane. Maintenant, je sais pas si t'es à l'aise de jouer Varus contre les champions adverses, faut voir. Ah ouais. En tout cas, ils ont retiré la Lulu, donc G2 a jugé que Lulu plus Hiverne était un problème. Alors clairement, pour l'engage, comme on l'a beaucoup dit, c'était pas le mieux. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont quand même tenu la game avec 10 cas de retard pendant longtemps. Et les shields, en règle générale, ça aide pour tenir une partie. Oh okay, que oui. Et les teamfights qui commencent à trop traîner en longueur lorsqu'on est à une game égalité en gold peuvent devenir plus difficiles. Donc on se retire cette option tout de même. C'est vrai que Xayah restait open malgré tout. On va quand même l'enlever côté BDS. C'est le Karyade qui reste ultra dominant dans la méta, bien sûr. J'ai quand même très peur pour le 2v2 early game de G2 sur la top lane. Oui. Alors en soi, Evelynn a quand même un burst de fou, mais bon, précise, on sait que ça se fait one shot très facilement. Et forcément, le Darius et le Renekton, ils vont se chercher un petit peu. Broken Blade Adam, ça va trade. On a eu quand même pas mal de passages sur la top lane dans la game précédente. Et je pense que c'est vraiment favorable à BDS. Peut-être là qu'ils peuvent essayer d'accélérer et trouver un avantage. Ouais, essayer de mettre Adam sur orbite. Rendre cette top lane trop explosive pour être vraiment contrôlable. Alors, il y a déjà 3 mêlées en face. Darius, l'angle est pas infâme du tout. Ban de Alistar, qui est, je pense, extrêmement bon comme ban. Je suis vraiment très très curieux de ce pick Evelynn, hein, parce que la dernière fois, alors corrige-moi si je me trompe, mais qu'on l'avait vu en LEC, c'était Selfmade qui la sortait souvent. Bon, c'est... Ça remonte, hein. Ça, bah déjà, ça n'a pas été joué cette année en région majeure, c'est sûr. Oui, oui, oui. Cette année, No Division Tech, ça a été joué deux fois en deuxième division espagnole et en Italie. Ah, voilà. Bon, ça n'a pas été joué. Ça n'avait pas été joué. Avec tout le respect. Kaïssa du côté de Hans, Kaïssa Nautilus, on connaît, mais pourquoi pas Kaïssa Midlane aussi, même s'il y a très peu de chance. J'aimerais bien voir un Rakan côté Labrov, il est très bon sur le champion, c'est un bon rôle. Alors c'est pas forcément la meilleure phase de lane, mais Zeri Rakan ça reste fort. Mais j'aime bien. Hein. On préfère le Braum pour déranger le Nautilus, ça se conçoit. Mais avoir Rakan pour follow up sur Zeri, pour trouver cet engage dont tu parlais, Tréton, c'est une occasion manquée du côté des BDS. Bon. La seule engage pour l'instant qu'on a, c'est le grab de Darius. C'est vrai, on peut le voir comme ça. Après, Braum reste un très bon pick. Je pense que ça va très très bien avec Hiverne, tout comme Tristana. Du coup, t'as Braum plus double ADC. Il y a vraiment un véritable angle dans cette draft BDS qui va être très très forte, paquet très très forte en 5 contre 5. Et Braum qui est toujours une bonne réponse, évidemment, à Nautilus. Alors, qu'est-ce qu'on fait côté G2 pour ce dernier pick? Okay. C'est limite trop classique. Bah ouais, c'est presque décevant après tout ce qu'on nous a montré. Mais la seule dinguerie de la draft G2 restera bel et bien cette Evelynn. Mais une Evelynn qui finalement rentre avec deux solo lane AD. Elle va pouvoir s'exprimer dans son burst à la quasi-totalité. Et du coup, on va pouvoir peut-être voir un Yike extrêmement conquérant dans la manière dont il va jouer son 1v1 dans la jungle. Après, je t'avoue, on va voir évidemment comment il va jouer. Parce que doit y avoir des réflexions qu'on n'a pas sur ce pick Evelynn. Peut-être pour gêner le Hiverne à certains timings. Mais Evelynn, quand t'es contre Braum, quand t'es contre Hiverne pour one-shot quelqu'un, c'est pas facile. S'il s'approche trop, que Braum lui met juste une marque, il y a Tristan Azeri qui vont l'allumer en 2 secondes. C'est pas non plus la game de Evelynn la plus gratos. Mais ça reste très intéressant de l'avoir en compétitif, de voir aussi tout le brain que va avoir G2 autour de ça. La priorité de lane, dès que la Evelynn est 6, on va forcément fake en permanence. Bien sûr. Sa présence. Et botlane, bon, un petit Kaïssa Nautilus.
Jayce et Renekton, c'est vraiment une draft très classique avec juste une surprise. C'est ça. Un pick, le Joker quelque part, qui est sorti par G2. Mais je pense que la draft BDS, pour le coup, est très très forte. Très très forte. Encore cette petite interrogation autour de Langage. Mais on le disait, Yvern, Tristana, Zeri, ça peut tabasser de très très loin. Ça peut aller chercher le DPS à très longue distance. Et potentiellement, du coup, avec à la limite un Shurelia sur le Brome, tu peux tag. Tu peux tag et aller chercher le DPS à très longue distance pour les deux guerriers. Shurelia sur le Yvern, tu veux dire. Le Yvern, pardon. J'avoue que je serais là sur le Brome, je suis pas chaud. Mais en effet, je serais là sur le Brome, ça marche. Yvern plus Brome, c'est très très fort. C'est un très très bon duo de champions, ça se complète assez bien. Non, BDS, il y a une draft solide. Il y a forcément une volonté de venir teamfight et de jouer les 5-5 contre des G2 qui ont sorti une petite curveball avec cette Evelynn et qui ont quand même une draft très solide à côté de cela. On part directement dans la game avec des BDS qui, au niveau 1, ont une petite idée. C'est vrai que Yvern Brome, pour un niveau 1, ah, c'est parmi les meilleurs de League of Legends. Ça peut potentiellement être assez étonnant, effectivement. BDS qui, du coup, s'est aventuré, prendre un petit peu d'informations, position sur le top side. Mais du coup, pour l'instant, personne ne mord vraiment à l'hameçon. On va ralentir le mouvement. Kapski va voir le poteau rose. Et ça n'ira donc pas plus loin. Ce sera une petite ward, tout de même posée probablement côté BDS. Un peu surpris par les summoners de Antsama, qui est parti plutôt sur un ghost plus qu'une cleanse. Brome contre Yvern, c'est assez étonnant. On va voir comment il s'en sort en teamfight. Mais je pense qu'il y a à côté BDS une véritable possibilité de venir déranger cette Kaisa. D'ailleurs, traitons statistiques intéressantes. Rappelle-moi, quand est-ce que Yike est arrivé en LEC? En début d'année, cette année. Ouais. Et du coup, ça va faire son 30e pick unique au total dans sa carrière. C'est vraiment beaucoup. Après, on a eu pas mal de games dans cette année avec les 3 splits, avec maintenant Season Finals. Mais ça reste véritablement impressionnant. Un rookie de façon qui fait que de faire parler. Tout comme Sheo en face, qui est un peu dans l'ombre de Yai quelque part. Parce qu'à chaque fois, il a toujours été dans la même ligue et tout. À chaque fois, il est deuxième ou il est juste derrière. Et pourtant, il est aussi très très bon. Mais on a beaucoup de chance d'avoir cette promotion de jungle juste derrière des Eliolia, des Yankos, des Razor qui sont là depuis maintenant un petit bout de temps, qui sont très très forts même mondialement. On a Yai et Sheo qui sont en train de monter en puissance et pressés de voir la suite. C'est vrai qu'avec Yoya, Yike, Sheo, on a toute une génération de junglers dorés, Razork également, qui du coup peut faire un peu la différence. Oh, la surprise ici. Est-ce qu'il peut s'en sortir, Sheo? Il n'a pas eu le temps de tag son passif et c'est le flash qui est immédiatement réclamé. Ouh, ça coûte cher. Ça coûte cher à ces Yvern. Ouais, ça a été lu, ça a été vu par Yike. Il y a une belle ward qui a été positionnée du côté des G2. Ça va perturber tout leur league game de Sheo ici. Il y a Tristan qui essaie de décaler, mais c'est un petit peu trop tard déjà pour Nuke, qui ne pourra pas prendre de kill ou d'informations supplémentaires sur la Evelynn. Petite catastrophe. Ah là, ça coûte très cher, hein, parce qu'on s'est commit en réalité pour les BDS, particulièrement pour Sheo ici, avec sa réengage, le flash qui passe pas. Et surtout, en réalité, un poil unlucky, dans le sens où son passif qui était en train de charger détag à la dernière seconde, parce que Yike prend l'aggro, et du coup, ça fait bien évidemment bouger le red buff. Et du coup, quand c'est de la canalisation, cap de trade ici face à Nuke. Nuke qui s'en sort pas trop mal. C'est un midlife de chaque côté. Ouais, un trade assez even. Casse par contre est un petit peu l'omana, ce qui va lui poser des problèmes, bien évidemment. Sur la botlane, les premiers trades de Mikix. Une superbe encre qui connecte. Mais on voit évidemment le Brome qui peut se mettre devant. Mais attention, dans les premiers niveaux, on prend quand même quelques dégâts. Et Sheo qui veut continuer de jouer agressif, j'ai l'impression. Est-ce qu'il vient juste couvrir le crash? Ouais, ça va rester crash, tranquille quand même. Mais effectivement, on est loin d'être sous la tour adverse. Et finalement, on va tout simplement s'arrêter là. Yike qui prend un peu l'information, on va arriver sur le timing scuttle. Et le timing scuttle n'est pas forcément bien jouable du côté de Yike, étant donné qu'il n'a vraiment pas de priorité au niveau de la mid lane. Ouais, mais la priorité bot lane, et j'ai l'impression que ça lui suffit. On a Lotus qui décale et on a surtout la Zeri qui est en train de back. Encore un jump in du côté de Nuke qui est très très convaincant sur Caps, qui doit se repositionner et qui souffre un petit peu dans son 1v1 pour le moment. Il fait mal effectivement Nuke à cette priorité qui donne de l'espace potentiellement à son jungler, en tout cas surtout qui évite des situations, alors certes en early Evelynn c'est pas trop fort pour ça, mais ça va venir, des situations où il peut se faire invade. Oh, le grab qui va toucher ici, la brof, le passif de la Kaisa, et c'est un midlife complètement gratos. Ah, maintenant Sheo est présent, mais il est vu, il y a deux wards qui ont été bien positionnés à part les G2. On a toute l'information sur Sheo ici qui est juste là pour cover probablement ce push de wave. Kravni a déjà back, donc il n'a pas grand chose à faire. Et les G2 sont pas forcément dérangés de rester plus longtemps sur la lane. Je pense qu'ils sont tout à fait ok avec ça, pendant qu'on a un Adam qui fait du Adam, qui joue super agressif. Attends, comment ça, il a déjà base et il a déjà un éclat de cachet?
À quel moment il a la thune? Parce qu'il a aussi une lame de Doran. Bah écoute, il a trouvé un bon timing, non? Ah, il a payé sa 36 à peu près. Ok, ok. Big, hein. Non, c'est pas lui, hein. Grand respect. Grand respect parce que la fenêtre était. Était plutôt. Plutôt mince, mais c'est bien exécuté de la part du carré des BDS. Récupérer cet système très tôt te permet d'avoir un petit peu de burst supplémentaire dans les trades et de calmer peut-être les velléités agressives adverses. Comme ce freeze the wave de Broken Blade qui est très très bon, qui lui aussi avait trouvé un petit cheater recall mais juste pour une longue sword. Et mid lane, on a un nuke qui a l'avantage de la téléportation et qui continue d'essayer de mettre un peu de pression à cap. Et on aimerait bien voir un passage de Sheo, forcément. Sur la mid lane, on sait à quel point Yvern Tristana, ça peut être très très fort. Ça peut mettre beaucoup de pression. Shield, est-ce qu'on a la possibilité de d'offrir une pression suffisante pour pouvoir jouer le Drake derrière? Sheo qui campe pas mal, de toute façon il n'a rien à faire dans sa jungle pour l'instant, il a déjà fait son reset. Du coup on est juste en couverture pure. Et derrière avec cette wave qui est en train de crash botside, on a peut-être une ouverture vers le dragon. Ouais, ce sera intéressant de le faire, de toute façon le plus ils peuvent récupérer de ressources avant le niveau 6 d'Evelyn, le mieux c'est. On fait le décalage pour tous les jours de BDS et ce dragon ne sera pas contesté par les G2, on va juste en profiter pour prendre un reset côté Antsemikix. Et Kav va pouvoir respirer un petit peu enfin parce qu'il est asphyxié pour le moment. Ouais. Enfin un nuke qui joue très très bien sa lane, qui a bien joué sa lane je trouve en tant que Kaïsa dans le blanc. Enfin un nuke pour le moment qui fait un BO, on remarque c'est un moment un peu fort mais un bon BO. Ouais, un BO solide pour l'instant, très stable sur ses phases de lane et qui du coup arrive à tenir à la main à au niveau de son mid lane. Attention Yike ici, on se fait tag par le Braum, le charme qui touche, le flash qui est déjà réclamé. Est-ce qu'on peut réengage ici Yike? Attention, on a l'ultimate, le flash in, la grand qui veut essayer de retag. Est-ce qu'on peut essayer de trouver le first blood? C'est oui du côté de Nuke avec sa Tristana. Mikix qui va réussir à s'échapper avec un flash grave. Attention au combo de Caps, je pense pas qu'il ait le létal. Nuke lui va faire un petit tour pour revenir sur sa mid lane. Il prend l'information très bien jouée de la part de BDS. On voit ici toute la faiblesse du pic de Evelyn dans les premiers niveaux et toute la force de Yvern Braum en escarmouche. En plus le kill il va à la Tristana. On ne pouvait pas rêver mieux. Ouais, et puis il y a des flashs qui tombent, hein. Il y a le flash de Mikix, il y a le flash de Yag, donc peut-être qu'on peut faire un bis repetita. Et justement, eh bien Yag dépourvu de flash. Ici, c'est probablement la mort, effectivement, la guillotine noxienne. Un dernier coup de hache viendra mettre fin à la vie de cette Evelyn en 0-2-0 désormais. Oh, il vient de jump in Crowny. Est-ce qu'on veut pas punir? Non, il est en train de bait parce que Sheo est juste derrière. Et Adam, quel mouvement, quelle inspiration d'aller chercher le jungler comme ça, de manière un peu random. Une sortie de base pour un Yai qui meurt deux fois coup sur coup et qui est nettement ralenti maintenant. Et les G2 entre ces Mikix qui respectent, mais qui respectent pas assez on nook. Mais il y a évidemment Sheo et Mikix n'a pas de flash, c'est encore un kill. Oui. Pour BDS, et il faut le laisser si possible à la Zeri, c'est chose faite. Oh que oui. Oh les BDS qui font les bons coups pour l'instant dans cette early game. Un kill trouvé au niveau de ce bot side et deux kills sur cible importante sur les solo lanes. L'inspiration de Adam et bien sûr le décalage qu'on a vu tout à l'heure sur un Yike qui est en difficulté désormais. Ultimate tout de même utilisé pour être sûr de pouvoir push et éjecter Ansama qui va devoir rester tranquillement sous tour. Il n'a pas de mana en ce moment, il pourrait peut-être tenter quelque chose ici. Et Kravnik qui a l'air de vouloir récupérer une plaque, mais c'est dangereux. On tente le flash du côté de Ansama, mais il y avait la preuve qui était présent. C'est flashé maintenant de Kravnik, ce sera un trade. Un pour un en vérité entre les deux ADC et Yaik qui a l'information sur Adam. Adam qui continue de venir zoner la Evelyn en permanence dans sa jungle. Des BDS qui sont très entreprenants. Conquérants même, j'ai l'impression. Des BDS qui sont venus dans ce BO plein d'ambition. Et pour l'instant, dans cette early game, de game numéro 2, eh bien écoute, on arrive à les mettre en place tout simplement ces ambitions. Crowny qui fait son reset, qui a récupéré son statique, c'est une très belle information parce que du coup, eh bien au niveau de ce bot side, on a une Zeri qui va pouvoir push assez largement face à Ansama. À la porte sublime, très belle protection. Ah, en fait, il prend la gros Crowny. Il a vraiment, ah si, il a besoin de chercher de prendre le kill, je pense. Après, lui, il a son statique. C'est pas le cas de Hans, donc on a un avantage net pour la Zeri. Et Yai qui veut essayer de faire ses premiers ganks sur Adam. Est-ce qu'on a vraiment le burst nécessaire? C'est Renekton Evelyn tout de même. Adam qui flash out, qui se repositionne, qui met des dégâts, qui va forcer l'ultimate de Evelyn, mais aussi de Renekton. En soi, c'est pas mal, je pense, comme trade. Un flash contre deux ultis, ça se discute, mais surtout, ça fait deux CD très importants à l'apparition de ce héros de la faille qui va être immédiatement utilisé du côté de Sheo, tout simplement.
Et je pense que malheureusement, le fait qu'on n'ait pas pris ce kill condamne peut-être le play, à moins que Broken Blade, malgré tout, veuille tenter le stat check. Oh, Hans qui a pas de flash, heureusement qu'il joue ici, mais il prend tout de même le bump, il prend tous les dégâts et Hans Sama va tomber encore une fois sous les coups de Crowny, mais Kix qui était un petit peu en retard, on s'est pas compris pour la botlane de G2 qui se fait punir, prenons sur le top side, évidemment, ça se passe très très bien, on a des G2 en difficulté, et surtout des BDS qui font un superbe early game. Absolument, et ce qui est très intéressant côté BDS, c'est que là où souvent on considère a raison ou pas, bien sûr, que les G2 trollent certains moves. Là, non, c'est les BDS qui eux-mêmes se sont créés leurs opportunités. Et ça, c'est important. Broken Blade qui va utiliser son flash, le premier dash, le route qui va toucher. On a toujours la possibilité de réengager du côté de Adam. Tandis qu'au niveau de la mid-lane, c'est un grab qui va toucher du côté de MikiX4 qui est en difficulté et qui va finir par s'échapper de l'autre côté. C'est Broken Blade qui tombe sans l'utilisation de l'ultimate de Scenarius. Ah, très très bien joué, BDS. Sho qui a mis le bon CC, Adam qui peut follow up, Darius qui se met vraiment en place, qui a réussi à trouver des ressources d'abord en tuant Yike, maintenant avec un petit gank de Sho. Sur la mélène, l'accélération a été correcte du côté de G2, mais pas de kill récupéré. Mais le hook qui permet à la boulette de passer, très très bien timé entre Mekix et Caps. Un play mécanique très sympathique. Oh là là, la synergie entre les deux joueurs G2 ici qui fait parler la poudre tout simplement sur un nuke qui bien évidemment voulait récupérer cette wave mais qui s'est fait faucher en plein vol. Par contre, on a une rotation côté BDS pour jouer peut-être le Drake qui va faire son apparition. Je vois mal comment G2 peut le contester. Hans n'a toujours pas d'item avec sa Kai'Sa, il est bien en retard, il va devoir prendre un back à 10 secondes du dragon, je pense qu'il est juste pour BDS et on va revoir le très très bon timing de Mekix et Caps. Pousse un petit peu le brome, plus devant la boulette et ça snipe à la perfection. Un nuke qui n'avait plus de flash et plus véritablement de solution, on peut comprendre. De se faire surprendre par ça, c'est pas forcément honteux, loin de là. Non. Quand c'est fake derrière un brome. Crowny qui va faire sauter la banque ici avec une tourelle qui va prendre la sauce. Et je crois que du coup, en plus de ça, on a la fenêtre pour prendre la première tour du match. Tout sourit au BDS dans cette early game, Tréton. Ouais, et puis on met surtout très très bien une Zeri. On a vu les ravages que ça peut faire du côté de l'Asie. On sait que le champion actuellement est très 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 fort. On prend en plus le dragon, ce qui est parfait. Il va falloir que Adam résiste. Il est en weak side. Il y a la Evelynn de son côté. Et il a l'information dessus. Je crois qu'il y avait une pink ward. Et du coup, on peut juste respecter et tout prendre bot side. Ça continue de très 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 bien enchaîner côté BDS qui font une belle game de League of Legends. Caps au niveau de la mid lane, le trade, la bombe de la Tristana qui vient rendre les choses even, le grab de côté de Mikix, l'ultimate et on arrive à s'en sortir, quoique non, le flash in, le shield peut-être, et qui va finir par prendre la s'en sortir, non, c'est Yak qui est dans notre lane et qui va pouvoir s'échapper normalement avec son ultimate, même pas besoin du côté du jungler. Il y a l'arrivée du Darius, hein, le Darius de Adam qui peut faire très très mal, même s'il n'a pas de summoner ici, il a Mikix directement en focus, ça tout ça passe à one shot par contre avec ce Renekton qui est juste là, il prend trop de dégâts, attends il s'est un petit peu chauffé et Broken Blade forcément se fait respecter avec le très bon burst du Nevid qui prend quelques kills, qui stack un petit peu ses Medjay. Attention, ces petites erreurs peuvent faire très 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 mal. La Evelynn qui commence, traitons les pitiés ici de solo queue qui reviennent. Ah, c'est dommage parce qu'ils font vraiment tout bien. Ouais. Et donner ces kills, ça donne une petite lueur d'espoir à G2 qui est vraiment pour le moment sous terre. Après, on a toujours un Crowny qui est largement devant, 2000 gold d'avance sur Hans. Bien sûr. Et normalement, Crowny, avec une Ziri, il est dans un spot où il n'est pas censé se faire avoir par une Evelynn. Il est censé être assez bien enfermé dans les fights pour ne pas se faire avoir par un shutdown en plein milieu de la part d'un assassin. En plus de ça, dans le pire des cas, si tu te fais charmer, t'as toujours la cleanse. Bref, le spot du carrière des BDS est toujours pixel perfect. Ouais, il a ses deux summoners, on veut l'agresser maintenant. La preuve qu'il y a aussi ces deux summoners, ça me paraît très ambitieux pour des G2 qui utilisent pas mal de temps pour être sur le top 7 et qui vont même se faire punir. C'est Mekix qui se fait engage maintenant. Regardez Crowny, il a d'énormes dégâts. Mekix ne peut pas jouer à League of Legends, donc enchaîner du côté de BDS. En ce qui est même forcé de flash out, attention au CD qui pourrait link. On a un pump qui va toucher. Crowny pourrait prendre encore un kill. C'est le deuxième, le double kill de cette série. Des G2 qui se trompent totalement de play, qui se font punir contre des BDS qui avancent bien sur la carte avec en plus une Tristana qui push et un Darius qui a la domination botlane. 4000 gold d'avance, on est à 14 minutes de jeu. Et les BDS qui frappent un grand coup dans cette early game, 10 plaques au total de récupérer. La tourelle botside qui a été prise tout à l'heure. Et Crowny qui continue de faire fructifier ses ressources. Une deuxième tourelle en sa faveur. 3500 gold d'avance dans le match-up direct. Et Midlane a beaucoup tapé la tour. Je crois qu'elle n'avait pas tombé, mais elle a pris tarif. On voit ici aussi toute la force de Braum plus Hiverne. Quand ils peuvent fight, les CC que ça apporte, le peel aussi qui est excellent. Les slows qui sont. Très difficile à éviter. Et en ce qui se fait tout simplement avoir. Et
Et là, Evelynn, même si elle a pris deux kills, qui n'a pas encore trouvé totalement son utilité. On va voir s'il arrive à trouver des petits catchs. Ça suffit encore plus à prendre un Medjay. Et on sait que c'est là que Evelynn peut être dangereuse. Oui, il faut toujours être vigilant. Une Evelynn, ça peut très vite être problématique et hors de contrôle si on ne joue pas en conséquence. Ah mais vraiment contre Brom et tout. Ah non, c'est pas une game facile. Hein. En plus c'est pas des ADC qui sont statiques loin de là, c'est ouais. Des ADC qui ont un très gros burst. Donc si tu t'approches sur Zeri que n'importe laquelle des deux ulti ou quoi, Evelynn prend tarif. Ah, je sais pas si c'est un spot d'Evelynn de fou. Après est-ce qu'il y a un spot d'Evelynn de fou? En vérité en compétitif normalement non. Normalement non, mais tous les OTP Evelynn te diront qu'il y a un spot d'Evelynn quelque part. Est-ce que Yike va peut-être nous faire mentir? Eh bien, on va le découvrir un petit peu plus tard, peut-être dans cette partie. Mais pour l'instant, cette game ne démarre pas forcément sous les meilleurs angles du côté des G2, tout simplement parce que là, on continue de se faire bosser. On va avancer sur la troisième T1 pour les BDS. Evelynn qui est repéré directement, on jump dessus. Yike qui est forcé l'ultimate, qui se repositionne à la proto-belt, heureusement, parce que Adam avait encore son E2 disponible. Vraiment, des BDS qui mettent une énorme pression, qui ont pris la tour et le midlane, qui vont pouvoir enchaîner avec un Crownie. Bah, qui est en 5-1, qui a 3500 gold d'avance et qui n'a qu'une seule envie, c'est se battre. Ok oui, deux items complets, on est à 16 minutes de jeu du côté de cette Zeri. Deux items complets plus bot rang 2. Hein. On a vraiment beaucoup d'argent pour le carry AD des BDS. Par contre au niveau de cette bot lane, c'est lui qui pourrait prendre la sauce. On arrive à clear la wave et du coup on ne peut pas re-engage du côté de Broken Blade. On arrive à temporiser un petit peu, la wave d'après qui arrive. On a toujours le Dominus qui est en cours, le flash in. Oh, et le flash shot est phénoménal, Nuke qui a encore son flash en plus dans toute cette opération. Oh Nuke, très très bien joué, petite émote hashtag 04, l'équipe d'où il vient. Adam qui n'arrivera pas à enchaîner sur Yike, mais la tourelle par contre prend un énorme tarif. Quelle défense de la Tristana. Le petit nucléaire ici qui fait très 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 bien le coup, qui en plus met dans le vent un Broken Blade qui perd beaucoup de temps, qui perd son flash et qui va commencer à passer nettement derrière dans son match-up direct dans side lane face au Darius, qui est un véritable problème. Non, vraiment les BDS, tout s'enchaîne quasiment à la perfection. Absolument, des BDS qui ne sont pas morts après une première game qui était compliquée certes, mais qui désormais avec ce tout nouveau plan de jeu, toujours autour du Yvern, hein, mais cette fois-ci avec une Tristana, avec un Brom pour backup un petit peu tout ça, sont allés chercher leur early game avec la manière s'il vous plaît. Faut traduire tout ça en mid-game, va falloir réussir à bien enchaîner. La très bonne nouvelle c'est qu'en plus des golds d'avance, ils jouent aussi très bien les dragons. C'est une âme des montagnes qui est super intéressante pour eux. Les G2 du coup essayent de jouer en cross map. Alors ils vont récupérer peut-être une tour, mais à quel prix? Il y a encore le héros de la faille pour le Yvern. Les T2 peuvent tomber très très vite. Ça peut. Est-ce que ça va être sur cette wave? Pas sûr cependant. On match tout en bien que mal du côté de Hansama, hein, qui court bien évidemment après les ressources pour l'instant. Tandis que côté BDS, on avait une wave qui a crash au niveau de la botlane. On a réussi à faire un petit chunk. Mais c'est bien évidemment le héros de la faille qu'on attend. Et je me demande même si on n'aurait pas mieux fait de lâcher un petit peu la prio sur le wave pour aider Cheo pour qu'il puisse venir plus vite poser le Herald, tu vois. Ouais, peut-être. Ils veulent pas perdre grand chose parce que Tristana a back aussi. On flash in du côté de Adam, il veut enchaîner sur un caps. Forcé de flash out, on force des ressources. Et on veut vraiment appuyer ici et maintenant sur la botlane avec cette charge du héros de la faille. Un mix qui s'avance pour défendre, mais il n'y a plus de tourelle. Il est forcé de flash out à son tour. Cheo qui veut enchaîner sur un Yike qui se repositionne. Et les G2, encore une fois, qui sont perdants, qui perdent deux flashs contre un seul côté BDS. Deux flashs, une T2 et les G2 qui ont un genou à terre tout simplement dans cette early game. Enfin, peut-on même encore parler d'early? 18 minutes de jeu, 5000 gold d'avance. On est bel et bien ancré dans le milieu de cette partie et c'est toujours les BDS qui dominent. Ceux qui sont en scaling de fou, ils gagnent le side avec Adam, ils ont la range globale. Enfin, oui et non, parce que quand même Kaisa Jet, j'ai abusé sur la range, mais ils ont en tout cas la compo teamfight en 5v5 qui est vraiment très très forte. Je pense qu'avec l'avantage qu'ils ont, on pourrait essayer de démarrer des barons Nashor et tout l'enjeu pour eux, ça va être de pas trop se faire poke et de réussir à enchaîner sur des objectifs neutres. On se rappelle aussi qu'ils ont 3 dragons et dans 3 minutes, il y a quand même une âme des montagnes à jouer. Hein. C'est vrai que c'est allé très très vite côté Drake pour les BDS. Hein. Ils ont mis la main sur tous les objectifs neutres de cette partie. Les deux héros de la faille, 3 premiers dragons, les 3 premières tourelles. Pour l'instant, les G2 sont à genoux vraiment. Il y a un double stopwatch sur le top jungle. On a Shurelia et la rédemption qui est présente, ce qui fait que les dégâts de G2 pour traverser tous les shields, pour traverser un Brom, ça va être très compliqué. On a 3 items pour la Zeri qui a déjà une soif de sang. À la BDS, celle-ci, faut pas la perdre, il va falloir snowball très très clean. Adam qui se fait attraper, ou peut-être Adam qui attrape Caps.
à voir, mais il y a une Evelynn. Il y a une Evelynn qui flash in et un Adam qui semble foutu malgré la stopwatch. Ouais, on a essayé de temporiser un CD, mais c'est bel et bien un joli catch trouvé côté G2 sur le side. Et ce, avant l'apparition du Baron Nashor, donc on ne peut même pas se commit sur ce dernier. Par contre, BDS tout de même, qui avait la possibilité ici de jouer autour du chunk qui a été fait sur la T2 tout à l'heure. Est-ce qu'on a le temps de prendre cette tourelle? C'est un peu dangereux. On a un Caps qui est en train de téléporter, les G2 qui ont l'air d'avoir envie de jouer leur Vatou ici et maintenant sur un Kravnik qui est un petit peu avancé, qui va prendre d'énormes dégâts de la part du Renekton. Kravnik qui s'est bien repositionné, qui prend l'ultimate de Nautilus. Maintenant on a une rédemption aussi, regardez Kravnik qui est toujours full life, maintenant qu'il fasse le tipette avec sa série, il va être un superbe flash, trop positionne. Et c'est l'arrivée de Duke qui va normalement démembrer les G2. Il reste Yak derrière, mais il n'y a pas grand chose à faire pour cette Evelynn. Elle essaye de jouer un petit peu autour de son invisibilité, peut-être pour pouvoir rentrer dans ce Baron Nashor, mais le clutch était bel et bien du côté des BDS ici. Il y a Aki qui s'avance, mais c'est trop difficile de prendre l'information. Avec tous les bushs du Hyburn, on n'a pas la possibilité de prendre la vision. C'est Mikix qui va s'avancer, mais il n'y a plus de ward en poche. Et il y a Aki qui y va littéralement pour une mission suicide s'il est dedans. Ouais, Mikix n'a pas de ward, donc il n'y a aucun moyen d'avoir de la vision. Et j'ai l'impression que G2 va tout simplement laisser le Nash à DBDS, un Adam aussi qui fait un bon travail de zoning ici et qui va tomber sur lui, qui doit reculer. Là on a l'information sur Smart Adverse pour BDS qui va juste récupérer ce Nash de manière très safe avec un Géo qui ne possédait plus son summoner. C'est pour ça qu'on a autant temporisé. On va revoir le Gwen qui pourtant est excellent team sur Crowny. Oui. Mais il ne panique pas et on voit ici tout le pile que peuvent punir un Braum et un Hivern. Il est juste full life après avoir pris full rotation spell. Et là en fait ce que je trouve trop intéressant c'est que Crowny se met dans le bush avant le proc de la grenade ASM et du coup Ansama ne peut pas follow up sur son DPS et du coup ils sont complètement full commit mais aucune possibilité de taper et du coup finalement c'est terminé. Crowny qui récolte transition crap en 5v5, cette composition est trop difficile à appréhender, j'ai l'impression, surtout quand elle est à ce point là devant. Et maintenant il faut quand même ce Baron Nashor au minimum au vu de l'avance prendre les deux T2 et surtout sécuriser le dragon qui est synonyme d'âme des montagnes. Et on a intéressant sur un Sheo qui a fait une QSS qui veut juste pas se faire one shot et qui veut offrir un maximum de shield à son équipe. J'aime bien le choix en vérité parce qu'il peut vraiment se faire one shot par Yaek, par Broken Blade et la QSS fait que c'est impossible. Ouais non c'est vrai que c'est assez intéressant, commit certes mais c'était probablement l'une des cibles les plus faciles à atteindre en réalité du côté des G2, relativement peu mobile, certes beaucoup de shield mais sensible au CC. Et du coup Sheo qui veut être sûr de pouvoir maximiser son utilité dans les différents teamfights. Pour l'instant, ce Baron powerplay, on l'utilise d'une manière assez timide du côté des BDS. Ouais. On a abandonné la wave top, la wave mid qui est défendue assez basse. Mais on a peut-être une possibilité d'aller chercher une engage via le flank. On veut surtout le dragon. Ah ouais, il y a le dragon. Mid, ils veulent à tout près avoir le dragon, du coup ils jouent pas les T2 pour le moment. Il y a du coup, un flank qui est intéressant, mais Sheo il a une QSS, il a aussi une stopwatch. On n'aura probablement pas de T2 supplémentaire, Adam qui tank, les shields, une engage peut-être. Il y a un tout petit timing où Tristana est peut-être attaquable, mais là pour le moment on se projette tout sur un Caps, on a touché du côté de Sheo et Caps va tout simplement se faire découper par Adam, mais qui essaie de trouver un flash in sur un Crowny qui s'est repositionné à la perfection. Regardez Adam qui flash in à son tour, qui devrait découper normalement quasiment tout le monde. On est forcé de flash in pour Broken Deck pendant que Yike se fait juste arracher par Nuke. Le Renekton lui aussi va tomber, les BDS remportent lourdement le fight. Vont pouvoir enchaîner sur Mikix qui n'a strictement rien, forcément il y a un Ghost, il y a Yoslo qui est passé et Mikix il est condamné. On a en plus un dragon, âme des montagnes, on a une Tristana qui push la T2, on a des BDS qui font un carton plein. Oh que oui, les G2 qui vont pouvoir tranquillement retourner à leur base, tout simplement 4 morts pour 0 en faveur des BDS sur une engage qui a été tentée ici sur Caps, un tout petit peu isolé. Sheo qui touche son route et bien évidemment le follow-up de la part de Adam qui s'est jeté avec plaisir sur le midlaner des G2. Ah, le jump de Crowny est très important, le fait qu'il joue l'abordage de Nautilus et on voit Yai qui s'est montré et directement nuke le jump dessus. Et derrière le bruit du ghost de Adam, l'enchaînement il est parfait. Ah, ça c'est vraiment une draft BDS entre guillemets avec Adam qui a son type de champion. Bon Sheo sur Hivern c'est un petit peu nouveau mais le reste fonctionne très bien. Et en plus, ils ont encore des sécurités parce qu'on a encore une stopwatch sur Sheo, on a encore une stopwatch sur Crowny. Mais on n'a plus de Baron Nashor pour push par. Non, mais on a quand même réussi à prendre les deux T2. Malgré tout, hein, la T2 mid lane qui est tombée sur le push juste à la sortie de ce quatrième dragon. Et derrière, la T2 topside qui a été prise juste un tout petit peu plus tard avant l'apparition du replay. Donc au final, mission accomplie. 24 minutes de jeu, 10k gold d'avance du côté des BDS. Mais vigilance tout de même pour Crowny.
un poil avancé sur le side ici, mais protégé par la bro. Il va récupérer son flash bientôt. Je pense qu'il est intouchable. Essayer d'aller en side, peut-être le dernier espoir de G2 avec, c'était venu utiliser son invisibilité, sa capacité d'assassiner un nuque qui n'a pas de flash, mais en plus il y a l'âme des montagnes. C'est dur hein. Chez eux, les win conditions se font de plus en plus maigres, mais bon, sait-on jamais. Surtout en. Juste du fait que c'est difficile, le BTS joue vraiment bien. Il y a un G en plus sur Zeri. Ouais, la Zeri est vraiment immortelle. Chronique qui récupère son flash ici 10 secondes. Et on veut partir. Alors, est-ce qu'on sait que Yaik est là? Oui, ils le sentent. Ils se doutent de quelque chose, hein, bien sûr. Mais bon, Chaige et Nevelyn, ça reste malgré tout mission relativement impossible. Il se fait ping, hein, Yaik. Hein. Mais ils savent qu'il est là. Hein. Oh, Chéo, il était bien inspiré quand tu vas voir le replay. Il va avoir le démon de fou. Et bon, de toute façon, Yaik derrière. Le truc, c'est que même si BDS sait qu'Yaik est derrière, ils s'en foutent. Oui. Il peut flanquer personne. Il fait peur à personne avec Saevin. Il a même pas encore son abaddon. Et les BDS vont juste avancer. Le Renekton se montre top lane. Il n'a pas de téléportation. C'est gratuit pour BDS qui vont prendre les deux T3 et peut-être même les deux inhibiteurs très, très, très facilement. Broken Blade qui ne se permet même pas de back, hein. Il sait qu'il n'y a pas grand chose à jouer autour de ses inhibiteurs et il va aller essayer le match au niveau des tourelles, au niveau de la mais top lane. Game, en fait, hein. Mais je pense qu'il peut finir effectivement. Yaik va aller chercher Nuke dans la backline, il n'y a pas d'ulti, il n'y a pas assez de dégâts sur la faiseuse de veuve du côté de Yaik, tout simplement le deuxième inhibiteur qui va tomber et on peut avancer sur les T4 peut-être. Broken Blade qui est en full mission speed push, il n'en a plus rien à faire, on avance sur les T4 et le team fight est favorable à BDS bien sûr. L'éruption électrique de la part de Chrony qui continue de faire pas mal de dégâts, mais c'est pour l'instant Nuke qui prend la main dans ce team fight avec peut-être un triple kill sur sa Tristana et qui va permettre d'aller chercher une victoire et une égalisation dans ce PO5. Ouais, BDS vraiment très solide, très belle draft, très bien exécuté, on prend de l'avantage, on le snowball un petit peu à la même manière que G2 dans la première game, voire même en beaucoup plus violent. On a un PO, on a un partout et on a des BDS qui jouent vraiment bien à League of Legends, ça fait plaisir. Ok, oui. Striker qui sourit pas, évidemment, c'est qu'une partie du taf qui est fait par BDS. On rappelle que ce BO est qualificatif pour Montpellier et surtout pour les Worlds. Surtout pour les Worlds, absolument. Et on sait qu'on a probablement tout ça en tête, hein, du côté des joueurs BDS ainsi que des joueurs G2 qui, même s'ils auraient pu se sentir en confiance à l'entrée de ce BO5, eh bien ne sont pas encore aux Worlds. Ah non, loin de là, et quand on voit ce genre de performance, quand on voit la première game où ça a tenu longtemps, ce pic de Evern aussi qui a l'air de poser quelques soucis. Enfin là, il y a eu beaucoup de soucis, il y a eu le pic de Zeri aussi de Crowny qui a été très très important. En tout cas, vraiment une game, il n'y a rien à dire, BDS a juste été meilleur sur tous les aspects. Absolument, et en fait c'est ça, encore une fois, hein, qui est très intéressant côté BDS, c'est que ce n'est pas les G2 qui ont troll, jeté la game ou fait n'importe quoi, mais c'est BDS qui a vraiment pris ses opportunités et qui a gagné cette partie. Mais bon, beaucoup de choses dont on va pouvoir parler sur l'analyse desk, on se retrouve d'ici une petite minute 30, on vous dit à tout de suite. De retour, mesdames et messieurs, nous avons bel et bien une série BDS qui égalise face au G2 eSport après quelques ajustements de draft. Cette partie numéro 2 placée sous le signe du hiverne à nouveau, mais avec quelques modifications qui ont fait toute la différence. Un véritable stomp, je pense qu'on peut véritablement en parler, mais il y a aussi eu une tentative de la part de leurs adversaires, les G2 qui ont sorti. Alors, un prédateur en dégâts magiques, on sait que c'est parfois quelque chose qui est utilisé pour venir déranger Hiverne. En revanche, la recette Evelynn, ça pour le coup, c'était relativement inattendu. Peut-être pas inattendu pour vous, messieurs. Enfin, toi, Tréton, t'as été surpris, bien sûr, surpris par le flop aussi, hein, notamment de cet angle. Mais là, vraiment, dans ce match, Shriek, on nous a rappelé pourquoi Evelynn était un fléau, mais un fléau de solo queue. Evelynn, la meilleure façon de counter, c'est d'invade. Chéo a essayé, censé être l'inverse, censé être Hiverne que tu veux invade. Il a échoué, il ne s'est pas passé loin. Et malgré l'échec, il n'y a eu aucun succès sur cette Evelynn. D'abord une mort botlane, ensuite la mort d'Adam qui va chase Yaik. La mort d'Adam, elle fait mal. Adam, son roaming, il est important en vrai, dans la game. Absolument, quand il campe au niveau des Raptors, hein, tout à fait. C'était, le plan, c'était vraiment de le déranger le plus possible avant qu'il y ait cette transi niveau 6 et le camouflage qui s'active. Et mission accomplie, hein, très clairement, voilà, ces invades dans la jungle. Et là, c'est les deux morts back-to-back de Yaik.
qui l'ont mis loin, loin, très très loin derrière. J'ai pas saisi le réel plan de G2 avec on n'a pas vu early de Evelyn dans la game. Je n'ai pas vraiment saisi le plan parce que je vois pas une façon de jouer le side qui est gratuite. Peut-être aller forcer sur Tristana ou Darius, mais même ça reste un peu maigre comme win condition. Je vois pas l'intérêt dans les team fight réellement, et dans le pur match-up 1v1, on a vu que c'était pas du tout gratuit vu les prios et vu ce qui s'était passé dans la game. Donc quelle était l'idée derrière ce pic? Est-ce que c'était champagne la draft, ou est-ce qu'il y avait vraiment une tentative que j'ai pas saisie, du moins moi? J'irais supposer qu'on voulait que le bot side se passe autrement. En tout cas, c'est ma propre supposition. Ce bot side qui n'a pas été jonché de moultes interventions extérieures et beaucoup de covers de Sheo, à juste titre bien entendu. Mais dans le 2v2 pur et dur, il faut dire que les BDS ont clairement pris l'avantage. Hein. Bah, ils ont réussi à tuer deux fois, mais ça a trahi une fois pour Crowny. Ils ont vraiment bien joué leur 2 contre 2. Pour revenir sur le pick de Green, peut-être que c'est pour punir Darius en side. Ils ont réussi à le faire une fois avec le Jace. Peut-être comme avec il a pas de TP. Et tout, ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être dans cette optique-là, mais bon. C'était purement impressionnant cette game. Et l'autre joueur qui a très bien joué, dont on n'a pas trop parlé, c'est Nuke, qui en vrai s'est fait beaucoup agresser. Midlane, il y a eu pas mal de gants, il y a eu aussi pas mal de mouvements botlane pour essayer de le tuer. Et à chaque fois, avec son ultimate, je trouvais qu'il a très très bien défendu. Effectivement, la défense botside, hein, il perd la tourelle, certes, mais double bump sur les deux solo lane G2. Après, Nuke, il fait une très très bonne perf, bien sûr. Après, il a la main sur Tristana, il a Hivern en jungle. On sait que c'est un combo gagnant. Et face à lui, bon, c'est un Jace, c'est pas un pick ridicule non plus. C'est Jace Evelyn et Evelyn behind. Donc, Nuke, il avait un boulevard pour bien s'exprimer. Et l'occasion, il l'a pas laissé sur le côté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais la dernière rotation de BDS en termes de champion, illégal. Brome, Tristana. Préfère Brome à Lulu, hein, clairement. Bah oui, de ouf. Et surtout quand c'est deux paires. Mais en fait, que Tristana soit encore up, alors qu'il y a Hivern, c'est quand même. C'est un peu Zarbi, et quand tu sais qu'il pourrait repartir sur un plan double ADC. Avec Brome. Quand bien même tu laisses effectivement la Tristana open. Bon, le Brome en plus, c'est champagne. Ah, peut-être que Cap c'était confiant sur son match-up, mais même lui, il a eu du mal en early. Enfin, je sais pas, juste BDS a juste trop bien joué, notre joke. Hein. Trop bien joué, outdraft et la tentative a floppé du côté de G2. Ça fait trois bonnes raisons de valider, de double tamponner cette victoire des BDS qui nous porte à égalité. Et donc, naturellement, beaucoup de questions vont commencer à être soulevées. La place du Hivern dans cette série, est-ce que les G2, d'après vous, vont laisser Sheo opérer sur le Green Phaser? Le quoi? Le Green Phaser. Mais le type en français, c'est bon. Voilà. Mais enfin, moi, je pense. Oui, parce que pour moi, c'est plus le support qui pose problème. S'ils n'arrivent pas à l'allier avec soit Nautilus, soit Rell, soit surtout Brome. T'as pas de front et double enchanteur, ouais. Ça marche plus en 2023. Pas te mentir, s'il y a un champion, tu peux l'allier avec minimum 3 champions en support, ça marche, voire plus. Bah, ban juste le champion. Ouais. Tu peux pas ban les supports. Tu peux ça pas a l'air ban... d'être le nœud un peu cet hiver. C'est un problème, hiver, dans les games. J'ai pas eu cette sensation, tu vois. Nuke a vraiment bien joué, tu vois. Lavrov a bien joué avec son Brome. Moi, j'ai vu Marguerite, frère. Je peux te dire, elle a fait des trucs cette game. Moi, je pense que c'est un problème. Même la game d'avant, pour le coup. Après, c'est-à-dire que tu bannes pas Talia, possiblement. T'as pas envie d'avoir Sheo sur Talia ou possiblement le flex. Après, ils peuvent l'avoir eux-mêmes, G2 aussi. Ça peut être aussi la réponse. Ça peut être repartir en blue side. Bon, déjà, Rell, normalement, est ban parce que vu la première game, on va la retirer. Après, eux, ils peuvent partir sur Hivern. Eux, ils peuvent ne pas ban Talia et partir dessus. Enfin, G2 a juste à changer un petit peu les cartes. Ça peut être autour du Hivern, mais ça peut être autour d'autre chose où je pense qu'ils ont des réponses. Je pense que jouer Talia dans Hivern, par exemple, ça doit être possible. Pourquoi pas, effectivement, accélérer le jeu, mais en tout cas. Essayer de sortir les BDS de leur zone de confort. Leur zone de confort, c'est discutable. Une win, une lose. Se tombe d'un côté, se tombe de l'autre. Peut-être qu'on va vouloir simplement jouer un BO3 dans ces conditions-là. Ça fait partie des suppositions qui sont présentes. Quoi qu'il arrive, on aura au moins deux games à se mettre sous la dent, mesdames et messieurs. C'est déjà jour de fête. La série sera plus longue que beaucoup de pronostics, je pense, à travers la planète League of Legends. Donc, on se régale. On marque une courte pause, bien sûr. G2 contre BDS avec G2 au choix du side. Lavons-nous, d'ailleurs, avant que... Blue, pardon, excuse-moi, Bichente, je n'avais pas entendu. G2 Blue Side, donc, pour cette troisième map. Ça revient dans quelques instants sur ETP. À tout de suite.
Et nous voilà de retour pour la troisième game de ce BO entre G2 et BDS. Et BDS, Freak, qui est donc arrivé très conquérant au cours de cette game numéro 2. Ils ont un coup à jouer dans le BO. Cette troisième game va un peu déterminer si c'était vraiment un coup à jouer ou si c'était plus un upset pendant ce BO, juste une game qui a été volée. À voir justement où est la place d'Hiverne, comme le disait Twix, à voir ce qu'il y en est au niveau des supports. Il y a beaucoup de choses à considérer et on aura déjà des réponses au niveau des bans. Est-ce qu'on va s'adapter, prendre Talia, ban Hiverne? On va le savoir tout de suite. Absolument. En tout cas, du côté des BDS, il y a deux bans qui, je pense, restent inamovibles. Draven, Kalistar, c'est ciao. Ansama ne touchera pas ces deux champions pour l'instant du BO. Et de l'autre côté, Talia Hiverne et Zeri seront à deux retirés. Hiverne qui est open, donc. Hiverne n'est pas touché, je ne pense. Comme G2, ce n'est pas un problème. Et que les problèmes qu'il y a eu n'ont pas été basés sur Hiverne, mais plus sur ce qui s'est passé dans la game, oui. Ce qui s'est passé overall au niveau des joueurs et surtout de la bot lane. Et c'est pour ça qu'on récupère une petite rel pour Mikix ou peut-être pour Yike encore une fois. Tout à fait, une rel qui peut être flexible dans la jungle. Hiverne de nouveau qui est validé pour BDS, Adam, Blindpick, Renekton et même réponse Yike du côté de cette top lane. Kled du côté de la top lane, pardon, tandis que Caps nous montre la Nico qui sera validée. Ok, c'est la même draft sauf au niveau de la Nico pour Caps. On est maintenant dans une situation où on va avoir un autre choix des carries. C'est pas Kaïsta, cette fois c'est Xayah pour Crowny. On n'est pas sur la même draft finalement, c'est bon, on a changé. Quels vont être les bans? Évidemment, on enlève Brome du côté de BDS. On ignore le rôle d'AD Carry. On a peur plus de cette versatilité vraiment de Brome avec possiblement Tristana qui pourrait arriver aussi pour BDS encore. Tristana qui a été enlevé, ben effectivement, voilà. Côté G2, on ne prend pas le risque de jouer avec cette fameuse double compo, compo double carry AD. On enlève également la Kaïsa pour éviter un combo Kaïsa-Rel ou Kaïsa-Nautilus qui est toujours à disposition. Et au passage, du coup, qu'est-ce qui nous manque côté G2? Est-ce qu'on va ban un dernier midlaner ou est-ce qu'on ban un support type Alistar? On peut ban un Flex encore, on peut ban un Jace, on peut ban pas mal de champions. Après Jace, ça ferait majoritairement de la D, ça serait facile pour Yike de se build et pareil pour Broken Blade. Donc je pense que c'était plus cohérent de partir sur un ban support. Il y a Alistar, il y avait encore Nautilus, il y avait beaucoup de choix. Maintenant la reprise pour BDS, mid lane, support, mid lane, Azir pour Knuk. Est-ce que c'est validé? Ouais, c'est pas trop mal le Azir en réalité. Ça va re-rentrer un peu dans la composition qu'ont exécuté les Mad Lions hier. Rakan, non? Tu veux pas Rakan? Ok, on garde le last pick. Il y avait Rakan, my bad. Mais on veut le counter pick support. Ouais, mais après Rakan, Axayah, bon, va counter pick. Je suis d'accord, c'est très très fort. T'as enlevé Draven, Kalista au cas où, tu vois, donc en plus, t'es tranquille. Mais finalement, ce sera pas un pick Rakan en début de draft, de deuxième rotation. Et non, du tout. Alors, il va falloir trouver une nouvelle formule du côté de cette botlane, le Ezreal. Oh. Un peu à l'image de ce que nous a proposé Karzy hier. Imagine le Ezreal Pyke qui débarque. Pyke là? Ce serait marrant. Très marrant, mais face est-ce que c'est efficace? Face à Hiverne, c'est toujours cool, mais j'y crois pas du tout, évidemment. Mais ce serait marrant. Ce serait marrant. Pas de karma, on est bien d'accord que ce pick n'existe pas, c'est le top lane Mikix. Soit Karma, elle est pas encore up, c'est le 13. Ouais, pas cohérent. On vole le Rakan, beaucoup plus cohérent par contre ici. Maintenant, on a un choix très simple, Alistar. Oui. Qui est récupéré. C'était téléphoné ici, ce pic Alistar. Hein. Pas trop de surprise de ce côté-là. J'aurais pu avoir Leona, mais bon, bof. Hein. Moi, je pensais à Leona qui traînait. Mais effectivement, Alistar reste beaucoup plus fort actuellement dans la méta. Et j'imagine qu'au niveau des clics, c'est des champions qu'on a aussi beaucoup plus l'habitude de jouer. Oh, c'est surtout que Alistar a une value de fou face à Caps avec sa Nico. Face à Yike aussi avec sa Rel, tu peux largement enlever disengage avec ton coup de tête, ce que Leona ne peut pas faire évidemment. Tu es dans la mêlée, tu es finito face à une Nico. Mais bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. On a une composition qui reste tout de même assez intéressante hein, du côté des G2 avec un trio topside tout à fait intéressant. On a vu ce counter pick de Kled dans le Renekton tout à l'heure qui avait très bien fonctionné pour Broken Blade et qui avait permis même d'aller chercher un solo kill dès lors qu'il avait réussi à trouver ce gank au niveau de la bot lane. Est-ce qu'on peut envisager quelque chose de la même manière? Parce que là, Xayah, Alistar, ça referme un peu plus la porte aux tentatives de dive, non? Ah, faut voir parce que c'est aussi une question de réception, de teamfight, de futur dans la game. Il y a beaucoup de questions à se poser aussi. Qui a le scaling à 100%?
Ah, ça, pour le coup, c'est un petit peu plus difficile de le négocier. Là, comme ça, sur le papier, j'envisagerais quand même Ivern, Xayah, Azir. Range plus shield plus team fighting front to back, ça me paraît quand même beaucoup plus efficace. Pas de problème, évidemment, pour le scaling. Et en late game, on a vu dans le STK, c'est un problème, on a plus de dégâts, tout simplement. Ouais. Et si, à part si tu trouves vraiment des ultimates phénoménaux, ça peut vite te poser problème. En tout cas, on va directement rentrer dans la game, pas de bumper. Game numéro 3, G2 contre BDS. J'étais contre BDS, on a évidemment un scaling plus facile pour BDS. On a la même situation que la game 1, simplement qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire ne pas donner 5000 gold d'avance à l'équipe adverse et s'assurer de pouvoir arriver au teamfight à 25 minutes de jeu avec un maximum d'items. C'est le but ici. Alors, est-ce qu'on a des spécificités au terme de runes? Mais très rapidement, lorsque je jette un œil, j'ai pas l'impression qu'on ait de grosses dingueries. Ansama qui est quand même allé chercher un petit PTA avec son Ezreal, un peu plus de burst dans les trades courts pour pouvoir peut-être match un petit peu plus ce Xayah Alistar. En effet, on va voir ce que ça va donner. Sachant que actuellement, G2 sont en train de se diriger vers une sorte de mini invade, mais on emprunte juste l'information de cette ward évidemment. Attention par contre, Yike, on sait pas du tout où il est et ça c'est un problème parce que bon. Yike, depuis le début du BO, dans la première game surtout, son impact qu'il avait eu avec Sarah, elle était un peu trop difficile à gérer. Donc, ouais. Si t'avais l'information sur son premier clear, c'est très cool, mais qui peut la donner? Parce que qui a sa priorité là? Ah bah là, en fait, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité vraiment de pouvoir poser des wards et on n'a pas réussi à avoir ce niveau 1 pour au moins prendre l'information sur un des camps. Donc pour l'instant, on est complètement à l'aveugle. Petite ward défensive dans le pixel bush de la part de Nuke, mais derrière, la priorité, elle est bel et bien pour cette Nico. Elle est bel et bien pour cette Nico en effet. On va voir ce que ça va donner justement du côté de Sheo qui est totalement vu lui. On a normalement 3 priorités pour G2 sur ces 3 lanes respectives et on a le même scénario en top lane. Broken Blade qui prend un trade niveau 1, qui sait qu'il ne peut pas mourir. Attention tout de même, les HP sont bas. Mais on va remonter évidemment et voilà, même scénario, même situation et surtout même champion en jungle qui peut venir dive si besoin. Oh que oui. On a quand même un Sheo qui s'est très rapidement projeté au niveau de la top lane. Quoique non, j'ai menti, c'est juste le passing habituel du Ivern qui allait smiter ses camps et il va revenir au niveau du bot side. Je raconte n'importe quoi. De l'autre côté, par contre, on a un Yike dont on n'a pas l'information toujours côté BDS qui lui se dirige sur le top side, donc peut-être alors, pour appuyer Broken Blade. Alors on va voir ce que nous fait Sheo évidemment. Le petit passing habituel du joueur BDS. Ce qui nous intéresse, c'est cette wave top, c'est à quel point on peut la deny. Est-ce que Caps peut même faire la rotation avec son énorme wave mid lane? Il faudrait justement aller punir Adam sur ce top side. Le problème, c'est que Caps ne pourra pas décaler assez vite. Yike est vu, il n'est pas au courant. Et Sheo, très malin, retourne sur son top side, ne va pas chercher son groupe. Mais est-ce que son arrivée est suffisante dans ce 2v2? Ah, j'ai l'impression qu'on veut quand même tenter la petite ward qui n'a pas été repérée, mais justement on veut re-engage, on veut essayer de tout mettre sur Sheo. Le flash out est bon pour l'instant, temporise avec le shield, mais il a bien joué. C'est un Kled qui va faire le dégât phénoménal pour aller chercher le kill immédiatement sur le jungler BDS. C'est Yak qui va récupérer le solo et on va enchaîner peut-être au niveau du top lane. Est-ce qu'on peut dive Adam? Mais on va pouvoir trade kill ici tout de même. Le trade kill est le strict minimum qu'Adam pouvait récupérer, sachant que derrière il perd 2 waves entières. Il va pouvoir TP, mais cette wave sera déjà morte et ça bounce back. Broken Blade, même situation que la game 1, sans avoir à passer par la bot lane. C'est un petit drame pour BDS qui commence. Ok oui, Broken Blade qui est très très confortable. Trade kill certes se trouvait de la part de Adam, mais un kill sur la rail, un kill sur Broken Blade. Et tu le disais, une situation de wave qui est peu ou prou catastrophique pour le top laner des BDS, dépourvu de son flash. Et regarde-moi Yike, qui n'avait pas terminé son clear au niveau de la jungle topside, qui peut remettre la même. Oh, on n'a pas de smite pour Sheo évidemment, donc ce style n'est pas possible. On vient juste embêter, prendre l'information, repartir dans son bot side. On a un scuttle et un gromp à récupérer pour prendre le niveau 4, pendant que Yike va mettre 24 auto-attaques sur cette ward. Attention Caps, le timing est évident, mais bon, on a le clone unplayable. Depuis la refonte de Nico au niveau du clone, il y a beaucoup de match-up qui ont changé, comme Zoé par exemple, ouais, ou la bulle. Est intouchable, évidemment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas revu Zoé d'ailleurs, le champion est un petit peu doomed actuellement. On parle pas. On parle pas des mages, je t'en supplie. Ça, je sais, Rick, t'inquiète. On partage le même trauma. Sheo qui a pu prendre le scuttle, mais pour l'instant, il se fait légèrement zoner de son romp. Il a pas trop envie de flash-tech son bot side, mais normalement, on a l'information. Alors, on a une. Impossible wave. Non.
impossible. Tu mens, Mikix. Non, impossible. Ouais, on est d'accord. Un petit peu de poke tenté, on met un peu de pression, on deny une partie de la wave, on a, je crois, pas réussi à tout récupérer du côté de Crowny. Qu'importe de toute façon, on continue de mettre de la pression du côté de la bot lane G2. Et de manière générale, on voit que sur toutes les lanes, il y a une avance sur CS qui se crée. Broken Blade, c'est phénoménal encore une fois, le DPS. Oh, le très top laner mid lane. Attention à Caps qui pourrait se faire surprendre justement. On va essayer de trouver le dive pour Broken Blade dans 1 contre 1 sur Adam. Peut-être un autre solo kill. On dismount, on met la dernière auto-attaque. Et évidemment, solo polo sur ce top side pour Broken Blade. C'est pas le premier du BO et c'est peut-être pas le dernier. Son cled est vraiment monstrueux. Oh que oui. 30e solo kill pour le top laner des G2 ici. Qui fait parler la poudre dans son match-up 1v1. Bien évidemment, bien setup par Yike en very early game, mais on appuie fort, on fait fructifier les ressources qui ont été offertes par le jungler, et pas qu'un peu, un kagold d'avance dans le match-up direct maintenant. Ah bah le match-up, tu passes derrière, tu sais, fini. Après, prendre un tel trade juste avant de se faire crash sa wave, oui, c'était dramatique pour Adam malheureusement. Broken Blade qui joue bien son match-up, qui l'a travaillé, on le sent, il connaît totalement les limites de ce match-up. Et maintenant, le problème, c'est qu'il avait qu'un Tiamat. Et le Tiamat, c'est pas le meilleur item pour prendre des solo kills. C'est ce qui vient après, oui, une problématique. Oh que oui, ça va commencer à être de plus en plus compliqué du côté de Adam, qui, on le rappelle, n'a toujours pas son flash. Et dans cette situation, trouver un nouveau dive, en réalité, eh bien, pour Broken Blade, c'est quasiment acquis. Attention, attention, même Mikix un petit peu avancé, la brof qui aurait pu se faire zoner par Ansama. Ce dragon n'est pas contestable du côté des BDS. Premier Nike de récupérer pour G2. Yike qui se met bien ici. Il faut juste aller vite récupérer le reste de son, de sa jungle, parce que sinon on pourrait tomber derrière en XP. Et normalement, avec autant de prio sur toutes les lanes, ça c'est vraiment un problème. Comment PDS draft 3 lanes perdantes? Ça, ce n'est pas cohérent. Tu ne peux pas. Attention, par exemple, accélération de la brove ici, justement, sur Ansama. Ansama qui claque la clean. Est-ce que c'est suffisant? Le flash out est nécessaire. Évidemment, très bon play de la part de la brove qui force les deux summoners de la décarry de G2. Ça, c'est fort, effectivement. On a réussi à trouver un très bon trade ici pour la bot lane BDS. Est-ce qu'il est suffisant pour réussir à crash? Parce que Yike est à disposition pour aider justement son bot side. Oh. Et Crowny qui va prendre la sauce. Le flash qui est réclamé. Yike, bien évidemment, qui est juste à la sortie. La drop, c'est bien joué. On arrive à temporiser. Le headbutt qui est bon. Mais est-ce que Crowny peut vraiment s'en sortir? Est-ce qu'il peut vraiment s'échapper ici? Appliquer l'HP. Mais il y a Caps qui arrive et qui va justement pouvoir se positionner peut-être pour un peu blossom. Il n'en aura même pas besoin. Oh, il va louper son trade. Oh, c'est loupé. Il a tout raté. Il a tout raté. Tranquille sur le Alistar. Mais Crowny qui survit pour l'instant. Il n'y a pas de solution pour Crowny. Il n'y a pas de solution. Normalement, un pop blossom va partir. Et c'est bon, c'est un kill de récupérer. Mais Caps en champagne qui a loupé tout ce qu'il pouvait. Le spacing de Crowny était bon. Oui, bon, non, non, Caps. Caps qui se fait un petit peu troller. Attention tout de même, on a Sheo qui est à la récupération. Ah, Nuke peut-être. Caps a encore son flash en réalité. Hein. Ah, il va le louper lui aussi. Évidemment. Ah, on sait pas. Ah, il va en avoir besoin, il va en avoir besoin, mais c'est pas suffisant. C'est super. Oh, pas la curse. Ah, tu la curse. Oh là là. Merci pour ça, Strick, parce que Caps, eh bien, il va t'en vouloir désormais. Un shutdown trouvé par l'empereur de Shlurima. Oh le flash, tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans Caps. Pardonnez-moi, il n'y a pas de recul, c'est mon roi Caps, c'est juste mon roi ici. Et malheureusement, shutdown qui part sur Nuke. Ça, c'est une bonne nouvelle pour BDS. Ouais, qui a quand même accuse d'un léger retard pour l'instant. Hein. 8K gold, enfin 8K gold, 8 minutes et 2K gold de retard du côté des BDS ici. Tandis que le héros de la faille, Yike, est en train de le négocier sans problème. On a la botlane des G2 qui est au mid, qui a la prio. On a toujours cette prio sur Broken Blade qui est inarrêtable pour l'instant avec son cled. Et du coup, le Herald, lui, n'est pas contestable. Évidemment, 2 kagols toujours d'avance pour G2, évidemment. Et on a le monstre en top lane, le Red Boss qui est déjà accompli à 9 minutes de jeu. Il est trop compliqué à négocier, Broken Blade, là. Hein. Ah, il y a double Doran plus un cristal de rubis contre un Hydrovoras. Ah, c'est pas mal, hein. Après, pour le coup, Adam s'en sort pas si mal au niveau du farm, ce qui est déjà très bonne nouvelle parce qu'il s'est fait solo kill après le gank. Normalement, dans ce genre de cas, un Renekto en solo kill, tu peux peut-être le voir sur ta T2 avec 30 CS, tu vois. Là, il s'en sort admirablement bien face à un Broken Blade qui est bien nourri, mais là, c'est là où ça devient plus dur. Ouais, on va pouvoir commencer à appuyer maintenant. Et la Brov, inspirée avec son Alistar, on peut vraiment essayer de tenter ce
cet engage. Oh, le reset, on va cancel Mikix. Est-ce qu'on peut vraiment trouver cet engage ici sur Rantama qui va se repositionner avec son Ezreal? Mikix qui a encore un flash. On s'est peut-être un petit peu dispersé. Tout est loupé pour BDS. Dispersé du côté des BDS. Attention, Rantama qui n'a toujours pas de flash. On va toucher le route. On est là pour la brof. On est pas là pour Chrony. Menu qui va pouvoir récupérer le kill. Oui, okay. Avec le décalage de ce Azir, c'est bien. Oh, l'inspiration était très bonne de la part de la brof, mais juste bonne exécution du côté de G2. On a trouvé un bon dash de Rantama. Mikix a trouvé un bon flash. Heureusement, Nuke. Oui. Prend le kill et c'est surtout Sheo qui touche le stun. Mais on n'était pas loin du drame. Aïe 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 aïe. En fait, on était en anticipation. On voulait pas donner l'information sur Hans que la brof était derrière. Mais malheureusement, ça s'est retourné contre lui. Et là, Mikix qui est pas loin de s'échapper. Effectivement. Et heureusement, quand ça va, on peut le dire, se mispositionne. Parce que s'il repartait sur le T1, il y avait plus rien. Il y avait pas. En fait, il a voulu poser, je crois, une auto-attaque ou un Q-spell de plus. Et du coup, il se retourne alors qu'il aurait juste pu tranquillement revenir. Et évidemment. Et c'était un petit mispose de la part de Rantama, un mauvais choix. Ce qui fait que Yaek n'a pas pu arriver à temps, évidemment. Maintenant, deuxième drive. Le deuxième round est dans 50 secondes. On a les rôles de la faille à poser. Normalement, c'est pas un play facile pour BDS. Qui vont logiquement se faire crash ce héros de la faille avant le Drake. Ouais, mid lane probablement, tu veux déranger le Azir assez tôt. Mikix qui est là, qui n'a pas d'ultimate, partition impériale, Cap qui se rend disponible. De l'autre côté, c'est Yaek qui dérange. Est-ce qu'on peut trouver un pop low stop sur deux personnes? Oui, Cap. Et on bump, Chléo. On réengage peut-être du côté de la WAF pour essayer d'aller chercher Cap. Mais Cap qui va pouvoir se repositionner sans aucun problème. Très bien exécuté ici. Et du coup, ce dragon est déjà de l'histoire ancienne, Yaek. Encore une fois, sur Duke, mais c'est un peu greedy. Il y a un Drake à jouer d'ici 15 secondes. On a un héros de la faille aussi à poser. On a un choix qui paraît évident pour G2. C'est celui de base normalement ici. Et Nuke fait mal, hein. Ils sont assez low HP, mais on peut tout mettre sur Nuke. Oh, le choix évident. Le turn. Oh, le choix était évident, Fingin. Évident de base. Évident de base ici. On a préféré. Attention, une déportation en plus de la part de Broken Blade derrière Chrony. Il a son ultimate, il a une cleanse. Mais ça reste un cleanse. Qu'est-ce que tu fais quand le cleanse a déjà un item et qu'il te one-shot à l'auto-attaque? Il l'a fumé. Ça va pas être you. Il l'a fumé. Oh, attention, la brof qui était au chase sur Caps. Mais tout n'était que bait. Tout n'était que bait du côté des G2. Caps qui continue d'essayer de troller un petit peu sur Sheo. Sheo qui va finir par tomber. Caps qui s'en sort. Non. Les G2 ne veulent pas mourir, Shriek. C'est la catastrophe, Yaek devrait tomber. On a un kill de consolation pour BDS, mais la game est déjà partie en chaos total à l'avantage de G2. Il reste Drake, mais on a pris tellement sur la carte. Faut juste regarder ce qu'a pris Adam en top lane. Deux plays, tu penses? Deux plaques, effectivement, mais même au niveau du farming, on n'est pas vraiment passé devant parce que Broken Blade est en full farming bot side. Oh non, Chrony. Non. Non, pas encore. Pas comme ça. Deux, pas après trois, tout ce que t'as fait. Attaque ultimate, l'auto est la dernière et c'est fini. Un kill de plus pour Broken Blade. Un solo kill de plus. Et on va passer du coup. C'était un solo kill tout à l'heure sur Chrony? Non, il y avait peut-être eu un assist. J'ai un doute. Parce que du coup, sinon, ça lui fait passer à 32. Broken Blade ici, qui est quand même en 1v3, qui ne pourra pas s'en sortir. Et c'est Nuke qui prend le shutdown. 4-1-0 pour le mid laner BDS. Attention tout de même à ce Azir qui vient d'enchaîner les shutdowns et les kills. On perd la T1 en échange, ce qui est assez dramatique, mais pas assez quand tu compares aux 750 gold qui ont été récupérés par un Azir qui pourrait être ta win condition principale. Attention en top lane. Non, il n'y a pas dive Renekton comme ça. Non, impossible. Impossible, on est juste là pour prendre des plates. J'ai d'ailleurs mis que ça un démolish, on est d'accord. Ouais. Et là pour tabasser la tourelle, hein. Pas de problème. Dragon qui est start pour les BDS. On a quand même un petit peu de dégâts avec ce Azir et on n'est pas trop en position tout de même pour les G2. Ah, qui sont commis plutôt topside. Non, pas Yaek, tu ne peux pas faire ça. Tu l'as fait en game 1. Tu ne peux pas retourner dans le pit voler Zarek. Ce n'est pas possible. Ah, c'est bon, il est parti. Bon, par contre, le problème c'est que Nuke est parti Mercure Crown. Et quand tu pars sur cette itemisation, tu ne risques pas de faire de dégâts avant bien deux items. Cette Tanda Short, ça dépend comment tu joues ton Azir derrière. Mais quand tu compares à la Nico qui est en 6-1 qui a bientôt Shadow Flame, les teamfights vont piquer à 20 minutes. Ok, oui. C'est vrai qu'il y a 6 kills sur Caps. C'est vrai qu'il y a 6 kills sur Caps. Hein. Et 4 sur Broken Blade. Hein. Ils sont passés un petit peu à la trappe dans tout ça, mais effectivement, il était à la récup, le midlaner des G2. Moi, je me souviens juste d'un certain playbot, tu vois, les 6 kills, j'ai un peu oublié après. Un peu de malveillance, ouais, peut-être. Shriek, malveillant, toi? Non, c'est mal te connaître. Je ne sais pas comme ça, mais bon, Broken Blade qui a lui aussi normalement de quoi atomiser cette T1. On va prendre double T en même temps? Sans aucune réponse de BDS possible. Bah,
triple même, parce que la thermite est déjà tombée tout à l'heure, donc on va pouvoir continuer le snowball. Près de 6000 gold d'avance qui vont arriver après ces deux tourelles qui tombent, là, celle du topside, ça y est, celle de la... Non, celle du topside a été défendue par Nuke. Chrony à 400 HP. T'as pas vu, il s'est fait bosser. Ouais, mais c'est pas normal. C'est pas normal, mais il s'est fait bosser. Parce que là, on offre la carte totale au G2, sans aucune contestation possible, sachant qu'il y a des carries de BDS. Quoi? Non, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a fait? La brosse. Il a dû X-Flash, mais il a pas vu que son flash était revenu. Je sais pas. Oh là 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 là. Héros de la faille en tout cas côté G2, on va passer à autre chose bien sûr. Il a voulu X-Flash probablement, je sais pas frérot, on va passer à la suite parce que sinon on va s'arracher les cheveux. Caps, Mickey qui sont un petit peu en retard, on prend l'information avec les bushs de Chéo. Mais on va pouvoir s'extraire de cette situation dangereuse. Est-ce qu'on a une fenêtre à exploiter pour jouer la tourelle? Non, on va même pas se le permettre côté BDS. Impossible, la river n'est pas disponible, Crowny est toujours sur cette mid lane. Midlife évidemment, un peu plus maintenant. Donc on ne peut pas jouer la carte, c'est pour ça que ce petit chunk trouvé par Antama était très bon. Il n'y a aucune contestation possible. La Brof n'a plus de flash, je ne sais pas pourquoi, mais le troisième Drake, j'ai pas vu, arrive dans 2 minutes 40 et ce Drake n'est pas si important. La Soul, elle l'est, mais elle arrivera beaucoup trop tard. Je pense que G2 ne va pas s'attarder autant sur ce Drake. Il aimerait beaucoup plus jouer les tourelles, cette T1 top qui n'est pas tombée finalement. Pas encore. Elle a été défendue par Nuke tout à l'heure, effectivement. Mais la prochaine wave devrait sonner le glas un petit peu de cette tourelle topside. Mikix qui prend l'information, qui fait reculer Adam. On n'a pas l'information sur la position de Yike, qui a toujours ce héros de la faille dans la poche. Et avec le Herald, c'est bel et bien une T2 qui est visée. Une T2 sur un side qui, on le sait, rapporte énormément de gold. Cette T2 est visée, on a le héros de la faille. On a Adam à la réception. Adam avec seulement Gordrinker, ce n'est pas suffisant pour défendre. Après... il n'y a pas de vrai burst. Cette Nico, c'est deux items tout de même, faut faire attention. Mais Ultimate d'Adam plus Gordrinker suffiront pour survivre. Ouais, on va pouvoir aller chercher l'œil sans trop de problèmes. Mais, pardon quoi? L'auto-attaque de Caps là? Un peu de... Tranquille. Tranquille pour le mid laner de G2. Et du coup, cette tourelle bientôt qui va tomber. La Brove, encore une fois, qui se fait un petit peu chunk à la sortie. Chez O peut-être. Marguerite qui est utilisée. La cleanse en Sama immédiatement. Mais trouver un catch est beaucoup trop compliqué. Tandis que finalement, cette T2 a bel et bien été remportée pour les G2. Les G2 qui ne font qu'un travail de maintien des joueurs BDS. Les gars de Caps. Ouais, bah deux items évidemment. On a un Horizon Focus en plus. On est en train de juste maintenir les BDS sur leur lane respective pour pouvoir push les trois sides en même temps et ne perdre aucune ressource. 8k gold d'avance actuellement à 17 minutes de jeu, on n'a pas eu plus grand. Ah ouais, il y a une danse pour le blue buff. Ben je savais pas frérot. Mais attends, je viens de l'apprendre. Depuis quand ça va, ils ont. Je ne sais pas au courant. Et, écoute, et il danse bien en tout cas ce blue buff. On a deux items sur quasiment tous les joueurs. Mais qui a déjà vu la danse de blue buff? C'est Lidit la première fois que j'ai. Je n'ai pas les mots. Il y a une animation de danse pour le bleu. Ben, ça veut dire qu'il y a un pour les dragons aussi ou ça se passe comment là? Ah peut-être hein. Peut-être qu'il y a des animations buff, cachées qu'on peut pas voir. Écoute, tu m'as appris quelque chose Caps. On a les deux items sur tous les joueurs G2 sauf le support. On a bientôt la Muramana qui est stackée et on arrive dans le sweet spot quasi parfait de leur composition. Deux items. Et ils vont être inarrêtables là où les BDS font bien évidemment la course en retard. Et sont très très loin de leur timing idéal. Nuke, tu le disais qu'il y a besoin encore d'un item, voire probablement deux, pour être vraiment efficace sur son Azir. Et la même chose pour l'Axaya de Crowny qui va se faire fumer. Crowny a l'ultimate au flash out instantanément, on respecte, mais c'est gratuit pour G2 de prendre cette T2, sauf si la Brof arrive à trouver une re-engage. Mais il n'y a rien pour BDS. On ne peut rien récupérer. Cette T2 tombe, cette T1 par contre est récupérée par Adam. T1 topside en échange de la T2 mid et de la T2 bot qui a été récupérée par Caps ici. Le trade est bien sûr favorable au champion d'Europe actuel, bien sûr, champion du Summer Split, bien sûr. Et la T2 topside était hors d'atteinte pour Adam qui a fait tranquillement son reset. Deuxième dragon, voilà un lot de sortie assez tranquille. Mais on sait que la prochaine chose qui va vraiment se négocier, Shriek, c'est ce baron d'achat. Tout à fait, on va faire sortir les BDS de la base comme la première game où on forçait les BDS juste à tenter trop tôt dans la game à 19 minutes de jeu.
on est bien trop tôt pour que la fonction, la composition BDS puisse avoir une quelconque utilité en teamfight. Regarde, tu as Renekton qui n'a toujours pas deux items, qui est derrière. Ton Azir est bien dans la game, ça c'est une bonne nouvelle. L'Azir est pas mal. Mais aucun monde où Crony peut DPS dans les fights, sachant qu'à chaque entrée de fight, il doit ultimate et flash. C'est... Il voit Broken Blade, Broken Blade le voit, Crony n'existe plus. Globalement, c'est un peu les teamfights de la Xayah depuis le début de la partie. Et tout est lié à une phase de lane qui a fait boom trop vite. Hein. Bien évidemment, encore une fois, Yike a bien aidé pour que ça puisse exploser. Mais derrière, le solo kill qui fait la différence et qui permet d'enterrer le match-up définitivement. On va voir ce que ça donne, surtout que maintenant que Caps part sur un Rabadon, les teamfights vont être de plus en plus durs. On n'est pas sur une Nico LCK avec Voice Staff, Zonia. Non, 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 là on est là. Voilà, on est là pour atomiser le fight. Ah oui, il a trois. Il a son Rabadon. On est à 20 minutes de jeu, Shriki, regarde-moi. Broken Blade qui charge sur Sheo. Est-ce qu'on peut aller chercher un kill? Deep Nuke qui va justement essayer de se repositionner. L'héritage de Shurima qui est posé. Nikix qui va essayer d'aller chercher Adam qui arrive à CCQB. Broken Blade qui va devoir se repositionner. Le flash a été consommé. On est allé trop loin. Pour les G2, on voulait démarrer trop efficacement, mais finalement on s'y fait un petit peu sanctionner. Oh, Caps, oh, Caps ultimate sur deux personnes, le one shot est trouvé sur Adam et derrière c'est la prof qui tombe, double kill pour le mid laner de G2. Ici qui bah juste remonte avec sa Rabadon qu'il peut one shot même les tanks. Il fait trop mal, Caps. Ça a pas de sens. C'est absolument honteux les dégâts qu'il met avec sa Nico et on avait peur peut-être d'un léger lac de DPS pour les dégâts magiques de cette partie, mais non, pas du tout. Caps est là et met toutes les pendules à l'heure. Ah écoute, c'était les joueurs les plus tanky de la composition BDS qui viennent de disparaître. Oui. C'était Alistar, Renekton. Alors certes, il n'y avait pas des mers en face, mais quand même, eux n'en prennent pas. Tu crois que tes AD carry et ton mid laner vont en prendre? Et non. La Caps, regarde, en forme de golem. Hein. Ah, il manque le slash dance. Le petit golem, hop là, et on l'a pas vu. On l'a jamais vu ici, et on se fait oblitérer. Ouais, bah, où sont les tanks côté BDS finalement? Où sont la front? Parce que Adam, il a des tabis, ouais. Il a pas encore Sterak, et ouais. La Brov, il avait pas d'ultimate. Ouais. Et Caps vient d'acheter, j'imagine, une stopwatch, je dirais. Pour être sûr, vu qu'avec son flash, il va flash air. Ah non, my bad. Une stopwatch, mais qu'est-ce que tu racontes? Une stopwatch, c'est un actif similaire. Évidemment, les 10 stacks de Medjay qui sont complétés par Caps. Bon, de toute façon, il n'aura pas le temps de le stacker. Vu la tournure de la game, prochain fight, flash in, air de Caps, qui va se transformer en minion sur cette wave. Il fait un quadra kill, il l'a stacké. Non, il ne se transforme pas. Ah, très malin. Par contre, plus de protobelt. Ah, plus de protobelt, mais il a un flash, on utilise le chargé, la tempête magnétique. Oh, Cap! Le flash est disparu du 4 joueurs! Et c'est une mutation exceptionnelle de la part du mid laner des G2. Ils vont fumer le fight tout simplement. Ils ont tous disparu, il y a deux joueurs qui ont été oblitérés par l'ultimate de Cap, c'est ces 4 items, 22 stacks Medjay. C'était encore un stomp. Il n'y a que des stomps ce soir. 2-1 pour G2 avec une Nico incroyable dans les mains de Caps. Stop le move bot, mais t'envie. Tranquille. Il s'est rattrapé bien sûr, le mid laner de G2. J'en ai perdu mes voix bien sûr, hein, parce qu'après le BO de ce matin où on a beaucoup hurlé, eh bien cet ultimate nous a également donné des frissons. Caps qui nous a proposé tout simplement une masterclass. Rien à voir. Circuler. C'est terminé. Mais ils sont où? Attends, mais on a même pas pu avoir de replay, la game c'est fini. Qui s'est fait oblitérer? Tout le monde. Oui, mais il y en a deux qui sont montés dans l'ultimate mais qui sont pas redescendus. On va revoir le replay, mais je crois que bah du coup Crowny qui est passé, donc en tout cas c'est allé très très vite du côté des G2, une game expéditive, une masterclass pondue par Caps qui était définitivement là pour smurfer cette game. Mais n'oubliez pas, attention à vous si vous faites des bêtises sur Twitter, parce qu'il ne faut pas oublier de s'abonner à ATP, vous allez découvrir les conséquences. Quand vous voulez voir le match de T1 et que vous n'avez pas votre abonnement à ATP, vous vous sentez frustré. Vous avez tendance à vous lâcher sur Twitter. Quand vous vous lâchez sur Twitter, vous vous faites des ennemis. Quand vous vous faites des ennemis, ils viennent vous régler devant votre lieu de travail. Ne vous faites pas régler devant votre lieu de travail. C'est qui l'énorme merde? C'est moi! Abonnez-vous à OTP.
2-1 en faveur des G2 eSports qui n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère sur cette troisième game. Mesdames et messieurs, Caps a montré qu'il était capable du meilleur comme du pire en une seule game avec San Nico. Une expérience fabuleuse venant, je pense que je peux le dire, j'ai eu un moment d'hésitation, mais du GOAT européen. Voilà, pour le coup, j'ai été mythe. Mais je ne sais pas pourquoi, non, clairement. Il nous a rappelé pourquoi c'était si divertissant de l'observer jouer. Alors, avec les suppositions qu'on a eues sur le desk précédent, bien sûr, on se demandait si on allait avoir encore une recette de type hiverne. Réponse positive. On était à deux doigts du remake de la première draft. Quelques ajustements quand même notables. Le support mêlé est resté au goût du jour pour les BDS ici avec un histoire qui est plutôt un excellent choix. On a opté pour le Azir Midlane puisqu'on n'a pas oublié de bannir la Tristan en l'occurrence, Adam de retour sur Necton, et qui dit retour de Necton dit retour du Kled et retour en force. Le résultat, à peu de choses près le même, sauf que ça s'est exclusivement passé topside cette fois-ci. Bah ouais, et puis en plus, c'est solo kill à un moment, bon, il y a eu pas mal de faits de jeu et tout, et oui. Encore une fois, Broken Blade, il a TP, il a aidé la botlane, il est venu tuer Crony, et pas qu'une fois, il le fait deux fois. Enfin, le fait que... Kill dans le buisson, là. Ce Kled empêche le Renekton d'avoir une bonne phase de lane, et c'est quand même quasiment tous les Renekton dans énormément de match-up, on les voit sortir avec minimum 1000 gold d'avance, voire 2K. Là, il sort déjà en pur 1v1, il est even, voire derrière. Il l'a taffé ce match-up. Hein. En plus, Broken Blade, il donne de l'aide à son équipe, il fait gagner la botlane, qui déjà gagnait au passage, mais il l'a fait vraiment snowball de fou. Je pense qu'il faut vraiment arrêter très rapidement côté BDS de prendre un Renekton trop tôt en blind quand il y a le Kled, et ça fait deux fois que ça leur coûte très très cher. C'est une habitude difficile, qu'il est difficile de frotter. Pour le coup, Renekton a toujours eu cette position de blind pick incontestablement... Oui. Robuste, je pense. En fait, c'est ça, c'est que. Et ce, quelles que soient les ligues, Renekton est censé être le blind pick go-to chez tout le monde. Sauf que là, on s'est fait taper sur les doigts une fois par le Kled. Là, c'est la deuxième. Et on peut pas se permettre de se faire sanctionner une troisième fois de la même manière, parce que sinon, le tarif sera identique. En plus, il y a Rel qui, dans les escarmouches, dans les games, c'est vrai que contre Hiverne, c'est super efficace. Quand tu pètes le shield, le Hiverne, il se fait arracher. Et là, botlane, ce que fait Broken Blade avec la TP, c'est. Terrible. Enfin, c'est genre le Crowny, le pauvre, il a vécu une game absolument horrible en vrai. Tout à fait. J'espère. Le respect à Crowny, mais j'espère qu'on va revoir bien sûr les petits replays, parce que le back-to-back qui lui colle, c'est ça qui fait que Crowny has left the game, hein, littéralement, mentalement et en termes de ressources. Il n'y avait plus de retour pour cette Xayah. Alors l'autre événement, c'est bien sûr le cosplay Krug. Mini Golem, tel qu'on l'appelle dans le jargon, et Mini Golem, il était très très énervé. Optimisation AP pour Nico chez nous. Pas de place pour le Zhonya, pas de place pour. Ouais, c'est marrant parce qu'en Asie, tu prends Proto Zhonya, après tu prends plus une goutte de farm. Mais du côté de Caps, clairement, le German Suplex qu'il met en zone est assez intimidant. Bon, les chiffres sont faibles, mais c'est normal, la game a été pliée en 23 minutes. Hein. C'était un speedrun pour le coup. Alors, c'est difficile de juger un petit peu la tendance de ce BO, bien sûr. Voilà, les deux wins G2 étaient one-sided, mais la win BDS l'était également. Alors, la logique voudrait que ce soit autour des BDS de prendre la main. Mais est-ce qu'on est vraiment dans cette situation? BDS qui va avoir le blue side, hein, c'est pour ça que mon cerveau a un peu buggé. Blue side, pour l'instant, 100% gagnant. Mais le truc, c'est que ça n'a pas changé grand-chose dans la manière dont les BDS sont vraiment draft. Il y a eu peut-être la possibilité de se saisir de certains picks plus tôt ou dans la manière dont ils le souhaitaient. Mais ce qu'ils veulent, j'ai l'impression qu'en termes de 5v5, ils sont contents de ce qu'ils ont. Tu vois, juste, j'ai l'impression que ça va très très vite du côté des G2. Et là, ça s'est encore démontré avec ce Kled qui snowball. On a une Nico qui arrive à faire sa différence. Et bien évidemment, une botlane qui, vu qu'il y a eu beaucoup de bans botlane, a réussi quand même à trouver sa place avec un Ezreal qui est censé être un champion qui, normalement, met un petit peu plus de temps à démarrer. C'est vraiment à deux items qu'on le voit pop-off. C'est vrai, c'était pas la recette habituelle des G2, pour le coup. Ouais, c'est surtout, c'est un champion que Hans joue très très peu. Après, Ez, historiquement, contre Xayah, reste un relativement bon champion. Je crois qu'ils ont pris un très très bon trade niveau 1 qu'il a mis dans le mal. Mais encore une fois, le plus gros impact sur la botlane, c'est Broken Blade avec sa TP et avec son Kled. Et pour moi, les deux stomps,
Parce que la première game, c'est un stomp. Il y a deux vrais gigastomps, la game 2 et la game 3. Oui. La game 1, c'est un stomp, mais qui a pris du temps. Mais très souvent, ça part toujours du Kled, quoi. Ça part toujours de la top lane. Donc, on va voir. En... Kled must die. Bah, déjà, plus de Kled Renekton dans cette game. Mais s'il n'y a pas de Renekton, il n'y a pas de Kled. Exactement. Mais aussi, s'il y a un side qui est différent, côté G2, il n'y aura pas d'Evelynn, je pense. Donc, sans oui. l'Evelynn, ce ne sera pas du tout la même game que la deuxième. Et je pense qu'on va enfin, dans ce BO, avoir une game serrée en game 4. Je pense. Parce que les drafts vont être très équitables, je pense. D'accord, d'accord. Je me pose la question. En fait, le truc, c'est que le blind Renekton, de toute façon, c'est dead. S'il n'y a pas de, de ban Kled, il ne devrait pas exister. C'est quand même une épine dans le pied, ça. C'est très intéressant que G2 ait réussi à travailler ce pic. On voit que Bibi le maîtrise. Hein. Dans un, si on prend un autre prisme, le blind Renekton, de l'autre côté, il n'a pas marché aussi. Il s'est fait marcher dessus par Darius. Hein. C'est vrai. C'est donc, vrai. Un vaccin qui avait déjà été tamponné, hein, pour le coup. Exactement. Donc, juste Renekton, on va prendre un peu moins en priorité. Et les deux top laners. Darius Kled. Bah, qui c'est qui blind pick sur tout ça? Qui ose blind pick? Et en vrai, le blind pick top va être très important. Et en ça, G2 est quand même red side. Et je me dis que Broken Lane, il a peut-être de la ressource. Pour moi, il ne faut pas blind pick top, de mon point de vue. Faut pas blind pick top. Ah ouais? Non, mais Bichente me parle sur ses timings et mon cerveau n'est plus capable de traiter autant d'informations. Quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, réponse directement au jeu. Nous, on suppute, on suppose. Eh bien, nous sommes incompétents, particulièrement traitons. Donc, on va y voir directement ce que les professionnels ont à nous proposer. Oui. G2 contre BDS. Première balle de match en faveur des samouraïs à un seul Nexus du championnat du monde 2023. C'est tout de suite après la pause sur OTP. Let's go! L'heure de la première balle de match, un seul Nexus pour envoyer les G2 eSports en Corée du Sud pour les Mondiaux 2023 et un pas de plus vers le trophée de l'année du LEC qui, si on parle de résultats sur l'ensemble des splits, devrait revenir au G2, mais ils n'y sont pas encore. Aurons-nous une Game 5? Cela dépend maintenant des BDS qui ont le choix du side, qui sont sur le blue side et qui sont capables, ils nous l'ont montré, de remporter la partie. Oui, ils en sont tout à fait capables, en plus avec une manière qui était vraiment extrêmement puissante. On va voir si en termes de draft, on change les choses, si on s'intéresse à ce pic de Ivern. Oh, côté G2, et la réponse est oui, on bat l'Ivern, mais du coup, quid de la Talia? Peut-être qu'il s'agira de la recette ici. Ok. Ah. Trois champions présents sur la draft précédente ont été supprimés. La Talia le sera également. Xayah, Zeri, 2 giga pris au pic. Maokai qui est laissé ouvert et directement on se jette dessus pour Chewa, raison. Est-ce qu'on se serre la pince avec Maokai Sejuani? C'est Juani, très bon bail avec du Yone. Ouh, si vite, si tôt. Est-ce qu'on peut avoir un dog dans ce BO? J'aimerais bien voir Naafiri. Ah ouais? Ah, je sais pas, G2. Ah, G2 Red Side, Naafiri, oui. Tu vois. Je suis chaud, moi. Je suis très, très chaud. Allez, Trundle, ce sera la base. Pas de flex à attendre hein, de Trundle, non, je pense, non. On est d'accord. Très, très peu de chance. Là où Maokai lui peut être flexé au rôle de support notamment l'air de rien et la Nico, twist. La Nico qui est récupérée par Caps qui a fait une game très très impressionnante et du coup Ivern est out mais il y a de la triste, il y a des choses comme ça et le Jace bien sûr qui est toujours disponible. Ah dommage, on a un peu prévu le potentiel Jace avec ce lock très tôt de Nico. J'aimais bien le pré-lock de Yasuo un petit peu à la leader qui avait fait ça une fois contre une Nico, bah justement contre une Nico de Caps je crois, qui avait très très bien fonctionné. Zeri du côté de Crowny, du coup Zeri au-dessus de Xayah Rakan potentiel visiblement. Qu'est-ce qu'on sort maintenant de support? J'imagine il y en a beaucoup de dispo là, mais il y en a peut-être trop. On sait pas vraiment quelle va être la priorité des G2, donc ça peut être dangereux de le blind. Tristana, double ADC, it is. Pas de Jace.
On est vraiment en mode deux marksmen hein, pour les BDS aujourd'hui. Et il va falloir un ban de Brome évidemment pour G2, surtout avec ce lock de Nautilus. Oh oui. Le ban prend encore plus de valeur, je pense qu'il est même certain. Ce sera certainement le premier. Un Brome Alistar, Brome Rakan, de très 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 bons ban pour les G2 du côté de BDS. Peut-être attaquer la poule de champion de Hans. Ce sera intéressant et un Broken Blade qui va du coup garder le last pick très probablement pour lui. Et Hans donc pris pour cible, Xayah qui est out. Renata Glask, ok. Pas bête hein. Pas bête du tout. Est-ce que ce ban Renata, oui, il est pas là pour ouvrir une Samira? Non, peut-être que je mens, parce que limite Alistar est plus embêtant en vrai. Je mens, je pense. Bah écoute, si. Tu réponds à ta propre question, donc ça me va. Je suis d'accord, t'es un menteur. Chase, Reed. Après, Samira, c'est pas si mal, hein. J'aime bien, moi. Tu ne mentais pas, donc? Alors, on va voir du côté de Hans, est-ce qu'il go sur agression, est-ce qu'il go sur quelque chose de plus classique? Varus H aussi, ouvert. Jinx, j'y crois pas. Phelos, j'y crois pas. Ouais, c'est qu'il s'est fait ban Kai'Sa Draven, donc il n'y a pas non plus tant de choix que cela. Pas juste Kai'Sa, non? Sa Kai'Sa, elle est... Non. T'aimes pas un la... truc un peu épicé. T'aimes pas la Kai'Sa de Hansama? Non, pas trop. Tu détestes Hansama, en fait? Non, je l'aime bien, mais pas trop sur Kai'Sa. Ok. Je trouve que c'est pas son meilleur champion à l'image de sa Game 2. Oh, oh. Bah non. Ouais, non. Non. Kai'Sa, Nico. Et la Tristana support, j'y crois pas trop. Alors, ce sera Jax Rakan pour la fin de la draft de BDS et une Poppy. Elle est big, cette Poppy, hein, pour le coup. Elle est sublime, elle est incroyable. Mais en plus, je pense que dans le matchup contre Jax, là où on a vu des Poppy contre Renekton, c'était un peu difficile. Poppy contre Jax, ça peut même dominer en vérité, je pense. Elle est plus que fine. On a moins d'explosivité dans l'engage, forcément. On n'a pas l'ulti-clade pour envoyer Nico vitesse-lumière dans la draft adverse. On a un excellent setup backline. Hansama peut éventuellement dive à l'appel. Il y a plus ce problème de Brome qui nerfait beaucoup Mickey dans la victoire des BDS en Game 2. C'est beaucoup plus encourageant pour le duo Hansama-Mickey quand même, hein, comme ah, 2v2. Hein. Le 2v2 est beaucoup plus facilement... jouable, on sait que Nautilus a toujours la main contre Rakan, ça y a aucun problème en termes de push. Un striker qui donne ses dernières indications, qui a compris, je pense que le pick de Poppy va être très très embêtant. Et il va falloir jouer extrêmement slow du côté de BDS, il va falloir temporiser beaucoup de CD, temporiser une Nico, temporiser un Pilar, temporiser un W de Poppy, jouer très lentement avec un Maokai. Après ils ont Maokai sur le papier, ils ont gagné la draft. Ils ont un très solide jungle mid. Mais attention, attention au pilier bien ajusté de Yike. Potentiellement fatal pour Sheo, mais attention aussi au cancel jump de Tristana, c'est possible. C'est skill level required type impossible. Mais pas entre les mains de la légende. Enfin la légende. Première année, mais légende quand même. Légende du club. Légende du club, c'est vrai. Pardon, j'aurais dû compléter. Oh, en plus, il va être happé, ce vilain Sheo. Enfin, happé, c'est pas dit, hein, il a juste un smite rouge. Peut-être que je m'emballe un peu. Il va au moins faire le démonique, je pense. Oui. Et totalement à raison, il faut un peu plus de dégâts happé dans la composition de BDS, même si on a Jax et Zeri qui en font un petit peu. Il en faut toujours plus. Je vois pas de folie du tout en termes de runes. Bon, on a forcément un Yek qui est parti pitié, mais c'est logique, c'est pour vraiment avoir des 1v1 très très strong. Après, je trouve qu'en vérité, ce counter-pick de Trundle contre Maokai, quand Maokai prend phase rush, c'est pas non plus si simple. Non. D'embêter Maokai. On est d'accord. Surtout qu'il n'y a pas énormément de stats défensives à abuser, surtout si Sheo adapte son build pour éviter une soumission trop value. Tu n'iras pas trouver ça chez Jax, tu n'iras certainement pas trouver ça chez le reste. Yak, ça peut être une game tout ou... C'est tout ou rien, hein, clairement, pour lui. Mm-hmm. Il est bien accompagné, j'aime bien, c'est pas un Trundle qui est solo frontline, très très loin de là. Et Hans, l'air de rien, va devoir faire une énorme game lui aussi, parce qu'il va falloir DPS. Et c'est pas si facile DPS en tant que Kai'Sa contre un Jax et contre un Rakan surtout.
qui peut être très très embêtant. On va forcément regarder en particulier les deux solo lanes qui peuvent être très volatiles. Ouais, on peut se dire également que Caps n'aura pas une game aussi abusive que la première. Et là, c'est le soulagement pour Mickey. On peut grab le support adverse sans que ce soit désavantageux. Il y a déjà un très bon trade parce que la preuve a raté son Q-spell, il n'a pas eu de heal du coup. Il va reprendre un hook qui fait très très mal. On positionne l'ignite et on force le flash dès le niveau 1 du support adverse. Les deux procs déluge de l'âme ont été parfaitement utilisés. Là, c'est posture de soumission pour les BDS, ce qui laisse l'opportunité au G2 de stack la wave comme ils le veulent. De là à envisager un dive, je pense que la route est longue. Surtout avec un setup trundle. Mm-hmm. Surtout sans véritablement de grosses infos sur le Maokai de Sheo. Parce que je vois pas de War, de Raptor ou de choses comme ça. Ouais, le Maokai de Sheo, il n'ose pas partir de la botlane justement parce qu'il a peur d'un dive. Il va du coup aller cover crownier Lavrov. Je pense qu'il va juste full clear Yike. Ouais, je pense aussi. Ah, il va mettre une noire juste. Ah, il reste en plus. Ah, peut-être à raison, parce qu'on bait un... Il a un angle de flash, il a un angle de flash. Sheo pour l'intervention. Ça touche sur Ansama. Le Q connect, flashy, les first blood pour les BDS. Peut-être même un doublé pour Crowley. Oui, c'est bel et bien ça, Sheo. Sheo a eu la bonne décision. Le bait était complet. Le bait était très bon aussi de la botlane de BDS, clairement. On arrive à bien punir Ant et Mikis, qui pourtant a fait un très bon début de lane en 2 contre 2. Mais on a un peu oublié de respecter le jungler. Et en plus, un jungler qui ne va quasiment rien perdre, hormis un peu de temps, puisque son topside, déjà il est défendu par Adam qui va prendre l'information, et il est toujours, mais surtout le trundle n'est pas du tout présent pour counter. Est-ce que c'est la faute de cette war de G2 qui est en cover, mais pas en cover tribouche? C'est aussi le côté où la présence de Sheo ici est quand même très risquée, c'est un gros gamble. Ils disent qu'il y a peu de chances qu'il soit là. Wow. Oh, attention midlane par contre, on le buffer. Ça va se permettre de jump in. On a un flash in aussi de Adam qui joue très très bien le coup, mais Mikix est présent à la défense. Yike arrive avec un flash in maintenant du Nautilus. Très bon pilier, pas forcément létal pour les BDS. Lavrov arrive à pic. Oh, Yike qui se retourne mais qui paye un fight puisque Broken Blade arrive. Adam qui va un petit peu loin, qui aura plus de E. Lavrov va vouloir enchaîner plus directement. Adam qui va tomber sous les coups de Caps. Caps qui kite ici avec un nuke qui va venir BDS qui va prendre son kill. Bien évidemment, est-ce qu'on peut enchaîner pour BDS? Non, on va garder son calme. Et pourtant, il y avait la Zeri de Crowny qui était dans le coin. Ça commence à être très très chaud. Déjà 4 kills en 4 minutes. Pas loin de 1000 gold d'avance pour les BDS. Pas forcément encore acheté, pas forcément encore dans les inventaires. Ils nous refont un bail early game un peu à l'image de la game 2 qui part notamment de la botlane. Le buffer est incroyable, hein. Ouais. Le hook de Mikix, il est pas horrible aussi parce qu'il y avait plein de creeps. Le flash in par contre, il est très ambitieux. Peut-être le pilar qui est pas ouf. Peut-être un peu tôt. Ah, je comprends un peu Adam parce qu'il y a l'arrivée du Maokai, il y a l'arrivée de la Zeri. Donc je pense que dans les coms du côté de BS, on est en mode on veut continuer de fight. Ah, le truc c'est que son il est quand même très 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 vulnérable. Ouais, c'était le seul frontliner qui était dispo à l'entrée de ce fight. Il a dû prendre la balle. Il a pas hésité. Pourquoi Caps il a pas d'item? Il a oublié d'acheter. Bah non, parce qu'il avait des golds, hein. Il a pris un kill et tout. Bah oui, donc il a oublié d'acheter. Donc il a back TP, il a pas acheté. C'est pas un bug d'ATH? Ok. Il a peut-être Bah il a oublié d'acheter. Bah ouais. Il y a pas de trop. Parce que là un petit saut noir. Il a de l'argent, on est d'accord, hein. Bah oui, 100%. On a pas. Il a 1700 gold dans son inventaire. C'est quand même une légende. Il a 1700 G et il vient de TP. Ah, du coup, il back. Ah ouais. Il back, il va forcément acheter maintenant. C'est un peu dommage. C'est très relou pour les G2. Je me demande si côté BDS, on a cette info et on la transmet. Oh, c'est très probable. Je vois pas. Oh, un monde. Il avait des choses à acheter, hein, le boug. Je vois pas un monde dans lequel ça tape pas, il n'y a pas au moins un des joueurs BDS qui le spot. Et du coup, puisqu'il a du back de manière un peu bizarre, eh bien c'est un dragon qui est gratuit et c'est dû à l'erreur de qu'il est de stuff. Hein. Gratuit. Et là imagine c'est un bait, il va arriver pas sur le bon timing, il va se tuer. Et ça a pas l'air d'être totalement gratuit, le dragon pourrait être smité, il est smité par les G2. Et Caps arrive finalement et il est niveau 6 et il met un RP
Nuke Nuke fait des gauche-droite, le trampoline de la midlane BDS est vraiment au point. Ah, la légende. La légende aussi, c'est Mythix hein, qui trouve un superbe hook d'entrée. Qui arrive à te tirer très rapidement derrière Yek qui trouve un bon flashing, qui prend le smite, qui récupère l'infernal. Caps qui trop lolo et des G2 qui botlane prennent de bons trades maintenant. Il est 6 justement. Le hook connect. On a le killer instinct. Pour l'instant, le focus sur Ansama. Il prend en réalité très peu de dégâts. Cronis, son ulti, il a pas la mana d'ulti. Il le hold. Hein. Il y a un moment, je pense qu'il avait pas la mana parce que s'il mettait l'ulti plus tôt, il avait kill. Hein, 100%. Je fais confiance à ton expérience. Et Hans aussi qui a pas très bien joué parce qu'il avait son ult et il a pas ult le W de la Brove. Et normalement, si l'ult se met de côté, je pense que l'Orakan y passe. Un peu étrange ce trade sur la botlane. En tout cas, une game qui est even aux 8 minutes. Il va falloir voir maintenant le fight héros de la fight qui devrait arriver incessamment sous peu. Avec, eh bien, un avantage difficile à... Tréton qui fait siffler sa chaise. Mais oui, c'est Zerotic qui les a pétés, du coup, elles sont toutes... il fait que ça. Tu insinues que Zerotic a... En fait, il les fait grincer. Il se balance sur sa chaise et il les fait grincer en permanence. Et du coup, je pense que ça... Il faut les huiler, si je peux me permettre. Très bien. Allez, c'est Poul, ce héros de la faille, sur une vision BDS. Mais un Labrov qui n'est pas du tout au rendez-vous. Je pense que c'est gratuit. Surtout vu ce qui se passe entre Broken Blade et Adam. Adam qui essaie de répondre un petit peu au trade, mais qui est forcé de reculer tout de même. Héros de la faille sécurisé par G2. Et les BDS étaient totalement d'accord avec cela, ils l'ont pas du tout joué. Ce qui va le poser ici et maintenant. Pour une poppy ? Ça ressemble à un posage d'Hérald. Peut-être un dive violent à barre. Oh oui, c'est un dive. Effectivement, la soumission a été proc, mais Broken Blade a pris l'aggro. Pas sûr qu'il avait envie. Le W fait des dégâts de Poppy ? Ouais. Ok, c'est pour ça qu'il a pris l'aggro, il s'est fait surprendre. Et en vérité, Adam défend très très bien un V2 sur cette phase de jeu. Et c'est Broken Blade maintenant qui va devoir... Masterclass break. D'Adam. Bah, en vrai, oui. Qui jump in volontairement et... trigger l'aggro. Bon, maintenant, il est bami, hein, de toute façon, donc... ce bateau a coulé, Crowny, une plate, et seulement une pour l'instant. Ouais, les deux statiques qui sont présents en botlane. Le Crowny qui a un petit avantage bien sympathique. Vraiment. Une qui devrait se calmer un petit peu, on va pouvoir respirer, enfin on respire. Ce BO il va vite, hein. Avec les games sont explosives, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Adam qui se régale à son tour. En même temps, il a TP advantage. Bien. Il a TP advantage et tout, il est bien, il peut se permettre de grid cette plaque. Normalement qu'il grid jamais, mais comme il a une TP, il le fait, il prend un peu plus de gold. Et il est pas trop en retard, et moi ce Jax, je pense qu'il a vraiment un coup à jouer dans cette game. Ouais, faut voir la suite des interactions pré-divine, je pense que c'est une aventure difficile. Mais bon, ça va, il a quasiment fait le plus dur. Là. Le truc c'est que si la Nico ne tabasse pas... Peut-être que je surestime un petit peu le champion, mais bon, son E a quand même une grosse valeur. Attaque aérie. Oh, le scuttle. Bon, ça touchait pas Crowny, je pense. Attends. Crowny, il peut pas E, hein. Il a cancel avec son pilar. Il a peut-être pas l'information. Jump in. Cap qui se fait maîtriser par Nuke. Maîtriser. Rejump. Oh, c'est un solo kill. Oh, in my book, c'est un solo kill. Et regardez de l'autre côté. Quel travail des BDS. Et tout ça parce que avec les Mikix ont été appâtés par le fight. Oh, il l'a fumé! Qui a été très très bien pris par un Nuke qui prend les devants dans son 1 contre 1 contre Caps, qui va pouvoir en plus récupérer minimum une plaque. On sait ce dont Tristana est capable quand elle peut push les tourelles. Et ce play là par contre, ce qu'il lui a fait, change vraiment la game et fait largement passer BDS devant. Oh, ce qu'il lui a fait. Tag la grenade, pas d'erreur sur le clone. Et derrière, Mikix, c'est pas niveau 6, la brevet niveau 6, il met un super, c'est sur deux joueurs, on a directement Crowny qui est présent. Bon moment, bon endroit, super angle. Vraiment BDS là, la frappe. Et on se retrouve avec 7 kills répartis sur les deux ADC de la draft. Mm-hmm. On est royal au bar là. Pas rêvé mieux en effet, attention Mikix là, pourtant ça va.
pourra sortir. On a en plus Sheo qui a son démonique, donc il y a un spike très intéressant. Mais c'est les G2 qui vont jouer le dragon, et à raison, puisqu'il n'y a plus aucun ultimate sur les joueurs BDS. Donc G2 a pas les gold, mais ils ont les Drake. Ça fait mal ça. Adam qui n'a pas l'air d'être effrayé. Manque de mana pour Broken Blade. Est-ce qu'il avait raison, Adam? Est-ce qu'il avait raison? Bien, il semblerait que oui. Par contre, il a pas de téléportation, donc risque de coûter un petit peu. Petite accélération de G2, on veut redonner des golds à cap sur la mid lane. Tu perds encore des plaques sur la bot lane, c'est du côté de Crowny que ça avance, que ça push. Et on a le fameux Divine dont tu parlais sur le Jack, c'est pour ça qu'il a grid à ce point-là la plaque. Ça donne un peu de ressources à Bibi, mais... c'est ok. Confiant Lukix. Très confiant Lukix. Yike. Oh, la plante. Pizier est pas mal, mais c'est face au Rakan. Contre-attaque maintenant avec l'emprise de la nature. Focus sur Mickey, on veut forcer son flash. Mission accomplie, une dernière. Oh la vache! Mais Nuke est en feu! Ouais, Nuke est... gère très bien le coup. On comprend l'encre de Mickey ici qui était dans la prévision d'un flash in de Nuke. Mais en l'occurrence, une Tristana à niveau 10 qui avait la range. Et Caps, Caps est sur une pick guard, il pourrait se faire surprendre. Attention Caps qui n'a pas de flash, ça peut aller extrêmement vite contre Sheo. Pas qu'il fasse trop le malin. Non, là je pense que l'heure est à l'humilité pour les G2. Parce que cette game part en cacahuète. En game 5, il peut tout se passer. Hein. Bon, je... il va rien faire du tout. À moins que vraiment Nux soit pas vigilant. Je pense qu'il a été vigilant. Je pense aussi, Ansama qui peut prendre le trade, qui pourrait se faire surprendre. Oh, Ansama! Qui arrive à se repositionner. Il a trouvé le flash! Le hook, il est sublime! Ansama a trouvé le flash, Mickey a trouvé le hook. Ça semblait partir très très mal. Mais je crois que son flash il est même pas si bon que ça. Si, il a flash W. Je pense qu'il a pas flash W, je pense qu'il a cleanse et ult out les W. Non, il a ult out et il a flash out le W. En tout cas, il a eu des moves de fou parce que la brave il s'est même pas précipité en vrai, il l'a fait doucement. Bon, après, peut-être que j'ai mal vu, hein, mais il me semble bien que... En tout cas, il y a eu cleanse quoi. Genre, il y a eu cleanse. C'était vraiment bien joué mécaniquement. Je crois qu'il voulait ult vraiment pour tout dodge. De toute façon, on va revoir. Le seul truc qui est dommage pour G2, c'est le kill. Shutdown. Hein. Ah, exactement. Bah, ça, c'est vraiment pas de bol. Ce sera un gros Nautilus, hein, j'imagine. Alors. Mais là, si je ne m'abuse. Il ulti et après il flash avec la cleanse, exactement, t'avais raison. Oh, le hook est illégal. Le hook est sublime. Et derrière, on se repositionne avec l'Ignite Kit Vic et on ne tombe pas pour Ant. Petit crabe. C'est la pire transition que j'ai jamais vue de ma vie sur League of Legends. Oh, puisqu'on est sur le sujet et que la bataille n'a pas commencé, je pense que c'est une des pires DA que j'ai vues, honnêtement. Je suis vraiment pas fan du tout, mais... En combat avec certains CMI Master. Je te l'accorde. Les BDS qui veulent contester ce héros de la faille, mais pour le moment il n'y a pas le nombre suffisant. Nuke a une téléportation, il va peut-être falloir l'utiliser. Adam a une position de flanque intéressante, mais c'est peut-être le flanqueur flanqué ici. La majorette fait d'énormes dégâts. Le backup arrive, les ronces arrivent, mais il est déjà trop tard pour lui. Mais est-ce qu'il est trop tard pour le fight? En tout cas, le roi de la faille est validé par les BDS. Il suffit maintenant de sortir et sortir clean. Que peut faire Yike à part marcher? C'est pas horrible, hein. Ce qui est avec le Nuke, faut aller tout droit. Bébou, c'est pas attention au pilier, il est pas up, heureusement. On va l'avoir bientôt, Nuke a un flash, il est là avant le consommer. On renvoie Caps, mais Caps la Chine. Nuke a tenté de se repositionner, mais c'est un échec. Après, est-ce que la Brave et Chaud peuvent récupérer des choses ici? Oh, la Chine du côté de Chaud directement, focus un Caps qui ne peut rien faire, et maintenant il faut s'enfuir pour Yike pendant que sur la mid lane avec le héros de la faille. Ça pousse. Raoni a récupéré pas une mais deux tourelles. Ça pousse très très fort. Carangol entre les deux ADC, plus de 2300. Et malgré le shutdown récupéré par Caps, toujours un énorme gap entre les deux midlaners. Oui, bien réel. En tout cas, il y a un énorme gap en ADC. Les carries de BDS sont bien, ils sont en place dans la partie. Ce qui leur manque par rapport à la game 2, c'est quand même ce stacking de dragon qui peut être embêtant. Adam qui n'est pas encore assez tanky malheureusement pour lui. Ansama est 2000 gold derrière, mais il a quand même deux items lui aussi. Je suis plutôt étonné.
Est-ce que c'est pas à voir avec le fait que la Kai'Sa n'a pas encore de bot rando ou ce genre de truc? Ce Kai'Sa, je sais pas, les deux items, ils arrivent tellement vite parce qu'elle a juste ses boots de. Ah, des runes, les bots, c'est pas 2300. Hein. Ouais, mais c'est 1100 quand même. C'est vrai que ça coûte un petit but. Genre. Alors, ce flash là, il y avait un angle ou pas? Ah, il s'est dit, il y a peut-être un monde où il sort. Ouais. Là, tu voulais sortir, il met une auto-attaque de plus, il a le reset du jump. C'est des choses qui se tentent. Ulti Poppy, et il est trop court. Le smite quant à lui est bien ajusté par les BDS. Et maintenant, observons. Caps, regardez Caps. Oh, Caps finalement, qui n'atteindra pas la backline, mais qui atteint Sheo, et c'est largement suffisant. Les G2 qui récupèrent deux éliminations là-dessus. Et peut-être un angle de push mid, mais il faudra se débarrasser de Nuke. Ouais, je vois pas comment ils push avec ça. Ils sont nombreux, hein. Oh, ah, non. Ils sont nombreux, mais c'est une Tristana avec un static. Et les ils vont top side, t'es un top. Ah, ils vont surtout repush toutes les waves, prendre un petit peu de vision et essayer de calmer un peu la partie, parce qu'elle va quand même très très vite, c'est ce qu'il en 17 minutes. On revoit ici le W pour s'assurer de ne pas se faire éjecter côté de Cheo, mais de toute façon, je pense qu'on voit quand même n'avait pas la range. Et BDS, ah, il était trop court. BDS qui est bloqué malheureusement, qui ne peut pas faire grand chose. Et heureusement que Caps n'a pas de flash. Ouais, ce flash qu'il a utilisé contre Nuke précédemment, qui ici aurait été dévastateur. Mais bon, pour les G2, c'est quand même un bilan assez cool. Bon, ils auraient bien voulu ce Drake. Hein. On va dans. Est-ce qu'il va sentir le coup fourré ici? Surtout pas qu'il tombe sur ce timing. Pas de flash, pas de Mercure. Il le sent. Dans, il hug son bot side. C'est long. C'est long. Mais on y croit. On y croit dur comme fer. Ça va passer. Non. Attends. Attention parce que Maokai, Rakan et tout, ils arrivent. Le flash est pas loin d'être up aussi. Ah mais BDS arrive donc. L'angle d'attaque est pas vraiment idéal. Counter-Strike, est-ce qu'il peut sortir? Non, il est soulevé, il est hook, il est root et il est mort. Les BDS vont essayer de contre-attaquer. Je pourrais mettre un ultimate, mais il va pas le tenter. Mais Kix, par contre, lui, il a l'air de vouloir réengage. Il a l'ultimate dans 5 secondes. Mais c'est compliqué parce que Crowny est présent. Et Crowny pourrait faire le carton plein ici. Ça va faire très très mal ici les deux carry. Des BDS sont free. Ils sont complètement free. Shutdown pour Nuke. Broken Blade qui arrive par le sud. Caps par le nord. Ansama par l'est. Ok, on en kick 1. On laisse Crowny qui est un petit peu seul, qui peut rien faire. Bien joué de la part de Broken Blade d'avoir réussi en kick un seul sur les deux. Et au final, je crois que c'est un 2 pour 2 entre les deux équipes, mais un dragon pour DG2, un Labrov qui est très low life, mais on ne savait pas la mana. Pas on essaye de back et ce n'est pas fini puisqu'il y a une téléportation de Adam attends. Qui veut se venger. A pu s'en aller, Caps est pas flip. Caps qui tente le subterfuge. Il s'en sort, hein, tranquille. Superbe. Ah, ça valait peut-être le coup de le trap dans ce buisson. Mais qui pouvait s'attendre à ce que Caps fasse un petit fetch check ici? On a une game, clairement. Je pense que le fight était dur pour BDS, parce que Crowny ne devait pas avoir beaucoup de mana. Oh ouais, est-ce que c'est un problème d'être low mana contre juste un champ de tir? C'est vrai. C'est vrai que j'exagère un peu. Je crois qu'à partir du moment où il peut ultimate, c'est bon. Tu sais que Adam, je crois que genre 10 secondes après, il a son flash. Hein. Bon, j'abuse peut-être avec les 10 secondes, mais pas loin en tout cas. Ah, le turn de Sheo est très 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 bon. C'est vraiment free food là. Ah tiens, il peut pas eux Crowny quand même. C'est quand même chiant de pas pouvoir eux avec Zeri. C'est vrai. Après bon, Nuke. Pas via Nuke. Hein. Nuke, exactement. Quand il faut mettre du TPS, il est bien présent. Et cet ultimate de Broken Deck, je trouve vraiment assez incroyable. Le fait que ça pète pas les deux et que ça en pète qu'un seul. Ouais, il l'a un petit peu orienté vers le dessus. Oh, nice fight. Oh. Nice try en effet. Fallait attendre la plante, mais. Là, nous ne sommes pas à l'équilibre économique dans cette game. Mais on s'en rapproche. Ce qui illustre bien un regain hein, de la part des G2 depuis le dernier constat. C'est une séance qui a pris pas mal de kills. On a un Karyade qui est présent et on a besoin de cette Kai'Sa parce que c'est quasiment tout DPS. Ah, il part poke au fait, c'est. Voilà, c'est juste. Oui. Après, il fait quand même des dégâts qui sont débiles. Oui, bien sûr. Champion de con quand même. Hein. Mais qui se fait nerf, qui commence à être moins prioritaire. Donc, je pense que dans l'état actuel, Kai'Sa, ça va. Je pense que ça va, mais surtout que Yamaoka est quand même dans le lobby là. C'est vrai ça. Donc.
Oh oh. Oh, le tampon directement sur la tourelle, le hook par-dessus, mais comment l'a-t-il trouvé ce hook? Comment l'a-t-il trouvé? Et Lavrov qui essaye de mettre ses CC, qui prend d'énormes dégâts, qui pourrait m'en sauver, mais il continue de mettre des dégâts, et il amène dans l'entrée de Cap sur la fight, attends, qui met un superbe stun sur trois joueurs, mais qui n'a pas les dégâts, qui est bien trop seul, qui se fait contrôler par les G2, le hook ce coup-ci ne connectera pas, mais on a des G2. Il n'a même pas bougé, il le savait. Oh, Caps. Oh, les gars. Nos cœurs, pitié, nos cœurs. Oh. Non. Comment a-t-il trouvé ce hook? C'est Kraoné qui ne respecte pas, il a E devant les G2. Mais il y avait un mec devant lui. Ouais, mais même le fait qu'il prenne le tampon de Poppy. Ah, c'est vrai que ça c'est un peu borderline. Il a E devant eux, il s'est mis devant la tourelle. Ah, il a franchement pas respecté et la punition elle est extrêmement sévère. T1, T2, Nashor, là il a plus d'E, il se met devant la tour. C'est... Tiens, il y a Chéo. Hein. Oh non. Oh, oh, il a W. Il a deux buts. Oh. Après, très franchement, de toute façon, il prend l'ultime Nautilus. Il n'a pas d'œil, il n'a pas de flash, il meurt. Il a E l'eau à l'avance. Il n'a pas respecté. Et Broken Blade, quand quelqu'un ne respecte pas, qu'il soit sur Kled ou sur Poppy, il lui arrache la tête. Par contre, dragon pour BDS. Mais il faut s'en aller après. Effectivement, le smite est loin. C'est va aider par Chéo. Chéo qui a un flash, qui peut se repositionner. Et on est un petit peu plus robuste. Ça, à la limite, c'est cool pour Trundle. Parce que j'aime bien le fait que Chéo, voilà, il abuse pas sur les stats défensives et tout. C'est vrai. Bon, après, il a quand même fait un linceul de la congruence. Hein. Il y en a, évidemment, mais... Moi, ce qui me fait très peur dans ce game, c'est que le Jax, il est un peu en low ressources. Ouais, il est très, très low ressources. Hein. Niveau 12, il a les mêmes 16 que Poppy, mais ça avantage évidemment la Pops. Il face un cœur gelé, qui est un choix logique dans ce match. La game de Jax a l'air d'être... Ah, on a besoin de beaucoup plus de temps que prévu pour régner en maître. Et puis dans toute cette game, au final, Caps, il est bien. Hein. Il est revenu en gold aussi. Il s'avance sur sa fameuse itemisation full one shot où il a bientôt son rabadon. Bon, c'est peut-être pas fini, Adam. Ils vont perdre au minimum 2 T2, ce qui... Il va aucun. Et pas tant que ça, s'ils perdent que 2 T2 les BDS, sachant qu'ils ont pris le dragon, je trouve ça va. Luden activé sur Ansama, on n'en a pas parlé, mais c'est son achat le plus récent. Attention au missile, attention Rab, Lavrov est déjà au sol, il y a Ulti Poppy qui a connecté. On a le spectre numérique, Broken Blade qui joue avec ses points de vie parfaitement à la limite. Et Caps qui trouve un Pablo Slam exceptionnel. Nuke est toujours là, en full DPS, mais ce n'est pas suffisant, les grenades s'enchaînent, Nuke tout de même. Sa Tristana, il est vraiment très très solide, il envoie du très très lourd et heureusement il sauve peut-être la game avec ce kill. À part face à la base ici Nuke, qu'on récupère des HP, on a un Lavrov qui revient dans 5 secondes. Je ne pense pas que ce soit une fin de game, mais non. Ça reste un inhibiteur et un très 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 bon play pour les Samouraïs qui se rapprochent de la victoire de Montpellier et des Worlds. Pas encore fait, mais les dernières minutes, ils ont repris le contrôle. Et il a dégagé chez O, c'est ça? Oui. Il a dégagé chez O. Mais après, il s'est fait ouvrir. Hein. Ah, mais il s'est repositionné nickel. Hein. Mm-hmm. Donc, la chaîne de Capsec qui va un poil trop loin. Je pense pas que c'était fin de game, même s'il survit. Difficile à dire. Après, trois items sur Tristana sur série. C'est tout ce qu'on voulait. C'est les trois mêmes. Et là, on avait un fight assez particulier parce que certes, il y a eu Pop Blossom et tout, mais il n'y a pas eu de phase de poke de Ansama. Mmh. Et il l'arrache, hein. Il l'arrache. Rappelle que dans cette game, il y a quoi, 10 minutes, il était 2-3 derrière. En plus, il n'y a vraiment rien, il n'y a personne pour tanker. Et par contre, il y a 2-3 minutes, Adam, il était déjà niveau 12 et il l'est toujours. Mmh. Et il avait 165 CS, il en a 172 en 2-3 minutes, il n'a pris aucune ressource, le pauvre. Il vient de passer niveau 13. Et il est godlike. Chéo vient de se faire laminer. Tout à fait. Il est godlike sur Ansama. C'est quoi ce poulet? Et sans Chéo, sans ultimate de Maokai, est-ce qu'il y a vraiment une menace qui empêche les G2 de s'avancer et de prendre cette tourelle? Je suis pas certain. On a encore un hook de Mikix qui est sublime.
Ça a connecté Grenade ASM magnifiquement. Buffer et Caps qui trouve un double pop blossom. Et les G2 qui déferlent la base BDS. C'est pas encore fait parce qu'il y a la contre-attaque avec Nuke, avec Adam qui va récupérer un shoot de shutdown. Plus de DPS chez les G2. Yike est condamné. Exécuté triple kill pour Nuke. Le match n'est pas encore terminé. Antsy s'est chauffé. Nuke s'est retourné. Il a vu la Kai'Sa. Il l'a oblitéré et Nuke est vraiment en train de tenir la partie. On va revoir. Pourtant, le hook de Mikix, il est bon. Elixir de rage. L'ultimate, il est très bon lui aussi. Le combo de cap, c'est pas mauvais. On arrive à une shot rapide en crowning, mais Nuke est intouché. La Hans go in et Nuke se retourne avec Adam. Oh, l'instant stun. Oh, oui, et boum, oui. Avec un Lavrov qui flash in. Et là, Nuke, après, il est free DPS. La tourelle a fait très très mal à G2. Quel tandem. Quel tandem. Un tandem de type cassé. Mais old school. Très old school. 2020, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, tu disais 2020. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, t'as raison. Est-ce qu'on a un item supplémentaire pour Nuke? Pas encore, mais on a BF. On a Stopwatch, très importante. Oh, le Medja, il y a des stacks. Le Medja, il y a des stacks. Il était à 10. Il n'y a toujours pas les Rabadons pour Kai'Sa. Et pour Nico, on a un petit timing où on n'est pas encore si fort que ça pour G2, donc on peut fight pour des BDS qui sont de toute façon au gold. Bah, totalement présent. Tant qu'on fait pas d'erreur majeure, c'est gérable. Et erreur majeure, bien sûr, surtout parler de Mickey, surtout parler de Broken Blade. Et il faut surveiller Caps. Caps, tic-tac, le flash bientôt de retour. Avec Stopwatch, donc il sera vraiment pas timide. Et il faut protéger Nuke. Il faut que Nuke survive. C'est vraiment lui depuis tout à l'heure qui fait la différence du côté des BDS. Là, au côté c'est poule, c'est poule, c'est poule. Faut que Hans puisse survivre et le Baron Nashor, en effet, il est entamé. On téléporte les BDS all-in dessus. C'est pas assez rapide. C'est pas assez rapide. Attention à l'ulti Poppy qui va connecter. Il n'y a plus d'Adam, mais le Baron Nashor est bel et bien validé par les BDS. Adam qui pourrait avoir un angle de retour très encourageant dans ce teamfight. Mais on décide de partir. On a 5 buff barons, mais les G2 passent à l'attaque et il y a un loup. C'est quoi ce loup? Attends, derrière toi! Attention, Adam qui doit se repositionner. Il n'y a plus l'ultimate sur Azeri, donc Raoni n'est pas très bien positionné. Timing, Shou est pas très bien positionné. Les G2 vont bientôt s'en rendre compte. Caps qui bloque un petit peu la retraite. La prof qui est dans la mouise, pareil pour Nuke. Oh, mais il arrive avec l'ultimate. Nuke, il arrive à s'en sortir. On va juste sacrifier le Rakan de la prof. On a eu le temps de back pour Raoni. On s'en sort bien. Ils s'en sortent super bien et c'est encore Nuke qui fait un très très bon play. Ah, Nuke, il est bouillantissime. Mais les G2 qui profitent de ce timing pour sécuriser un deuxième inhibiteur. Les deux inhibiteurs de sideline viennent d'être anéantis. Les meilleurs de loin. J'aime bien aussi l'utilisation de Kraunik qui est parti Malmortus, qui est niveau 16. Qui va être terrifiant. Après, il y a quand même 3 dragons. Est-ce qu'on peut essayer de lâcher pour BDS du coup? Pas sûr. Ah, les waves vont être difficiles à exploiter. Hein. Il part de très très peu. On peut y aller au mid, c'est certain. Le mid, c'est dangereux. Ça reste la lane où on peut se faire attaquer des deux côtés. Bon, après, les sides, il y a aussi un inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'un seul côté. Aussi bien pour l'attaque que pour la défense. Peut-être un baron powerplay de type timide à venir. De type temporisation. Ou alors juste all-in mid comme des animaux. Un team fight et boum Nexus. Hein. Vu leur stuff, vu le fait qu'ils aient 4 stopwatch, je me dis qu'ils ont peut-être envie de prendre un fight maintenant. Bah ouais. Hein. Le Medjay est à 3. Let's go. Oh, Mikix, non. Il ne va pas faire l'erreur, évidemment. On a Broken Blade qui est un petit peu loin, qui est en train de ramener la wave. Ah, le truc, c'est qu'il faut gérer les sides. Bon, l'inhibiteur bottom a respawn, c'est la bonne nouvelle. Le Jax, il est avancé, hein. Tout comme Mikix d'ailleurs, mais le Jax est très très avancé. Il va falloir gagner du temps, Adam. Il prend des parpaings. Mikix se fait attraper, hein. Mikix pendant ce temps-là, il va mourir et Adam, il arrive à temporiser. Oh, on va tout mettre sur Adam qui gagne énormément de temps. Mikix lui aussi est tombé pour le moment. Adam qui essaye de se repositionner, qui joue avec les G2, mais qui prend tout simplement 32 dégâts. Et maintenant, c'est Lavrov tamponné contre le mur. Est-ce qu'il a une porte de sortie? Un shield, s'il vous plaît, Shio qui se présente et qui va également absorber la grenade ASM. Mais qui va le payer de sa vie. Chronique, il tente le flanc, il est tamponné. Il est soulevé. Oh, mais non, pas du tout. Caps s'est fait one tap. Il reste un
Il reste en solo fight. Est-ce que Hans va mourir? La réponse est oui. Gravny arrive à faire le clutch. Par contre, la prof s'est fait attraper. Gravny qui slide sur le wall, qui essaye de gagner un maximum de temps. Il n'y a pas de wave, il n'y a pas de fin de game possible pour les G2. Par contre, cours, Gravny est en marche. On veut aller chercher l'Azeri. Cours, Gravny. Continue. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah, Broken Blade l'a senti. Oh oh. Yo. Il le sait, il le sait. Après, sa mort va pas avoir un impact de fou parce que les objectifs sont là dans longtemps. Ouais. Mais Kix et Adam, les deux ont gagné un temps absolument fou. Mikix sans stopwatch toutefois, mm-hmm. en tant que Nautilus. Mikix, il a solo tanké l'ultimate de Maokai. Hein. Aussi, ouais. Qui aurait fait du bien. Clairement. Shio qui oublie pas ses frères. Exactement. Et c'est Nuke qui fait la différence parce qu'il tue Caps avant que l'ultimate proc. Mais ouais, Caps s'est fait dézinguer. Ah non, c'est Crowny juste avant stopwatch. C'est Crowny en fait qui l'extermine. Il arrive, il met W ulti et après il lui met une rafale stopwatch. Franchement. Parce que s'il y a l'ultimate de Caps là-dedans, c'est un fight bien différent. C'est fin de game. Par contre, côté BDS. Oh! Côté BDS, on a utilisé les jokers. On a utilisé beaucoup de stopwatch, surtout celle sur Nick. Transit Crab. Pardon? Je sais juste qu'il n'y avait plus de stopwatch, quoi. Oui. Et je sais pas si Cap ça flash. Je n'ai pas l'info. Apparemment, ce serait des soucis audio côté BDS. Certainement Nuke qui a lâché un nice à 125 dB. C'est clair qu'ils ne sont pas passés loin de perdre la game là-dessus. Je pense qu'il y a un petit coup de pression. Mais elle est toujours winnable du côté des BDS. Ils vont avoir quand même un problème. Il y a une âme du Dragon des Montagnes à jouer. Ils sont à 3, les G2. Les BDS sont que à 2. Et l'âme des Montagnes a fait quand même une différence assez majeure. Bon, là, la game se prolonge. Tristan Azeri, ça commence à être trop big, hein, en théorie. Potentiellement 2-3 minutes de temporisation. Et B. Bah, c'est pas plus mal qu'on puisse souffler un peu parce que cette game et ce BO va vraiment vite. Moi je suis pas de cet avis, mais. Ah ouais? Bah non, parce que quand une game est intense comme ça, que t'arrives au money time et tout, le pire qui puisse arriver pour les joueurs, c'est qu'ils sortent de leur match, quoi. C'est vrai que pour les joueurs, c'est pas fou. Surtout qu'en termes de battements par minute, je pense que les cœurs vont très très vite. En plus, ils arrivent dans une phase de jeu, j'avoue. Elle est insane, hein, la phase de jeu qui arrive là. Dans une minute, il y a un dragon, il y a un âge qui arrive. Je sais pas, après, c'est RNG, on ne sait pas qui va profiter de la pause, qui va rester vraiment dans son A-game. C'est l'ambition des deux teams. Peut-être que les deux vont rester dans le A-game, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Et on va directement rentrer dans la partie. Il n'y a pas eu tant de temps que ça. Adam, il faut qu'il prenne des ressources, parce que vraiment, il joue un... Un Jax qui n'a pas grand chose dans cette game, il pourrait faire la différence si jamais il arrive à avoir quelques items. On a une minute avant le Mountain Drake, on a deux minutes avant le Nashor et on a le Rabadon sur Caps. Énorme upgrade, il a vendu le Medjay. Signe de faiblesse. De grande faiblesse. Ça me fume, il a 4 items, Yike. Ouais. Putain. C'est du Trundle. Hein. Ah, il a 9 kills. Hein. Ah, c'est un Trundle s'il a une âme des montagnes, tout comme la popée de Broken Blade, bonjour. Hein. Alors la popie de Broken Blade, toujours immortelle dans ce match. J'avoue, folie. Et on peut pas dire qu'il joue de manière timide. Non. Le 1-0-15 contre double ADC. Franchement, ça pèse. Hein. Ah ouais, Mythix, comme ça, maintenant sur la brof qui se fait cancel par Broken Blade. Heureusement, mais attends, trouver un bon double stun. Attention, il y a le sur le côté. Le poke sur la brof a été très très bon. Adam qui doit temporiser. On a un ultimate de Bobby qui va partir. Oh, tu peux louper. Adam qui se fait contrôler. Adam qui va tomber directement. Oh, Broken Blade qui prend du focus, mais qui arrive à temporiser. Et on a Caps. Caps en petit groupe qui pourrait surprendre absolument tout le monde. Belle rafale. Attention, Ansama qui envoie des météorites. Oh, il fait trop mal. Il fait beaucoup trop mal. C'est la soul pour les G2, mais est-ce qu'on va même la récupérer? Caps, il a un flash. Il vole la game. Il a un rêve. C'est flash in et choper Nuke une fois dans la game, mais Nuke a encore l'ultimate avec Sana et on sait qu'il est capable d'outplay.
et la nuque. Ils veulent la game. Il est un peu seul contre le monde, 15 secondes pour Adam, c'est très très long, mais il a encore Sheo et la Brave en tant que frontline. Ils veulent la game, ils n'ont même pas la poppy. Ils n'ont même pas la poppy, les G2. Quelle audace! Le Who Connect, le Pop Blossom est là! Et c'est sécurisé en un clin d'œil! Les G2 eSports remportent leur best of five face au BDS, à moins qu'Adam, sans ressources, puisse faire la différence, mais c'est impossible! Le missile de Hans pour récupérer un quadraquier juste avant de terminer ce BO. De sécuriser sa place à Montpellier. C'est dégueulasse! Devant son public français, de sécuriser surtout une place au World. Ils veulent Penta, ils veulent Penta, mais on n'y arrivera pas. On va juste sécuriser ce Nexus. Bon, j'avoue, juste après la pause, directement, il y a un fight qui est gagnant. C'est un peu triste quelque part, mais c'est tout de même G2 qui a mieux joué, qui remporte ce BO 3-1 avec des BDS qui n'ont pas démérité. N'ont pas démérité. Je parle évidemment de l'épée et du crabe. Alors que le Nexus va péter. Au secours. Ah, c'est sale, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, vraiment, j'ai vomi. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, on peut voir bien sûr la déception du côté des BDS, mais rassurez-vous, c'est loin d'être terminé pour eux. Oui. Il y a toujours cette troisième place au World, cette potentielle quatrième également, en cas de... Voilà, contre les Golden Guardians, on vous réexpliquera bien sûr. Mais il y a un BO contre SK Gaming à jouer la semaine prochaine pour les BDS. Et ils étaient pas loin d'emmener G2 en 5 games. Mm-hmm. Et celui-là, il est éliminatoire, que ce soit pour Exakik, ouais, pour SK en globalité ou pour BDS avec ces joueurs qu'on aime beaucoup. Et G2 est au Worlds, bien sûr. Alors, en toute transparence, on n'en attendait pas moins de l'escouade la plus dominante d'Europe. Mm-hmm. Mais tout de même, c'est validé, c'est tamponné. Et ils affronteront, eux, également, eh bien, nos chers Mad Lions pour un nouveau clash au sommet. Ça va être un très très beau match. Dans le bas du classement, il y a aussi le Fnatic Excel qui est très intéressant. Et écoute, des G2 qui n'ont pas été aussi impressionnants contre Excel, mais je pense aussi que l'ennemi était très bon et on a un Broken Blade qui fait une EBI. C'est Romain qui l'a chauffé, je l'ai vu. Oui. Mais Broken Blade très fort encore. Très très fort Broken Blade. Kled, Poppy. Il y a eu son Renekton, il s'est fait bouger. Et encore, Renekton était curse dans ce BO. Renekton était maudit, je suis d'accord avec toi. Et encore, ça a été des rotations. Ça a été un Dant qui a très bien joué, qui a pris des kills de manière hors de la laine. C'est quoi. Le Darius. Hein. Oui, c'est le Darius qui a été très très bon. Mais Broken Blade, il est fort, putain. Sur beaucoup de champions. Bah non, mais c'est réel. C'est vrai. Bah, en même temps, il doit briller à l'Inter et il faut vraiment montrer ce genre d'état de forme. Parce qu'il y a des gros morceaux qu'il va falloir pourfendre au Worlds. Des très gros morceaux d'ailleurs. Mais bon, si. Voilà, s'il est sur cette trajectoire, franchement, on peut être plein d'espoir. Allez, c'est l'heure du débrief, mesdames et messieurs. On se remet un petit peu toutes les grandes étapes de cette série en tête dans quelques instants sur le plateau d'analyse. A tout de suite. G2 est au Worlds, donc, et sera à Montpellier pour la suite de ses Season Finals. Après cette victoire, il y a quelques instants, face au BDS 3 Nexus à 1. Une dernière game extrêmement serrée qu'ils ont su tout de même bien tourner en leur faveur. Les BDS, bien sûr, qui n'ont absolument pas démérité, qui devront affronter les SK Gaming pour eh bien, avoir une chance de faire partie de l'escouade européenne qui représentera donc la région au niveau du championnat du monde. Hein. On vous reparlera en détail de l'enjeu de chaque match, mais grosso modo, un best of five et ça sent bon pour le coup. Pour la représentation, enfin deux en théorie, puisqu'il faut compter celui aussi contre le site numéro 4 de l'Amérique oui. du Nord. Mais voilà, on en reparlera en temps voulu. Messieurs, alors très belle quatrième game, sanglante, elle est tellement sanglante qu'on va avoir des highlights qui vont durer longtemps pour le coup. C'est parti dans tous les sens. On est sorti du Ivern Gaming. Franchement, pour notre plus grand bonheur, quel clash tout de même. Et malgré l'absence d'Ivern, toujours deux ADC pour les BDS. On adore ça. Et franchement, ils le pilotent bien. Oh que oui, hein, BDS qui a réussi à très vite prendre la main en réalité dans cette partie. Avec une mid lane très en avance, une bot lane très en avance. Cependant, et ça a été peut-être leur principal défaut, c'est que les BDS n'ont pas su garder leur calme en réalité et sont très vite... finalement voulu surjouer et se sont fait taper sur les doigts. Le G2 effect, hein, un petit peu en quelque sorte. Le lead était colossal, notamment sur Krovnich, Rick.
des 2-3 gold d'avance et G2, escarmouche après escarmouche, ils reviennent dans le match avec un joueur qui a beaucoup subi dans cette dernière partie, c'est Adam, hein, il avait vraiment le mauvais rôle ici. Ouais, Adam avait le mauvais rôle, il a eu quand même des responsabilités en fin de game dans le catch sur Ansama et compagnie, même si avec plus de ressources. Ça, ça sentait bon la cinquième game là. Hein. Mais franchement, de toute façon, Striker le dira très bien sur X, comme à chaque fois avec un bon tweet. Mais il y a eu des waves qui n'ont pas été respectées, surtout en mid-game, des timings importants qui ont été beaucoup trop précipités par BDS. La classique, j'ai envie de dire, BDS, maintenant on les connaît, parfois ils font des magnifiques early games, mais derrière on se trop. Et c'est ce trop qui n'est vraiment pas normal, qui les sépare de la qualification World. Alors on ne sait pas que cette game était la cinquième, mais c'était vraiment qui pouvait donner la cinquième. Et si on veut aller au World, il va falloir gagner un BO5 contre une autre équipe qui sera légèrement normalement moins forte que BDS, que G2. Et ça se, c'est peut-être ce genre de détail qui fera la différence, justement, de savoir garder le lead en early game, de ne pas se précipiter, de ne pas troll sur quelques waves et quelques timings. C'est ça pour vous ce qui fait la différence, c'est la précipitation un peu. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas, hein, parce que en réalité, au sortir d'un early avec Tristan Azeri qui sont en 4-1 et 4-0, pour moi c'est censé être game breaker. Précipitation et cohérence de plan de jeu, tu vois, parce que la précipitation est liée à la cohérence. Comparaison que ce move est un assez bon exemple. Ultima Hawkeye qui part topside pour un Nautilus. Pour moi, c'est déjà trop tard. Oui, c'est déjà trop tard. C'est plus vers 15-20 minutes de jeu où le plan de jeu n'est pas respecté parce qu'il y a de la précipitation et que les deux sont liés. Très bien. Encore une fois, chez O, grand respect, on n'oublie pas les refs. Très admiratif. Ici, regardez le caps là. Bam! Ce qui est incroyable, c'est que même avec autant d'avance sur deux carries, les teamfights sont maîtrisés par G2. Alors qu'en face, c'est justement les deux carries sont ultra fed. C'est une dinguerie que. Ça, c'est la spéciale G2 aussi. Comment tu fais quand t'es G2 pour à chaque fois revenir de 5-6 kagol de retard? Donc face à une compo double à des carries, 4 items, voire 5 items. Je peux te le dire, on a un Trundle qui a fait autant de dégâts qu'une Nico dans cette game. Le Trundle a été phénoménal, hein. Vraiment. C'était à grands coups de batte, hein. Il a allumé tout le monde. Yike, il a pris les shutdowns au début, il a pris pas mal de kills, et puis derrière, il mettait des patates. Il tabasse. Il tabasse le premier venu. Tout ce qui passe. En fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a réussi à suffisamment bien coller au contact de Tristana et Zeri. Il a autant de Nico. Il a tabassé. Genre, il a vraiment pas chômé, le gars. C'est pas normal, c'est un Trundle. On voit des Viego avec 2500 de dégâts. Là, il y a un Trundle avec 20 000 de dégâts face à 2 range. La même game. Je comprends. La même game, bien sûr. Mais c'est pareil, c'est un Maokai qui peut Q et le virer. T'as un Jax qui peut Counter-Strike. Grande game de Yike, évidemment, mais. On voit le crash ici dans la game, absolument terrible. On a interview de Hans, c'est pas nous qui la faisons malheureusement. On va se diriger du côté du LEC et de Dracos. Berlin and all the G2 fans celebrating for good reason as you were victorious. But before we celebrate the moment, I do want to talk a little bit about that last game because you got away with some stuff. In that game, Hans, it got a little dicey there for a little while around the double 80 carries. What were the comms like in such a chaotic game? I think the comms were still stable. We didn't panic or something, and I think we looked for a lot of good picks, like pressuring side. I think it was kind of scary when we started to throw because I think it was like kind of easy to win until. I guess Tristana got my shutdown and she was starting to be mega strong in the game and double AD carry in the enemy team, super scaling. Yeah, that could be scary, but I think we did a good job in comms to talk about what we need to do and we won. Yeah, ultimately we were able to get the victory. Were you caught off guard at all by the level that BDS showed today? We haven't seen them in quite some time. So what did you think of their performance today? I think they were good some games. I personally thought that they were playing pretty well, especially when they had the Zeri pick. It seems like they are it's their comfort, and maybe I should have think to ban it on the game three, but also did a mistake in the ball lane, right? I think that they showed up today. It's always weird to have this kind of break, and then you suddenly see the team that didn't play for many weeks, so your prep is not like as good as before. I mean, like we don't know much stuff, right? So yeah. I mean, it makes perfect sense. On to you. I think a lot of people expected the G2 win today. Despite that, this is a win that has now locked you in Worlds. And while Worlds is exciting, we're not quite there yet. Instead, I want to talk about being locked to play
in France, in Montpellier. The last time you were there, it was in a finals versus G2, playing for Misfits. Since 2017, this is the first time you're going to go back to play. How does this feel for you? Are you excited? I'm very excited to play Montpellier because well, it's been a while that I haven't been able to play for the French crowd since yet 2017. But unfortunately, that 2017, I still remember that they ended up on the loss against G2 at 0-3, and I felt kind of bad because like everyone was kind of cheering for us, for me. The public, so definitely this time around, I really want to win in Montpellier. From now, the French crowd is crazy. Only the meilleur. I'm very excited to be there. I mean, I think it's a huge opportunity. How do you reflect? I mean, this is like obviously when you look at your career overall, you look a lot at the titles, and I think this is an opportunity to look back at one of the little things, which is like playing, or a big thing in this case, playing in front of a home crowd. How do you feel like you've evolved over the years since we last saw you there? From young Hans, I remember Reckless was shouting you out in his MVP interview at the time. Yeah. Kog'Maw Game 3, they banned your Draven, and now they're still banning your Draven, but I feel like you're such a different player to what you were then. Well, I evolved in many ways. I still have the... actually, in 2017, I wasn't playing... maybe people think that I was playing a lot of my signature pick, Draven Kalista, but I didn't play it up until like 2018, 2019. But I think I learned a lot on how to lead more, how we play around the bot side, macro and stuff. I evolved about that a lot, and many other different champions that I can play. Well, I could pick Ezreal today. That's kind of not usual for me. I think I evolved a lot since 2017. A lot of up and down, but I'm happy that I'm there, able to win with G2. Yeah, it feels like on a pretty big up at this point as well. And while you'll play Mad Lions next week, and we'll see who gets to go to the finals, I think general public assessment right now of G2 is that you're the strongest team in the region. Do you think that's a fair read on where you guys are right now? Well, I think, yeah, it's fair to say that we are strong. I mean, we didn't lose a game, I mean, like Siri since a while. Even in the best of one in summer, I think we were showing a lot of dominance. I'm still looking maybe some of the teams will show a very, very good play, and I think that they can have for example against BDS, like they were picking the Zeri and they showed us some strength, a lot of strength, and they won one game, they could also win the second one, like the last one. I think other teams they definitely have their strength, and but so far, I think we are the best. I think you're the best. So this was mostly to set up for the follow-up question, which is, who do you think is the biggest threat to G2 right now in the OEC? The biggest threat? The biggest threat. Who's your biggest threat of the remaining teams? I'm not sure. Is it because no one's a threat? How confident are you? I didn't think about it, so I'm not sure. I'm confident against every team that we're going to face. Yep. As long as we prepare correctly and, focus every week. Because I think we did a mistake once in the summer split that we didn't really try hard as much, and we almost lost against Excel. So as long as we as long as you keep up the effort. Okay, yeah. You know, fair. I think very G2 answer in the spirit of things. One last thing I want to check out here is the MasterCard play of the day. Now, here's the thing about this play is you had a lot of highlight plays. You're not in this one. And I don't know if you got to see this while we were in game, but this was awesome. So if you didn't get to see this, I would love to get reactions. This. Actually, I saw this. I think I was working on base or something. Do you feel... That's crazy. Are you proud of your mid support after a play like that? Like, how do you feel when you watch that moment in game? Actually, I feel like this kind of stuff can be expected because the amount of time they talk to each other and find some crazy stuff, creative stuff. They talked about some stuff every time, and I feel like we could see more from them about that stuff. I feel like it's expected from them to make crazy plays. I feel like that's a good expectation to have from members of your team, that you just know that they're going to make crazy plays. Well, congrats again, Hans, on qualifying for Worlds, on qualifying for Montpellier. That's all from us here. Wow. Engelshard, man, for joining us. Let's give it up one more time for G2. 5 ans après, mesdames et messieurs, il est de retour.
Misfits Ansama, vaincu bien sûr en 2017. C'était un grand événement, hein. C'était absolument superbe. La foule était dingo. Il y avait une cape et tout, c'était trop stylé. Tu connaissais League of Legends à ce moment-là, Shrek ? Quoi ? C'était où ? C'était à Marseille. C'était sur la Canebière. Tu connais pas cette salle, la Canebière ? Ah non, regardez comme ça, c'est effrayant. Merde, je souris, c'est chiant. C'était à Bercy. J'en ai aucun souvenir. Mais... C'est vrai, pourquoi ? Je sais pas, chaque année se ressemble maintenant, c'est devenu difficile de s'en souvenir. 2017, il y avait Fnatic, H2K, il y avait Misfits contre G2. Ouais. H2K, c'était avec Arman ? Pardon ? Avec le mec qui jouait Merdinger, je sais plus comment ça se prononce, mais Arman. Yarnan. Ouais, Yarnan. Herman Miller. C'était avec Herman Miller. C'était avec cette itération ou pas ? Pardon ? C'était avec lui ou pas ? Je sais plus si c'était Yarnan, je sais même plus si c'était Yankos, je me souviens plus de la line-up à l'époque, hein, pour être tout à fait honnête avec toi, ça... Moi, voilà, je me souviens... Donc, pas le seul. C'est bon, mais bonne question, petit enfoiré. Je me souviens que Draven avait sorti... Ansama avait sorti Draven en troisième game. En troisième game, en mode, vas-y, c'est bon. C'est bon, je me rappelle fumé, de ça. Ouais. C'est un super événement, et donc voilà, tout ça pour dire que Ansama est de retour 5 ans après. Bon, c'est pas à Bercy, ce sera à Montpellier. Mais voilà, il est super impatient, il a beaucoup parlé de vous, mesdames et messieurs. Il n'a pas parlé de nous, mais il a beaucoup parlé de vous. Donc on espère que vous serez présents et présentes et que vous lui montrerez que rien n'a changé depuis 2017 et que ces éloges pour le public français vers le public international sont justifiés. Dans le reste de cette interview, une série disputée, beaucoup de respect de la part de Ansama, notamment vis-à-vis de la maîtrise de Zeri côté BDS. Il a beaucoup parlé de Zeri. Ouais, et même qui du coup il l'avait ban en game 3 par respect, on s'est senti en confiance malgré tout dans le BO. Il se sentait aussi en confiance par rapport aux autres adversaires qu'il pourrait potentiellement affronter. Et il hésitait un petit peu sur qui était vraiment l'adversaire le plus compliqué à négocier. Mais la réponse finale, c'était tant qu'on se prépare bien, normalement personne ne peut nous résister. Ouais, il parlait de ce danger de ralentir le tryhard. Il faisait référence à la série contre Excel. C'est pas cool pour Excel, hein, pour le coup, je pense. Mais bon, après tout, ils ont montré que... En mode attaque 3R, ils étaient capables de le fournir. L'ennemi principal des G2, ce sont les G2, du coup, c'est ça la conclusion. Personne, il a dit quoi, il a même pas réfléchi à ça, mais s'il a pas réfléchi, c'est qu'il n'y avait pas réellement de menace. Tant qu'ils sont préparés, c'est OK. Il a aussi dit quand même qu'au niveau de son calling, de sa communication, il était devenu beaucoup meilleur. Il savait comment un peu la bot lane. Et il savait aussi jouer des champions beaucoup plus. Ah, de rire. Beaucoup plus meilleur. Beaucoup plus meilleur. C'était quoi alors, Bercy, t'en souviens, c'était quoi les équipes? Ouais, vas-y, Fabiven, Yankos, Nuclear. Nuclear. Alors non, pas Nuclear Int, Nuclear. Nuclear, c'est un joueur asiatique. Ok, je m'en souviens. Pas du tout. Wow. Une botlane. Ouais, c'est bizarre, t'as eu des informations? Non, j'ai pas d'informations, c'est une boucle d'oreille. Tu critiques mon style, mec? Non, mais vas-y, continue, je te laisse faire la suite. Hein. Non, ouais, voilà, merci. Très désagréable, comme d'habitude, Shrek. Prosterne-toi un petit peu, prosterne-toi. On en est où? Ah oui, on en est... Bah, on va regarder tout simplement l'arbre de tournoi à jour avec une transicrabe, mesdames et messieurs. Ouais, on est fou. On est complètement fou. Donc, l'arbre à jour, G2 contre Mad Lions, ce sera la Upper Bracket Final. Les deux équipes seront à Montpellier. Puisque bon, la ligne est pas droite, mais grosso modo, G2 Mad et le Lower Final, il y a 4 slots, mais c'est 3 équipes. Donc c'est 1, 2, 3, seed 1, 2, 3 des Worlds. Et donc le match juste avant le Lower Round 2, qui est en bas au milieu de votre écran, ça c'est le match où le perdant ira affronter le 4e seed d'Amérique du Nord pour la 4e place réservée aux IMEA/NA. Donc, Fnatic, Excel, SK, BDS, en cas de victoire, on peut aller aux Worlds si on gagne le prochain BO ou si on gagne le prochain BO contre les NA. Tout à fait. Voilà, grosso modo. Sachant qu'on le rappelle, il faut fumer les NA, c'est dans l'histoire, c'est pour la postérité. C'est pour la postérité, mais ce sera contre les Golden Guardians, hein, donc c'est pas une affiche extrêmement aisée non plus, mais ce sera un petit peu plus tard. Mesdames et messieurs, donc la suite du programme, vous voyez ici, le 26 août, donc samedi prochain, on commencera avec SK Gaming contre BDS, et le lendemain, ce sera Fnatic contre Excel. À des horaires normales. Tout à fait, 18h, puisqu'il n'y a pas les autres. Horaires normaux. Des horaires normaux. Il a dit normal. Oui, il dit normal. C'est plus meilleur comme ça. C'est plus meilleur comme ça.
Pardon, je suis désolé. Transicrave. Elle est nulle. Pourquoi elle est buggée? Tu veux lancer une transicrave? Bah oui, je veux lancer une transicrave, mais je veux qu'elle soit pas buggée. Non, elle fait une transicrave, mais qui est pas buggée, parce que ça fait deux fois qu'elle est buggée. Lance-la correctement. Ah non, fais une transicrave, pas buggée. Bichente. Transicrave, pas buggée. Il a dit 2 minutes. Ah, 2 minutes pour la lancer. Ok, les gars, mesdames et messieurs, on amorce un petit peu. On peut plus, apparemment. Vas-y, une transicrave, frère. Je suis sûr qu'il peut, mais il veut juste faire chier Shrek. Ah, mais. Elle était pas buggée en plus. Transicrave. Transicrave. Retransicrave. Ouais, c'est bon, on arrête. Transicrave. C'est trop bien. Mais c'est terrible hein, en réalité. Mais bon, faut le prendre avec philosophie. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce week-end importantissime. Ce début de season. Cette bonne guerre. Ce début de season finals, donc, petit rappel, Mad Lions et G2 qualifiés pour championnat du monde. Et on a encore toutes nos chances du côté de Excel et de BDS. C'était un week-end extrêmement intense, donc il y a également des qualifiés au niveau de la Corée du Sud, Genji, T1 et Genji, bien sûr, champion de la Ligue coréenne, tout fraîchement après avoir nettoyé les T1 3-0. Et ils vont mettre du temps à s'en remettre et je ne nous inclus pas bien sûr dans cette discussion. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et présentes tout au long de ce long week-end, de ce grand week-end de compétition. Et bien sûr, l'aventure continue dès demain avec le début d'un autre tournoi qui nous tient à cœur, les IMIA Masters. BK Rogue, Team Geo et la Karmin Corp pour récupérer le titre qui appartient à la LFL mais qui pour l'instant est en possession de la Ligue Turque avec les grands gagnants, les Istanbul Wildcats qui seront là d'ailleurs pour défendre leur titre. On vous prépare bien sûr toutes les données pour apprécier cet événement qui va s'ouvrir donc dès demain, si je ne m'abuse, 16h30, pardon, un petit décalage, excusez-moi. C'est pas grave. Désolé, je suis désolé. Allez, messieurs, merci beaucoup à Tréton également. GG pour le tanking. Bravo à vous. Rendez-vous demain, donc 16h30 pour le pré-show des IMIA Masters Group Stage Day 1. Dans cette attente, prenez soin de vous. Des bisous et à demain.